Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour la grande finale de la Dwa Cup. Ça y est, on y est. Après des semaines de qualification, les meilleurs squads se sont donné rendez-vous ce soir pour s'affronter et savoir qui est la meilleure équipe du moment, en forme en tout cas. Et pour m'accompagner ce soir, Skyheart, le grand Skyheart. Il gagne des LAN, il commande comme jamais. Enfin, je pouvais pas mieux finir cette Dwa Cup qu'avec toi, mon cher Sky. Comment tu vas? Merci de l'invitation déjà, ça fait grave plaisir. T'as eu des grosses semaines en ce moment. Ouais, j'avoue, j'ai très hâte ces dernières semaines. C'est bien, c'est bien. T'es dans la compète. Ouais, je suis dedans. Non, en tout cas, super excité. Là, le niveau va être incroyable. Oui. Là, vraiment, il y a les meilleures équipes françaises et tout. Et je pense qu'on va avoir, des belles fights. Énervés, je pense. C'est clair et net. Donc, du coup, comme on vous l'a dit, il y a eu des semaines de qualification. Et maintenant, c'est le grand jour. Ils vont s'affronter. Et voilà, il va tout se passer. Le bus de Fortnite qui va arriver. Plein de choses qui vont se passer. Vous allez voir tout ça ensemble. Mais avant qu'on démarre officiellement cette Dwa Cup, vous voyez qu'il va se passer des choses. Il peut se passer tout et n'importe quoi, mesdames et messieurs. On compte sur vous. Tenez-vous le rendez-vous, c'est parti dans quelques instants. Je lance officiellement la Dwa Cup. Bonne chance à tous. Mon cher Sky, tellement classe. Gros programme. Gros programme ce soir. Mon cher Skyheart, je te propose déjà de revoir un peu le format. Parce que bon, même toi, si tu connais, parce que tu avais déjà commenté avec moi la première édition en trio, la finale d'ailleurs, je crois aussi, qu'on avait fait ensemble. Et on va faire maintenant cette finale en squad. Regardons un petit peu le concept. Donc il y a eu des phases qualificatives. Les meilleurs squads, hein, à chaque fois, 8 squads qui passent sur les 24 invités qui se qualifient pour cette grande finale. Donc on a eu 3 sessions de qualification. Et là, on y est. Les 24 meilleurs squads sont au rendez-vous. Forcément, il y a un format. Donc 6 games, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Les points sont redistribués en fonction du top, 15 points pour le premier, 12 pour le deuxième, et ensuite ça redescend. Et puis bah, forcément un point par kill. Ça c'était pour le format. Parlons aussi des qualifiés, parce que c'est ça qui nous intéresse. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, il y a des joueurs de ouf ce soir. Ouais, les meilleurs sont là. Regardons tranquillement les qualifiés, en commençant par la semaine 1. Voilà, vous pouvez déjà remarquer quelques pseudos. Dis-moi un peu, même si Sky Vato, Nikoff, Airwax, on s'y attendait. C'est pas hors de qualification, si tu veux savoir. Ça peut te donner un peu la tendance, sachant que Hunter par exemple a été la meilleure squad de la qualif 1, ce qui nous donne un petit amuse-gueule, parce que franchement, on les aurait peut-être pas placés en premier sur le papier. Et bah au final, ils ont montré, ils ont prouvé, hein, pour le site qu'on avait vu briller aussi dans en trio. La dernière Dwa Cup que j'étais, que j'ai commenté avec toi. On a aussi The Vic, Blax, Bad Sniper et Arcane, je pense qu'ils vont pouvoir briller ensemble. J'ai hâte de voir ça, du coup, à mon avis, il y a que des bonnes équipes, de toute façon. Après, il y a eu quelques équipes surprises, tu vois, il y en a d'autres qui sont tellement neutralisées qu'elles se sont, entre guillemets, un peu ruinées leur qualif, et du coup, t'as d'autres équipes qui, eux, avaient des bons spawns et qui ont réussi à se placer. C'est ça aussi la Dwa Cup, essayer de faire émerger de nouveaux talents, et surtout sur la scène européenne c'est un peu bouclé maintenant, tu vois, il y a tellement d'équipes au niveau européen que les petits nouveaux ils ont pas de place, alors que là vu que c'est que francophone, finalement tu regardes, tu fais vite le tour et il y a des petites places pour certains joueurs qui ressortent du lot. Et ça peut être leur moment à eux, c'est leur moment, hein. Donc ils tryhardent encore plus, c'est-à-dire qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils sont d'habitude, et du coup ça se perturbe aussi les pros qui ont l'habitude d'une certaine manière dont les games se déroulent, et là qui sont un peu surpris par des nouveaux styles, parce que forcément eux aussi ils ont besoin de grandir, d'apprendre de leurs erreurs sur le terrain. Mais comme tu l'as dit, s'ils ont déjà réussi à passer la phase de la qualif, c'est qu'ils ont quelque chose. C'est clair. Qualif numéro 2, regardons un petit peu qui est passé sur la deuxième semaine. Forcément, je pense que tu vas remarquer Noward 8ème avec 4 ZR en Dilex DRG. Ouais, on les aurait donné peut-être plus devant. Je les ai vus chanter. Hein. On était des contracts. Il y a de ça, je vois que tu as suivi, heureusement, parce qu'il y a ce côté où c'était pas représentatif de leur potentiel, mais ils se sont quand même fait très peur et au moins ils ont pas eu besoin de jouer la troisième qualif et donc d'être en stress. Il y a l'équipe de Xewer aussi qui avait fait une très bonne première semaine, qui avait eu quelques problèmes, tu sais, tu le sais, avec parfois les crashs. C'était assez mal tombé pour lui. Et deuxième semaine, ils ont réussi à se qualifier toujours avec un scénario assez fou. Régularité. On a vu la strat, la reprise de hauteur qui était vachement propre. Exactement. Et hâte de voir ça. On a aussi l'équipe de Keen. Oui. Du coup, Keen qui avec un mix avec Falcon Lee, Nate et Robabs. Donc, quatre gros talents, quoi. Et en plus, quoi, Nate très en forme parce qu'il a fait un gros résultat au FNCS. Donc, même ce qu'il a pu apprendre, avec forcément les Mongrels, etc., ça peut servir, tu vois, dans ce genre de moment. Mais comme tu le sais, on passe beaucoup sur la com des joueurs dans la Dwa Cup. C'est aussi un plus pour vraiment comprendre ce qui se passe sur le terrain et vivre ça avec eux. Tu remarques, en fait, eux, ils parlent pas beaucoup. Mais tant mieux, tu vois, ils déroulent leur jeu. Ça parle pas beaucoup, mais ça kill, donc ça va. Ah ouais. Et ils ont fait deuxième de leur qualif. Ils ont fait une énorme game avec une quinzaine de kills aussi, du coup, dans leur qualif. Donc, exactement. Ça paye. Et parce qu'en fait, ils ont même pas besoin de parler, ça y est, c'est naturel pour eux. Et ils sont bien trouvés, comme tu l'as dit, c'est un mix. C'est-à-dire qu'ils ne traînent pas ensemble. Je crois qu'ils ont même pas train pour la finale. Donc il y a même pas un délire de oh, venez, on joue un soir pour voir. Non, je crois pas. Deux équipes quand même à garder en tête, celle de Max Alibur avec forcément Lens, SPK et ZQ. Très très violent aussi, mais on l'a dit, tout le monde est à garder au sérieux. On enchaîne avec. Le copain Hat aussi, avec Antora, qui avait fait des gros taf et l'équipe de Blackie et Clément qui ont été impressionnants, hein, pour la gagner
cette qualif-là, vu les pseudos, elle était pas facile. Donc eux, je pense pas qu'on les place dans des débutants ou quoi que ce soit. Hein. Eux, maintenant, ça y est, hein. Ils ont l'expérience de terrain. Clément, ça commence à faire longtemps que je vois sur mes tournois, donc j'imagine qu'il fait tous les autres à côté. Blacky, pareil. Donc forcément, ça me choque pas de les voir là et surtout premier de leur qualif. C'est vrai qu'on va devoir les garder d'un coin de l'œil parce qu'ils peuvent surprendre ce soir. Alors par la dernière qualif et même la dernière qualif, t'as des gros noms qui vont sortir. Forcément, bah il y a déjà les Trainards avec Alpha Blaster 7 qui existent, qui se sont fait peur. Hein. Il y a eu un affrontement. Ouais, les OCR, voilà, Trainards. Voilà. En vrai, c'est risqué ça quand même, hein, parce que ça peut te sortir de la game. Les OCR en gros qui spawnaient au même endroit que les Trainards. Et c'est deux semaines d'affilée, mec. Hein. Ils se sont pas lâchés. C'était la guerre. Et ça devenait très personnel. Donc bon, on s'est un peu éloigné de tout ça, mais du coup, les Trainards sont passés pile poil à la dernière place. Mais ça, c'était surtout grâce à un retour de Napo on fire où ils étaient hors qualif et leur dernière game, ils glissent tellement qu'ils arrivent à gratter la 7ème position et donc à être là ce soir. Mais voilà, vous voyez qu'il y a que des beaux noms. C'est tous ces gens-là qui vont s'affronter ce soir sur 6 games. Ça va être incroyable. On va compter les points de ce placement, les points de kill et on saura à la fin qui est la squad championne de cette Dwag Cup 2ème édition et surtout qui remportera les 25 000 euros. Mon cher Skyheart, la dernière fois qu'on avait commenté ensemble, bah, on avait réussi à, ouais, à mettre le feu et en même temps, bah, t'avais réussi à pré-shot plein de trucs. Comment tu te sens toi par rapport à la. Tu mets la pression. À la, non, mais non, mais à la méta, comment toi tu l'as vécu un peu cette, ce chapitre 2 de Fortnite? Alors pour être honnête, moi j'ai un peu moins accroché au chapitre 2 qu'à la fin de la saison 1. Je préférais les méta un peu plus rotation. La World Cup j'aimais beaucoup par exemple. Je suis d'accord. À la limite, la boule peut-être que limite je peux m'en passer, mais j'aimais beaucoup les méta rotation un peu comme ça. Là je suis un petit peu moins fan. Après, je pense que pour la squad c'est bien. En fait, pour la compète c'est pas si mal. Pour le côté casu, ouais, j'avoue que. Bah, même fun, on va dire. Le côté un peu fun, on va dire. Mais on s'amuse un peu moins quoi. Mais c'est bien, ça change. En tout cas, on peut pas leur enlever le fait qu'ils n'hésitent pas à bouleverser les trucs et à changer les méta, à changer un petit peu bah, les armes aussi. Hein. Les armes qui ont beaucoup changé, même ne serait-ce que les heals, les poissons qui changent beaucoup de choses. Ça au moins, ça nous a donné des nouvelles interactions avec le jeu et surtout ça permet, alors on va voir parce qu'on n'a pas vu 10 000, mais ça peut permettre des comebacks en late game. Et des gros clutch. Ouais. Un mec solo qui a des poissons hors zone, il est pas condamné quoi. On a eu un ou deux, tu vois, sur les qualifs, alors qu'en vrai, en trio, je me souviens pas d'un. Alors que là, t'en as un, il y avait une qualif, je te jure, je crois que c'était face à Hunter en plus. Je sais plus c'était qui, mais il te fait une reprise de hauteur alors qu'il était dans la zone pendant 3 minutes. ils avaient fait quelques erreurs en face, mais voilà, avec les poissons, tout est possible. Vous le voyez sur la table aussi, on n'a pas parlé, mais qu'est-ce qu'il est beau, il est imposant, il se fait respecter de lui-même. Le trophée de la Dwag Cup, je sais pas comment vous le trouvez, mais bien sûr, il y en aura 4 pour les 4 joueurs, mais on en a mis un comme ça ici sur la table pour que vous puissiez remarquer qu'est-ce qui va vous arriver à la maison si vous gagnez cette Dwag Cup. Et là, il est magnifique, il y a 4 exemplaires et ils partiront directos chez les vainqueurs. Moi, pour moi, j'ai tout dit, mon cher Sky, j'ai envie de dire place au jeu, place au fight. Comment tu les vois ces games? Moi, j'ai vraiment très peur qu'il y ait tellement peu de kills, comme tu as dit, et que la Storm Surge vraiment défouraille tout, quoi, avant les late games. Je pense qu'il y aura beaucoup de nades, en vrai. À mon avis, ça va nade à fond de balle, même s'ils vont essayer de se protéger de la nade, parce qu'ils s'y attendent à fond, mais c'est pas toujours facile, je pense. Notamment, on avait vu des nades Rocket, la première qualif, qui avait fait des dégâts. À mon avis, on n'est pas à l'abri d'avoir des équipes qui vont se faire atomiser de façon très arbitraire. Après, ça a été un peu nerf, je crois que tu peux en avoir plus que 6 maintenant, donc, mais ça reste toujours efficace. Mais ça reste pas dégueu, parce qu'en plus, on est sur des équipes qui maîtrisent clairement cette strat, et donc du coup, elle est d'autant plus forte. Donc, on va voir. Moi j'ai super hâte de voir la première game. Je pense aussi qu'ils vont se jauger et j'ai hâte de voir surtout les spawns des équipes parce que on avait vu les trainers des OCR qui se contestaient beaucoup. Mais on n'est pas à l'abri que ce soir aussi deux équipes spawnent dans la même zone. Alors il y a eu un petit drama, il y a eu un petit call la semaine dernière de Napo qui disait peu importe qui ira à Slurpee, on y sera parce que c'était qualifié justement, comme vous le voyez à l'écran la Napo. Mais Kinstar y est, donc est-ce qu'il va assumer ce qu'il a dit ou est-ce que c'était histoire de. Parce que bizarrement, 3 secondes après en mode ouais, on testera une game, ça se passe mal, on va peut-être faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un de ses mates qui avait vite remis le truc en mode bon, on va peut-être pas forcer, hein, mais. Bah ouais, donc comme t'as dit, en fait, sur des qualifs, vu que des mecs étaient qualifiés, t'avais des spawns libres, mais qui ne le sont pas réellement. Bah oui. Donc comme t'as dit, est-ce qu'ils ont eu le temps de vérifier qu'une équipe d'une autre qualif était là et est peut-être plus forte? Ils ont vérifié, je pense. Hein. Je pense aussi, c'est le seul truc qu'ils ont à faire, mais du coup, t'as raison. Les spawns vont être très importants, il va falloir surveiller ça d'extrêmement près. Et la première game qui va se passer dans quelques instants, les joueurs sont déjà en place sur le vocal, donc ça va démarrer. Là, le mental boom possible. Même le premier game, spawn, de voir si t'as une team qui conteste à ton spawn, je pense déjà que mentalement c'est relou. Tu vois, hâte de voir vraiment l'écart. Tiens, ouvre-nous un petit peu la carte là, pendant qu'ils sont dans les airs. Je vous rappelle que c'est nous qui contrôlons le mode up, donc on peut en faire tout ce qu'on veut. Montrez-nous un petit peu la carte, voilà, juste histoire de voir comment ça se répartit. Et effectivement, hein, c'est assez bien pour l'instant homogène. Il n'y a pas vraiment deux équipes qui vont se contester. Je vois un petit point jaune là en milieu d'une équipe au-dessus de Frenzy Farm. Mais voilà, dans le sud, il y a beaucoup de monde là qui vont. Ouais,
le sud, il y a beaucoup de monde. Hein. Par contre, on voit à Pleasant, mec, ils sont giga bien. Ils ont Salty plus Pleasant tout seul. Hein. On est passé justement sur Airwax, Nikov, Vato et Sky qui font partie des favoris. On est parti pour vivre cette finale de la Dwag Cup. À la fin de cette soirée, 25 000 euros seront reversés aux champions. Et ça sera peut-être eux. En tout cas, sur le papier, si je t'avais demandé un favori, tu les aurais placés. Moi, je les place en favoris. Mais est-ce que toi, tu aurais. Bah, théoriquement, ça devrait être les favoris. Après, je pense que le niveau est tellement élevé. Que, comme tu as dit, à mon avis, la Storm Surge va mettre une pression énorme et aussi, bah, est-ce qu'ils vont réussir à tenir les agros? Parce que tu fais que tu fasses agro par deux teams très très fortes. Et ça change tout. Moi, je pense que vraiment, je pense que tout est possible et je pense qu'on peut pas affirmer qui va gagner. C'est ça aussi qui fait le plaisir du show, c'est que là, à mon avis, le niveau est tellement élevé qu'on est sur un niveau quasiment international. Et tu vois, c'était Oslo qui s'était un petit peu isolé, qui s'est retrouvé déjà au sol. Oslo en grosse difficulté, forcément. Il remplace Devik. Voilà, donc en plus de ça, pour lui, il a peut-être pas les bons automatismes avec son équipe, mais pour le moment, ils vont essayer de tenir ce spawn à 3 contre 4 avec Bad Sniper que vous connaissez et qui est très en forme. Il a gagné le Gotagaon Tour, justement. Bon, c'était en solo, mais quand même, Blacks, qui est un joueur expérimenté maintenant, il a fait la World Cup, il a fait plein de choses. C'est une équipe aussi, comme tu as dit, qu'il va falloir garder de près, mais là qui démarre pas super bien. On va voir comment ils vont faire pour soit retourner la tendance, soit peut-être se barrer. Surtout que ouais, ça a l'air d'être à mon avis une équipe vu qu'en plus en phase 2 ils ont pris le kill. Mais t'en as qui viennent pas au prochain spawn. J'ai pas encore vu les pseudos, je vois Viper. Ok d'accord, c'est l'équipe avec Viper apparemment en face. Intéressant. Ah, Oslo il a dû se faire sniper de loin je pense. Hein. D'accord, on voit Opi, Ketzon aussi hein, et Snazzy. On pourra écouter un petit peu comment ils réagissent justement l'équipe avec Blacks, Bad Sniper et Arcane. Attends, où est-ce que j'ai lâché? On les entend, donc ouais, là pour l'instant ils stressent pas plus que ça, ils arrivent à garder leur adversaire à distance. Pourquoi j'ai lâché là. Ça recherche quelques items restants, non, ici tout va bien pour l'instant. Donc on va aller voir ailleurs, on reviendra peut-être ici si ça se réactionne, mais là il y a un fight directement et on est sur deux joueurs restants à peine pour cette équipe numéro 19. Ils sont 2v1 hein, non et ils ont l'air 2v1, il a plus de vie en plus hein. Il a sûrement plus grand chose. Mio qui a 2 HP, ouais c'est dur. Mio là c'était compliqué pour lui. Mais ils vont quand même peut-être aller au bout avec cette balle de chasseur plein air, chasseur gris, mais ils avaient déjà fait le travail et forcément. En plus, donc il valide quand même 4 kills, donc bon bah après voilà, quel prix? Est-ce que ces 4 kills te permettent déjà de prendre des points certes et te mettre à l'aise dans ton spawn, mais le problème c'est que bah, est-ce qu'ils ont déjà les plaques des autres? Ouais, et en même temps le temps perdu. Ouais c'est clair, et les points de placement on a vu ça rapporte quand même pas mal de points, hein. On de rappelle c'est 9 points pour 3ème, 4ème. On peut l'afficher justement, on a l'overlay pour, mais oui c'est ça, donc après chaque top te permet d'aller gratter des points supplémentaires, donc en attendant on est revenu sur cette équipe là. Bad qui est pas très bien. Et tu vois là au-dessus là 15 points, 12, 9 points, ouais, ouais. 3, 4, 9 points donc c'est beaucoup. Ouais, après ça commence à être un peu oui, moins voilà, sexy ouais. Quoi. Tu fais 9ème, t'es quand même un peu déçu quoi. Ouais. Ouais. Reste normal, hein, il en faut. Intéressant, du coup, on a vu qu'il y a l'équipe de Ketzon qui a pas contest au final, hein, qui ont préféré battre en retraite, alors que bah, X-Wiz et Ketzon sont super forts. On voit Blacks hein, qui rotate, mais ils ont du tout abandonné Bad. Bad qui n'a pas pu rotate avec eux, c'est quand même. C'est quand même dur. Hein. Bah, ce qui m'étonne, c'est surtout que Bad, alors est-ce qu'il s'est fait coincer ou est-ce qu'il était pas dans une technique de je vais en fumer un ou deux là? Parce que c'est avec vrai que là, chaud, quand même, hein. Là, il doit se faire oublier là. Là, il s'est bien oublié, je pense. Oh mon sang-froid. Il vient de dire mon sang-froid, bah forcément, forcément. Et ça qui est bien, je vous rappelle, on a le vocal des joueurs. Si vous voulez suivre une équipe en particulier, je vous rappelle qu'au moins un joueur par équipe stream. Mais ici, vous pouvez suivre de manière générale et surtout avec le vocal, ce qui donne quand même un petit peu plus envie. Checkons la map générale, je pense, pour voir où est-ce que. Parce que là, il va y avoir tellement de fights, à mon avis. Là, on voit Kidstar notamment qui prend un premier kill. Ouais, allons sur Kidstar très rapidement. Effectivement, le joueur Solari. Slurpee, ça a l'air d'être vraiment la guerre. Slurpee, on a justement l'équipe de. On a été prévenu. Napo et Ekin. Est-ce qu'on peut aller sur dessus? On a été prévenu. Qui va tuer Napo et c'est terminé pour l'équipe Rogue. L'équipe Rogue qui s'incline contre justement le Mix. Il l'avait annoncé. On l'avait dit un petit peu la rencontre potentielle. Mais moi je suis content parce qu'ils ont ils ont pas parlé dans le vide. Tiens, on va essayer d'écouter leur. Parce qu'on est 2v2 en fait. Leur réaction. 2v4 et après 2v4, tu vois. Ouais. On garde le mental parce que sincèrement, on les a tous craqués. Genre, moi j'ai craqué beaucoup de monde. Skyden, peut-être t'aurais dû descendre plus tôt. Parce que Robab était un peu plus tôt, chaud aussi dans la situation. Ils avaient l'air cool là. Je sais pas si on vraiment grand-note quelqu'un. Mais comme il a dit, apparemment, Napo ils ont fight 2 par 2. Sincèrement, genre, on a vu leur niveau, c'est compliqué. C'est pas fait soulever. C'est pas fait soulever. Entendu, c'est pas grave les gars, il essaie quand même de garder ses troupes mobilisées, ouais, etc. C'est intéressant d'entendre Napo là-dessus, très très bon leader d'équipe. Ah, il encourage bien. Et par contre, au call, il veut revenir. Hein. Et au call, c'est pas genre, ouais les gars, c'est mort. Non, c'est. On revient. Prochaine game, on est là. On leur explique. Non, mais c'est bien, on sait où mettre la caméra sur le début de la prochaine game. C'est intéressant, je pense. Mais effectivement, il y a de l'action déjà avec cette
Early, Hustler P. Assez explosif, ouais, clairement. Mais on est en place, on est bien stuffé, hein, vous côté Brizou. Checkons un peu la carte pour voir un petit peu la zone et les différentes rotations potentielles des équipes. Parce que là, ouais, là, ça va commencer à bouger. T'as deux, t'en as un au-dessus, là, le violet qui est très très loin, là, vers Graggy. Ouh, et Brizou, là, qui vient de se prendre quelques petits hits. Forcément, on vient gratter un peu de Storm Surge. Ouais, après, ils ont la montagne, ça devrait être assez, il devrait être assez serein. J'ai très peur, hein, pour le. Mais ça doit être Bad Sniper, justement, hein, Graggy, là. Ouais, à voir, hein. Mais en tout cas, il est c'est qui le petit mec isolé, il là, est là, tout là. On veut savoir, dans quelle merde il s'est fourré. Oh là là, on est 2v4 a priori. Côté Rowax, il était déjà 2 tout à l'heure. C'est lui qui contrôle un peu tout ce qui se passe ici, hein. Il a toutes ses constructions. Pour l'instant, il est assez à l'aise, mais voilà, il va se faire bourrer d'un côté. Forcément, est-ce que ça va s'organiser pour aller taper d'un deuxième côté en même temps? Il a essayé de récupérer un peu d'hauteur pour gagner un peu de distance, pour redescendre en bas, mais il y a trop. Voilà, il est tellement concentré sur les edits qu'il veut pas tirer. Et en face, ils sont trop nombreux. Supériorité numérique. Ouais. Il tenait bien quand même, hein. Pourtant. Rowax qui tombe. Ouais. Rowax qui n'ira pas plus loin pour l'instant, ça met son équipe en difficulté, mais il en reste un debout qui peut encore essayer de gratter des tops. Après là, ça va être dur de gratter des tops avec la Storm, hein. La Storm va sûrement faire des dégâts et là tout seul mettre beaucoup de damage c'est pas facile, je pense. Oui c'est vrai. Oui c'est vrai que tu dois compenser. Ça va être à mon avis compliqué, quoi. Ça m'étonnerait qu'en tout cas ça se lave, donc on va voir, mais la prise de montagne là qui a payé un coup justement côté de leur équipe, ils sont sereins, personne les conteste. Ça va être compliqué, hein, d'aller les chercher. Ça tente des balles de sniper, hein. Là on veut gratter de la Storm. Ouais c'est vrai que cette hauteur là naturelle elle est importante, tout le monde veut la voir, mais. Forcément, premier arrivé, premier servi, Strat Nate solo du côté Albrecht, histoire d'un petit peu de décourager les adversaires, mais ça ne donnera rien. Peut-être un petit peu gâché ces deux grenades. Hein. C'est vrai, et comme tu as dit, hein, l'ascension, j'avais mis tellement de pression que t'as envie de tenter des choses. Il y a deux petits poissons là dans les mains de ma gueule. Une équipe très forte, hein, qui a réussi elle aussi à bien gérer sa qualification. Ils sont en rotation tranquillement, on peut aller voir même une autre équipe, je pense. Ouais. Aller un petit peu vers No Ward, forcément les favoris, hein, ouais. L'équipe de No Ward, l'équipe de Airwax, ces deux équipes qu'on a envie de voir peut-être s'affronter à un moment ou à un autre, elles finiront par se croiser. Et il y a elle, hein, cette équipe là, voilà, ils sont en bordure de zone, il faut déjà. C'est là, pas une bonne run, pause, hein. Ça. Hein. Ouais, faut run. Hein. On peut voir la map un petit peu pour voir un petit peu la situation pour eux. Parce que là, ouais, tu décides, c'est loin. Hein. Ah ouais, ils sont pas super bien. Parce qu'en plus, ils vont arriver à un endroit où il y aura énormément de joueurs. Bah ouais. On voit que côté de l'ouest de la zone, il y a vraiment beaucoup de teams. Il y a encore une team aussi qui est dans le edge, hein, là, qui est carrément hors zone. Ouais. L'équipe grise, hein, qui sont carrément out. Et on a toujours deux mecs dans la zone. Hein. Je sais pas si tu vois tout en haut, il y a vraiment deux mecs qui sont dans la tourmente. Total. Ça va être compliqué pour eux, on va essayer de voir comment ils réagissent. Ah, ils vont être bien placés en plus. Hein. Hors zone c'est d'accord, hors zone c'est Hads et son équipe, ils sont plus 3. Ah, ça va être compliqué, 35 secondes, la zone est à l'opposé, ils vont arriver à un endroit où tous les joueurs sont déjà en place. Peut-être retournant sur DRG et tout pour voir un petit peu comment ça va se passer, mais à mon avis ça va pas être facile. Bah pour eux non, et c'est ça qui est intéressant, comme t'as dit, on va voir comment ils vont faire pour reprendre la zone et surtout bah ils vont se faire mitrailler de tous les côtés, donc on va pouvoir juger de leur strat un peu défensive. Et pas les contacts là les gars, on full comme des malades avec No Ward Leader qui donne ses instructions. Dès que la Storm Surge va s'activer ça va bugger. Et il a raison, ils ont pas le choix. Eux ils ont pas le choix. Les mecs ils vont galérer. S'ils croisent des gens, faut y aller vénère. Ok, Opi vient de tomber. Oui, ils sont en bas de la map, ils sont en missile. Il reste encore 80 joueurs, hein. C'est beaucoup. Hein. Là, dans 2 minutes. Base 39 en dessous. 39 en dessous, ça va. Ils sont pas trop mal, il y a que 9 joueurs en trop. Ah, faut trouver un adversaire quand même, parce que là, ça a l'air vite dans les parages. Il va falloir que Là, y'a personne. Okay, nice. Benji qui vient de mourir. Y'a que 8 joueurs en trop. Okay. C'est faisable. Donc, à la limite, ils peuvent, ouais, ils peuvent se faire oublier. On arrête, hein, je pense. À part si on va vraiment. Non. Bah, on va bonne tentative. Ils sont pas d'accord. T'as tiré aussi, tu crois, sniper. Y'a pas de plan défini pour l'instant. C'est assez flou. Bon, au moins, ils arriveront en zone sans grosse difficulté. Y'a pas une team qui est juste au niveau du bord. C'est déjà ça. Max a pas rendu un tour. Max a 24 HP. ZQ qui est déjà mort. Un HP pour le joueur Vitality. S'il arrive à retrouver un petit peu de cal, il pourra peut-être se remettre des potions et peut-être y croire à nouveau. Mais pour l'instant, faut se faire oublier, faut s'isoler. Peut-être profiter le fait de SPK, peut-être ZQ qui pourrait en profiter. On voit quelqu'un qui arrive par derrière, mais c'est peut-être un petit peu tard. Il est isolé là, il est tout seul. Il a quand même réussi à remettre 50 de shield. On sait jamais. Il est carrément affiché à 0. Hein. Le jeu qui ne respecte même plus, quoi. Il y a au moins. Oh, les poissons, ouais, livraison qui vont mettre bien. C'est ZQ, je crois, qu'il lui a filé. Et SPK hein, qui temporise. Ils sont 3 sur au-dessus, hein. Ils ont vraiment fight, ils ont fait énormément de dégâts, mais ils ont 0 kill. C'est dur quand même, hein. C'est pour ça qu'ils veulent pas tomber. Ouais, c'est assez clair. No Ward, hein, justement, ce qu'on voyait tout à l'heure, qui sont à plus 120. Des très bons damages, il reste 30 secondes pour la Storm, mais 4 joueurs en trop. La grenade hein, de Kazader. Ils prennent leur fight, hein. Ils l'avaient annoncé, de toute façon ils n'avaient pas trop le choix entre guillemets. Là certes ils sont passés au-dessus de la Storm Surge, mais maintenant que c'est engagé, il faut aller au bout. Bien se coordonner, on va...
comprendre un petit peu comment il fonctionne. On a Caseta qui garde une bonne position avec une bonne hauteur, qui met une bonne pression. Les autres essayent de pousser petit à petit. On essaye d'enfermer l'adversaire, de lui faire défoncer le reste de ses construits. Mais voilà, il y a d'autres équipes et il faut faire attention à ça, à pas être trop confiant et trop aveuglé et Turtle Vision dans son action. Parce qu'il y a d'autres joueurs qui veulent en profiter, qui en profitent justement avec quelques petites balles qui touchent sur KZR. C'est toujours de l'ascension de Graf et KZR qui garde quand même en ligne de mire son adversaire direct. Il y a de l'occasion, mais en même temps, tu sais pas si tu dois te protéger, agresser, t'es un peu entre les deux. Et là il y a la storm, hein. Et là il y a la storm pour s'entendre entre eux. En direct, ici monte. Tu as ça. La grenade, bien joué là, très bien joué même. Ouais, tu trouves? Peut-être la deuxième. C'est vrai que ça assiste, hein. Ça assiste pour les copains derrière qui peuvent bourrer, exactement. Ah, ils arrivent pas à les finir, ils temporisent tellement en face. Après ça fait monter la surge, mais c'est vrai qu'ils veulent des points là. Là ça se voit, ils veulent des points là. Ils savent très bien que... Oh allez, DRG qui trouve l'alternative avec cette balle de pompe. Des poissons en plus récupérés, c'est pas rien. Nice. J'arrive. Faut que personne tombe au sol, si quelqu'un tombe au sol ça va trop ralentir le rythme. Noir qui est très low HP. Clairement. Oh Noir qui joue quand même, hein. Alors Noir, il devrait peut-être se cacher là. Il est bolsi hein. Ah oh ouais, ça donne envie ça. Oh, ça donne envie. Il reste 30 secondes, hein. Il reste que 30 secondes. Ils sont peut-être loin de la zone. Est-ce qu'on peut voir la zone? Ah ouais, oh, la zone c'est encore loin. Allez, reviens sur le gameplay. Ouais, merci. Assez rapidement sur les maps. Il est en train de prendre le temps avancer, mec. Et attention à la souris aussi, hein, okay. Les amis. Hein. Vraiment. Ok, on a 4 poissons. On est très très large. On va pouvoir quand même temporiser hein, pour nos wards. Pas de moi. Allez, on est dedans, hein. Tu vois, la finale de la Duck Cup elle débarre parfaitement, je suis content. Je pensais qu'on allait avoir des games fermés, mais finalement tout le monde est venu en découdre. Ah, ils le savent, hein. En fait, ils le savent que les points, déjà la storm, mais aussi que les points de placement ne suffiront pas. Tu pourras pas faire top 1 toutes les games. Donc ouais, tu vas falloir clair. Des points de kill. Et donc autant prendre dès maintenant si tu peux. Et là, mine de rien, pour la storm, ça les a mis bien. Là, ils ont réussi à sortir l'équipe du coup et ils perdent personne. Et au final, ils ont récupéré aussi des poissons, ils ont récupéré des bonnes ressources. En termes de maths, ils sont pas trop dans la tourmente. Ça devrait pouvoir le faire. Allez, c'est bien, ça bourre. Là, ici, c'est technique. Ils sont ensemble, ils bombardent full à l'air tranquillement. Peut-être aussi se mettre à l'abri d'une future Storm Surge. Ils sont obligés de garder ça en tête, quoi qu'il arrive. Et puis, on sait jamais, une petite tête qui peut partir. À mon avis, la Storm Surge à 50, elle va poser problème. Regarde l'équipe 6 là, Skyde, Vato ouais, et tout. Oh, d'ailleurs, pas sur Vato, sur l'équipe 6 très rapidement. Parce qu'il y a un fight, alors que je trouvais qu'ils étaient plutôt en sécurité. Alors, je sais pas ce qui s'est passé sur Vato. Soit une roquette, soit un sneak ball de snipe, je pense. Il a pris 100 dégâts donc. Ouais. Un peu moins. Parce que leur position est parfaite là, hein. Comme d'habitude, ouais, eux ils sont très méthodiques. Placés, ouais. Pourtant, ils ont déjà 5 points de validé grâce aux 3 kills de Nikov et aux 2 de Airwax. Les 2 Solari on fire dans cette squad pour le moment. Mais c'est surtout le fait qu'ils sont au bon endroit, au bon moment. Et c'est ça peut-être qui va faire la différence. Et surtout, ils sont full mats. Hein. Ils ont fait 5 kills et ils ont récupéré les masses de l'équipe qu'ils ont tué. Et donc, du coup, ils ont pu construire un bâtiment, un monument même. Et ils sont tous à 1k5. Et ça va vraiment les aider. Hein. Surtout que c'est des joueurs qui aiment bien la hauteur en late game et tout. Donc, t'as raison, hein. C'est important de voir où ils en sont au niveau mats. Alors que là, il y a une grosse agression. C'est Kezix qui va essayer quand même de renverser la tendance, parce que pour l'instant son équipe est dans la merde. La roquette c'est peut-être une bonne idée, mais attention parce que voilà, il n'y a plus de construction. Il a zéro maths, mais c'est oui, la tourmente. Mais oui, il sait plus quoi faire, il veut prendre des maths, il veut prendre des potes. Il prend ce qu'il peut, faut vite se barrer maintenant, faut vite se barrer. Oh l'enfer pour lui. Oh la roquette. Il a failli se commit. La roquette c'est délicat. Hein. Ok, bon réflexe d'essayer de rotate. SPK dans la tourmente, SPK qui n'a plus de vie, ZQ qui prend super cher là-dessus. Genre qui lui a fait si mal et il le colle, hein, qu'il est blanc. Mais là c'est dur de rusher quand même, hein. C'est pas facile. Non. C'est plutôt bien géré, hein. Je le voyais vraiment en grosse difficulté. Alors c'est-à-dire qu'en face, c'est pas non plus la joie. Ah là, ils auraient poussé. Il a plus rien là, ZQ, sinon il les aurait mis évidemment. C'est le dernier joueur de sa team. Il s'était faufilé jusque là. Je crois qu'il reste SPK aussi, hein. Je crois qu'il y a SPK avec grand vivant. SPK avec grand vivant, il a encore du shield. Effectivement, donc faut pas jeter bêtement, ça reste un 3v2 et les 3 en vie sont pas non plus très très chauds en termes d'HP, donc une balle de pompe est vite arrivée, il faut rester coordonné, attention à pas jeter tout seul, ça peut être terrible. La vie de ma mère, il y a un poisson. Et notre chip, les mecs. Et ouais, le problème c'est que c'est long là. Et ouais. Oh Kezix, quel réflexe là. Il fallait le sortir, hein. Il fallait le sortir, SPK, il devenait trop gênant. Apparemment, la vie de sa mère. Hein. Il a tout dit, ça y est. Il a tout donné, gros. Mais c'est en fait, c'est soulagement quoi. Normal. Là, t'es en full tryhard, frère. Tu donnes tout quoi. Ça rentre en termes de maths. En termes de maths, ils sont dans la commande. Parce qu'ils sont tombés quasiment à zéro. Ils ont 400 chacun, limite. Ils ont dépensé, ouais, bah ouais. C'est dur. Parce qu'à mon avis, SPK, il avait plus grand chose non plus. Ah bah là quand tu tues un mec à bout de souffle, oui, il a déjà tout claqué avant, donc tu récupères juste les maths du mode arène. Oula. C'est pas le spectacle. Je sais pas si c'est SPK ou ZQ qui est mort, j'ai pas vu. C'est SPK. C'est SPK. Alors okay. Après ce que ZQ a suivi, je crois pas, mais SPK en tout cas est tombé sur... Oula, ouf, il a eu chaud lui. Hein.
Je suis assez content parce que tu vois, dès qu'on passe sur un. Oula, c'est la belle balle de snipe là qui a touché son oiseau. Dès qu'on passe sur le vocal de n'importe quelle équipe, c'est très sérieux quoi. Ils sont tous vraiment à fond. Tout le monde la joue. Rizou qui s'est fait knock hein. Et là, et ça knock encore. 4ZR qui vient là-dessus arracher Snazy. Snazy qui tente de rotate, mais c'est la tourmente. Il n'y aura pas de surge du coup. Hein. No Ward qui fait un kill de plus, justement. Ils sont on fire. Attention, ça, c'est les équipes qui ont pris la hauteur naturelle avec cette zone qui arrive parfaitement pour eux. Ils se régalent. Voilà, regarde-moi ça. Il y a une sorte de pack qui est fait entre les équipes déjà placées pour juste fumer les mecs pas en place. Donc en fait, l'équipe de Sky, l'équipe de 4ZR, l'équipe justement là de Demsic qui en profite pour bourrer les retardataires. Voilà pourquoi c'est toujours intéressant plus, de se placer avant les autres. Ils étaient blancs, là c'était compliqué. Hein. Oh Hunter, on l'a pas vu pour l'instant, attention. Ouais, hein. Hunter et Podassa et son équipe là qui tapoteur, Airwax en dessous. Tu vois, t'as Squall qui sont séparés, ils ont fait deux groupes de deux. T'en as deux qui sont partis sur un joueur, ils vont d'ailleurs l'éliminer. Passons sur l'équipe 12 justement, alors qu'on là on voit justement comment ça se passe. Attention, là on agresse l'équipe de KZR, hein. L'équipe de KZR qui prend tout dans la tête là. Oh, ça va être compliqué hein. C'est compliqué alors que voilà, vous voyez Podassa qui veulent quand même en finir, ils ont vu qu'il y avait un petit point gratos. Plutôt que de le laisser un peu se faire oublier, autant le fumer vite. Il est toujours blanc hein, il est en galère, les matchs passeront pas malheureusement. Là ils ont pas le temps, tu vois. Là ils peuvent encore investir un peu de temps, ils ont la hauteur et les copains ils regardent. Ouais c'est ça. Donc c'est le moment, fumez-le et revenez vite. Et il l'a pas eu Podassa, donc il doit revenir malgré tout. Bien joué. Ça s'appelle call de revenir je pense, de voir les gars laisser tomber, c'est pas grave, c'est carrément. Ah il a envie quand même hein. Ouais. Mais il Podassa, ils veulent détruire genre. Il fait le bon choix, on est d'accord. Ouais je pense aussi. De toute façon à mon avis sa game va être compliquée. Il est full blanc, si jamais il se prend une seule balle, tout mal focus. Là on cherche une balle de snipe à côté Podassa. Est-ce qu'on peut passer peut-être sur 4ZR et tout? Oh, la balle de snipe. Oh voilà, dommage, tu as trouvé hein. 4ZR, No Ward, tout ça, toute la mif. Alors que là on voit l'équipe de Maguel en grosse difficulté hein, encore une fois. Ils essayent de pousser mais c'est pas évident. Ah, il tient quand même. Ouais, beaucoup de maths utilisés, en plus là il y a l'eau. Aïe aïe aïe. Ça va être compliqué pour Viper, il va faire tomber finalement. Anti-Lexerge et No Ward qui sont très très chauds, très très low en shield hein, au final. Et même. Ok, c'est pas évident, on a plus la map mais à mon avis ils sont pas dans la zone. Hein. Ça panique hein. Et c'est eux qui ont tué Viper en finale. Ah, vous les sentez, hein. Vous sentez la pression, c'est normal, là tout le monde en profite, c'est de la grenade qui part de partout. Il faut rester vigilant et en fait faut pas être inactif non plus là, faut arriver à se rendre utile parce qu'il y a les copains en grosse difficulté, DRG qui essaie de se faire juste oublier pour mieux revenir. Pour l'instant personne n'est au sol, hein. Ils arrivent à tenir bon, on sait pas comment mais ils tiennent bon. C'est incroyable mec, ils ont 9 kills, ils détruisent la map. C'est vrai que c'est fou hein, ils sont en train de faire la game de leur vie là actuellement. Oh la roquette, oh tellement bien joué, dommage. Ils ont eu beaucoup de mal sur leur qualification mais du coup ils ont eu le temps d'ajuster un petit peu ce qui avait posé problème et là ça va plus. Là ils sont plus hein. là ils sont plus du tout. Là, et pourtant tu l'as dit, ils avaient les pires rotations. Ouais clairement, oh la balle, ouais, attention là il y a un Dilax qui a pris super cher, attention heureusement il a deux poissons, ça le met bien. On comprend rien à leur vocal, tu penses qu'ils se comprennent entre eux là? C'est bordélique hein. A mon avis aussi quand tu parles toi-même, tu sais ce que tu dis quand tu parles t'entends, alors que quand tu parles, enfin quand tu parles pas t'as les deux qui parlent, mais oui c'est clairement. Non mais voilà, est-ce que ton ami arrive à s'écouter parce que j'ai l'impression que là c'est... Oh mais quel enfer la montagne là, cross avec tout le monde derrière. Mais ils sont ensemble, ils sont groupés. Voilà, ça va être dur là, ça va être très très dur. Et on vient sauver le soldat Andilex, on essaye. Andilex qui tombe, ouais, on essaie de sauver. On essaye, mais il y a la montagne, c'est trop dur. Oh ça va être super dur. Hein. Faut abandonner Andilex là, c'est chacun pour soi les gars. C'est fluide côté DRG mais ça va être super délicat. Non il a glissé. Oh c'est terminé je pense pour DRG. Il avait des maths, il avait tellement de maths. Oh non c'est tellement terrible, 1200 c'est fini. Oh là là, DRG terrible pour le joueur Tahiti. Il reste Noir. Ah bah plus pour longtemps, il reste que 4ZR alors qu'ils étaient en train de faire une game monstrueuse. Regardez le nombre de kills les amis. Il a 8 kills hein, 4ZR, un monstre. Ils étaient à 16 kills et malheureusement ça va peut-être s'arrêter ici. Il est dans la zone hein, on voit pas mais regardez la zone est très loin. Ah il est dans la tourmente hein. Il cherche du heal. Il cherche évidemment des fiches. Là il gratte des places hein. Ouais, il gratte des places avec ses poissons, il cherche le bandage. Oui. Il gratte hein. Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de fiche, il n'y a plus rien. Ouais, mais il a des bandages. Il y a des bandages. Attends, s'il y arrive, c'est fou. 4ZR qui rentre dans la zone. Oh là 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 là, c'est jamais fini. 16 kills. C'est bon, top 6 déjà. 4ZR. On reste sur lui pour l'instant hein, parce qu'il est vraiment monstrueux actuellement. Je rappelle qu'ils ont 16 kills. Donc il y a 16 points déjà validés. Et là on vient gratter des points de plus. Justement avec les tops. Ils vont rentrer dans les tops payés dans pas longtemps. Et ils y sont d'ailleurs. Pardon, il reste 6 équipes. Donc c'est bon. Top 4 c'est 9 points. Ça ferait 16 kills plus 9 points. Encore deux tops à gagner. Deux tops. Il est fluide. Il flex. Il va au début de la zone pour se faire vraiment oublier au maximum. Il rentre dans les constructions déjà construites. Et c'est l'équipe d'Hunter justement qui était déjà en place, qui a gardé la hauteur. Qui en plus, voilà. S'affronte avec Nate, etc. Ouais, c'est contre Kistar, je crois. Non, pas sur l'autre équipe, on reviendra sur Kaiser après. Parce que là, il y a un massacre avec Sky qui est tombé au sol face à Kaizen. Ouais, ouais. Et on est sur l'équipe qui a la hauteur, hein, vous l'avez vu. L'équipe d'Hunter, justement, qui se fait contest.
Tu vois, c'est avec les poissons, il y a toujours un joueur qui peut être derrière. Ouais, c'est ça. Donc, c'est jamais vraiment safe. Et Clément, il est malin. Il a essayé d'en jouer un maximum. Lui aussi, il veut gratter des places. Hein. Parce que je suis tous dans la même position. Il reste plus que 5 équipes debout. Dont celle d'Hunter qui est plutôt en forme parce qu'ils étaient très nombreux. 4 ZR qui tombent malheureusement. Clément aussi. Il est en 5ème position, je crois. Mais c'est déjà incroyable hein, ce qu'il vient de faire. Il a gratté tellement de points pour son équipe. Totalement, il reste Kaizen, Vato qui tombe aussi. Passons sur l'équipe d'Hunter qui a l'air d'être partie pour la remporter cette première game, mesdames et messieurs. Et c'est fait! Victoire de l'équipe d'Hunter grâce à cette position qu'on avait vue hein, assez rapidement dans ce début de late game. Et Hunter et sa team, monstrueux, ils prennent la victoire sur cette première game avec, comme tu l'as dit, quelques kills. Mais il y a eu d'autres choses ailleurs. 15 points, top 1 plus 6 kills. On avait même vu, je crois que j'ai vu Blax hein, se faufiler jusqu'en fin de partie. Ouais. Il est mort très tard, peut-être un top 2, voire un top 3. Top 3, je pense. C'était. C'était fou hein. 5 roquettes qu'on touchait. Et ils sont assez déçus parce qu'ils ont fait beaucoup de dégâts. Ouais, mais ils ont pas eu les kills. Mais impressionnant l'équipe de No Ward et tout. 16 kills, c'est incroyable. La zone qui était quand même assez horrible, on va pas se mentir. La zone au niveau de la montagne là, ils devaient cross des constructions en acier et en pierre. C'était un véritable enfer. Mais au final, KZR qui gratte le top 6, enfin le top 5. Donc, alors est-ce que ils ont fait 16 kills parce qu'ils étaient pas dans la zone et que du coup, bah forcément, le déroulé fait que t'es obligé de prendre des failles. Ou est-ce qu'ils étaient partis pour juste montrer de quoi ils sont capables et d'exploser tous ceux qui croisent? C'est vrai que c'est énormément de points. Après, avec les tops, en vrai, ils pourraient aller tâtonner. Bah là, les... ils ont fait 16 kills plus 16 points, donc 22 ça points. Quasiment ils ont fait plus de points que Hunter qui vient de gagner, qui ont fait 21 points. Ouais, donc comme c'est fou quand même. Donc comme quoi, après, il faut laver un lobby. Après... Hein. Faut laver un lobby et c'est pas n'importe quel lobby. C'est pas les gars. Évident, c'est clair. En tout cas, c'est pas fini. C'est pas gagné encore. Hein. Même moi, j'ai vraiment hâte de voir le classement. Et bon, là, tu veux qu'on l'affiche? Allez, on est parti. Vous allez découvrir, il est tout nouveau, il est tout beau le classement. On peut suivre toutes les équipes et vous voyez justement l'équipe de No Ward, 4Z, RDRG, Yandex. 17 kills du coup. Ouais. Ils avaient 17 kills. 23 c'est points. Incroyable quand même. Hein, deux points d'avance sur l'équipe qui, elle, a fait top. Hein. Donc, comme putain, a dit Skyhard, comme d'habitude, hein, toujours très bon dans les analyses, dans les calculs. C'est pas forcément l'équipe qui fait top 1 hein, qui c'est prend faisable. Le plus de points. non, bien sûr. Mais comme quoi, tu vois, il faut rester conscient de ça. Et là, vous avez vu que No Ward, malgré leur top 5, de par leur massacre, ils ont fait une meilleure game que celle d'Hunter. Et donc, ils prennent la première place. Troisième position, tu l'avais aussi senti, l'équipe de Kinstar. Forcément, bravo. Ça va être intéressant le petit. Ah, c'est serré. Hein, ouais. J'ai pas écrit de rivalité Kinstar-Hunter parce qu'on en est pas là. Mais c'est marrant, tu vois, je les ai toujours vus ensemble, même moi historiquement. Et là, je le vois un deuxième, un troisième, forcément. Quel joueur va faire la meilleure performance entre les deux? Mais rien que il y a un match dans le match ici, en même temps qu'il y a trop de trucs à dire. Il y a une rupture quand même en termes de points. Regarde, parce que si on regarde bien, les 7 premières équipes sont à 11 points plus, voire même le top 6 est à 16 points plus. Ouais. Et en dessous, il y a quand même. Tu vois, on passe de 16 à 7 en deux places quoi. Après, c'est que la première game. Hein. Bien sûr. T'as vite raté un spawn et l'autre est vu. Et moi, j'espère qu'on aura du suspense jusqu'au bout. Maintenant, si une équipe est trop forte et doit s'envoler, bah, qu'elle s'envole. Hein. C'est clair. Mais c'est le terrain qui décide. On voit quand même 6 équipes un peu au-dessus pour l'instant en termes de points, dont je pense 3-4 qu'on pouvait déjà imaginer. Oui. Hâte de voir un petit peu les prochaines games. Là, ce qui est important, c'est de rester dans la course, comme tu as dit. Donc là, clairement. Tu vois, Airwax, Nikov, Vato, Sky, ils sont à 16 points. Bon, c'est un peu de retard, mais ils sont dans la course. Ils ont encore leur destin entre leurs mains. 7 points, c'est rien. Je pense, donc c'est ok, tu vois. Donc le but, c'est toujours au moins de maintenir un peu son épingle du jeu. Et après, au bout d'un moment, il va falloir faire la dernière ligne droite. Ça va être sur les deux dernières games. Vous le savez, le style de jeu change drastiquement après la game 3. Donc à partir de la game 4-5. Et à partir de là, c'est là que tout va se décider entre les 7-8 premières teams, je pense. Espérons qu'on ait un vrai suspense. Mais ouais, ça commence à s'envoler. Attention à ce top 3 qui peut vite se faire qui peut vite partir en fait hein, et ne plus jamais se faire rattraper. On est sur Hunter, l'équipe qui est première, mais on va vite bouger côté Slurpy, donc soit côté Team Napo, soit côté Team Kinstar, c'est à vous de décider sur le chat. En attendant, allons sur Kinstar, mais on va voir ce qui se passe. À Slurpy, vous voyez que le spawn d'Hunter, tout va bien, c'est aussi pour ça qu'ils ont fait une grosse game, c'est aussi pour ça qu'on voulait comprendre. Voilà, parce qu'ils ont un spawn safe et tranquille, même s'il y a quand même quelques adversaires là juste au-dessus, mais tranquille, il est dans les parages Hunter. Ouais, il scoute, il se met bien. Et on a... Il y a deux teams. Et hein. Bah, je suis pas sûr, t'es sûr? C'est qui le point jaune là? Non, je pense que c'est un peu, je pense que c'est la même team, non? Pense je suis pas sûr, hein. Le petit point jaune là, c'est un squatter. Hein. Ouais, je pense aussi, mais je me dis pourquoi il serait tout seul, tu vois. Ça paraît belliqueux quand même. On va le savoir, justement, on a le contrôle sur le mode ops. Et on va pas rester dans le doute. Pour l'instant, ouais. Les 4 sont là, non? D'accord. C'était peut-être juste un mode ops. Arlana Lover 1, 2, 3, 4. Défectueux. D'accord, ok. Est-ce que c'est pas un bug? Ouais, non, c'est juste un bug de couleur. Donc, effectivement, l'équipe. Alors, maintenant, est-ce qu'on pourrait passer sur Napo? Histoire de voir où est-ce qu'ils sont partis. Oui, c'est un bug du mode ops. Ouais, donc ils sont bien. Ça paraissait quand même bizarre qu'ils envoient un mec suicider. Genre, allez, frère, bon courage, Nero. Du coup, l'équipe de Napo qui a changé de spawn. Et je pense que c'est quand même une sale décision. Pour le show, on aurait aimé avoir un. Mais en vrai, c'est vraiment all-in. Ils ont raison. Ils sont qualifiés pour la finale. T'as pas envie de tout gâcher au dernier moment. Mais par contre, du coup, là, la question, c'est comme t'as dit. Est-ce qu'ils ont prévu vraiment un spawn secondaire ou pas? Tu vois, parce que là, on voit du coup Napo au sud-est de la map. Ça ressemble à de l'impro, ça. Mais
mais ouais, est-ce que c'est pas de l'impro et est-ce qu'ils vont pas se retrouver aussi en galère de loot parce que tu peux très bien te retrouver du coup avec pas grand chose à voir, tu vois. Donc c'est vrai. Intéressant. Et ça pêche un petit peu, donc au moins ils sont tranquilles et ils vont pouvoir peut-être aller en late game. Ils sont très bons en late game, donc ils ont tout intérêt à serrer les fesses pour y arriver. On est sur un fight justement, mon cher Skyar. Je te laisse un petit peu expliquer ce qui se passe. Bien mais sûr. Là c'est X-Wiz. Ouais, c'est ce qui va tomber justement par la grenade, malheureusement c'est Nock. Est-ce que Opie et Sneezy vont pouvoir le protéger? Ça va pas être facile, Sneezy qui essaie de le waller au maximum, sauf que là on est dans une maison, c'est toujours un peu compliqué. Oh là, la balle de Sneezy, la balle sur Sneezy qui lui met tellement cher, il pouvait pas oser le mur à droite forcément, les maisons c'est toujours un petit peu galère. X-Wiz, je pense qu'il va se faire finir au sol. Ouais, X-Wiz qui vient de tomber, Kazan qui n'a pas de shield non plus, ça va tomber côté Sneezy. J'arrive au bon moment là, ça tombe au sol direct côté Sneezy. Ah c'est une catastrophe là pour l'équipe de Kazan. Ah oui, Opie qui tombe et on se fait full détruire. Ça a été rapide, simple et efficace du côté de cette équipe avec l'équipe Quartz hein, qui a fait très très mal. C'est ça, comme quoi tu vois, je te dis, il y a des petits talents là, ils arrivent et ils savent que pour eux c'est le moment de briller, de se faire un nom. Parce que bah forcément si tu joues contre des joueurs forts et que tu les tues, bah d'un côté t'es un peu plus pris au sérieux par la communauté, par le grand public. Donc oui, sur la sphère un peu entre joueurs pro, ils sont connus, reconnus parce qu'ils sont dans tous les tournois, mais le grand public les connaît pas encore et bah, ça va peut-être être le moyen de se faire remarquer. Donc ils ont raison de porter leur ball, c'est d'y aller. Bah, y avait en plus hein, c'était clairement des excellents joueurs en face, donc mais au final il l'emporte. On voit la fight hein, à Lazy Lake encore. Ouais. Tout à l'heure on avait déjà vu justement Osso qui s'était fait tuer dès le départ. Cette fois il a pas fait la même erreur, il s'est dit bon on va se venger, mais il y a 0 kill hein. Mine de rien on se draine quand même pas mal de structure, il a que 29 murs. C'est vous les nades? Ouais, c'est dur hein. Moi 29. On est très très pauvre, on a la zone heureusement. Enfin je pense que la zone n'est pas je très loin. Vois, je le vois bad le mec. Tu vois? Essayez d'observer un peu là, de prendre des infos, ils ont raison de pas se jeter. Je sais qu'on peut être la zone en une seconde. Il est tout seul ou? Ouais, tout seul de ce côté là. Ouais. Ok, ils sont pas très loin de la zone. En vrai, c'est fine. C'est bon, remettez la zone, mettez-la juste quelques deux secondes suffisent. Il y en a un dans notre balle, non? Ah, là, il tente de choper un pic, Bad. Il cherche le cas, ouais. Parce que dès que t'es en ton main, c'est plus le même combat. Et Bad, en plus, Bad très très fort au sniper. Tout son pseudo, peut-être. Bah, à la base, c'était notre Bad Sniper qui a transformé en Bad Sniper, mais effectivement, il est pas mauvais au snipe, attention. Loin de là. Oh là là, Osso, il est en galère, gros, il a rien. Il a le pompe, ouais, il a quand même le pompe. Et 200 HP, ça reste très, très correct. Hein. Oui, c'est sûr, mais tu sens que. Oui, on n'est pas giga serein, quoi. Attention. Et l'équipe de Hats hein, qui tente un guet-apens un petit peu là, avec Marcotte juste à côté. Voilà, il tente justement d'aller pique cette team. Ah, c'est Jules, hein. C'est. Jules qui va se prendre toute la foule. Oh, oui. Attention, Jules, double tête. Oh, magnifique. Oh, c'est terrible, il a pris son temps, Hats, mais c'était très précis. Dommage qu'il était seul, parce qu'il a mis si cher, Hats, qu'il y a un aimbot là-dessus. Hein. Ah, la rafale là, elle fait plaisir à hein, la FAMAS. Des fois, quand ça touche bien, quand t'as le temps comme ça d'ajuster, oh là là. Ah, Jules qui doit être deg un peu, hein, parce qu'il a vraiment pris du sale, double tête par Hats. Ah là, il s'est calmé tout de suite, regardez. Hein. C'est plus le même comportement, hein. Il est passé dans les sous-sols là, très rapidement. Alors, est-ce que ça va donner envie justement à l'équipe de Hats d'aller les chercher? On va les écouter en même temps. Et on va voir comment il gère ça de ce moment. C'est sûrement lui qui était low. Je décale en dessous. Je vais faire tout le tour. Hein. Ah, il a dit qu'il était low. Il est gentil. Hein. Il avait dit HP Jules. Hein. Ouais, ils l'ont rejoint pour lui donner des vies. Bon, ils ont la zone. Ils sont vraiment fine. Antoine qui fait carrément le grand tour. Qui veut la colle. Et il a raison. Si t'as un sniper ou quoi, c'est le meilleur moyen de surprendre. Il a pas de sniper. Peut-être Antorak, mais au moins il sera derrière et il pourra surprendre d'une autre ligne. Et ça peut créer la perturbation, ça peut casser la stratégie adverse. C'est malin. Si t'as le temps de le setup, c'est malin. Et en plus, ils sont très exemptés par rapport à la map, ils sont très au nord, donc il y a très peu de chances d'avoir une autre équipe qui vient les backstab. Et donc, mine de rien, ils savent qu'ils ont du temps, ils ont la zone. Donc là, c'est un impact qu'ils peuvent mener à bien. Du côté où on peut encore moins se faire backstab, clairement. Donc c'est très malin ce qu'ils font là, ça montre l'expérience de cette équipe finalement. Et ça tombe, je crois, effectivement. Et c'est Antorak justement. Il est monstrueux. Antorak qui a fait le bon call là-dessus, qui prend le premier kill. La clé sur l'équipe de Jules. Non, et là ça va accélérer hein. 4v3 ah bah oui. Avec un joueur on sait que Jules est low HP potentiellement, mais il a peut-être pas de point de vie. Allez, Antorak avec Hats justement, Hats qui avait été le premier à déclencher cette situation. Antorak qui a été vraiment l'homme décisif. Attention sur le côté gauche, à pas prendre trop la confiance non plus parce qu'on peut vite retourner en 3 contre 3. Je spam. Heureusement, très rapidement, Hats qui se remet en sécu, va prendre des potes pendant que les autres prennent la relève. Oh, c'est bien joué, ça part. C'est bien géré, effectivement, le mur a été récupéré. Ils sont deux en face de moi. 2x32. Ça va peut-être passer en force, Oh attention, ici il y a surprise. Ils sont tous les trois, ça y est. Réfugiés, il y a des traps, il y a tout ce qu'il faut, pas jeter dedans, ils sont malins. Maintenant on se fait plus avoir ce genre de choses.
plus ils que tiennent 12. Bien, hein. Ils tiennent quand même vachement bien en face. Il y a une vraie défense. Mais tu vois, ça a travaillé les attaques, ça a travaillé les défenses aussi, ça fait plaisir. C'est toujours plus dur de défendre dans ce genre de jeu. Ouais, clairement. Et là, en plus, Antora qui fait encore un bon choix. Il attaque de l'autre côté, il veut mettre la pression. Il se prend une petite balle, mais heureusement, pas de dégâts. Il a le harpon. On l'avait vu faire des trucs très efficaces lors des qualifiés avec le harpon. Kraki qui prend pas là, qui prend vraiment ses précautions, qui va petit à petit. On le voit juste en dessous le dernier. Il y en a un isolé, il y a encore un trap qui a été posé. Et Julien vient de tomber par Antoine encore une fois. Il y a deux knocks, il en reste plus qu'un seul. Attaque aussi qui est tombé. Et oui, c'est Antoine. Mais Antoine, c'est vraiment. C'est un god. C'est une machine, hein, vraiment. 3 kills pour Antoine. Et franchement, j'ai pas envie de dire qu'il les a pris tout seul, mais à chaque fois, c'est sur une fulgurance quoi. Il est très très fort. Oh la danse par contre, Antoine, calmos. Oh attention les gars. Il passe à la télé, c'est bon, c'est fight. En vrai, ouais, il a fait 8 kills avant dans la qualifier et franchement très solide et il reste encore 87 joueurs les gars, il doit en rester que 70 à la fin de la troisième zone, donc mine de rien là ça s'est pas encore allé beaucoup. Hunter et Polasai hein, et Orc et Squalls. Alors eux ils sont premiers, hein, faut pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'un fight là comme ça, alors oui ils donnent envie parce qu'ils sont dans la zone en face, donc t'as un vrai avantage à le faire, mais faut pas se louper hein. Et faut le faire vite parce qu'il faut aller se replacer aussi derrière. Après comme a dit Skyheart, il y a la Storm Surge qui va arriver et ça on en est tous sûrs, donc ils ont raison de se mettre à l'abri l'équipe d'Hunter, surtout que eux ils aiment bien prendre une montagne et après on bouge plus tu vois. Ouais c'est ça. Et là il reste beaucoup de joueurs, donc là c'est peut-être un bon moment. Après ils savent peut-être aussi que c'est peut-être une équipe qui n'est pas c'est peut-être pas l'équipe qui leur fait le plus peur. Ouais. Et en plus ils se sont fait gratter à la storm, enfin à la zone ouais. Oh c'est bien joué ça par Orc. Oh le trap. Et ça va payer justement. Non, mais c'est des l'open kill hein. C'est tu tellement vois, malin est... Ah ouais non mais là on c'est... On est à un niveau où il faut faire des moves de génie pour surprendre. Il le pousse en dehors pour bien voir le stuff et pouvoir looter plus facilement. Oh par contre Bodasai il y va avec une autre technique hein. Lui c'est oh oui c'est malin celle-ci, le petit dunk. Oh ça va payer avec les 3 grenades forcément. Ça va faire son effet quoi que ça la. Il le force à rentrer dans la zone. Au moins. Oh il a plus de masse je pense, il a plus de masse sinon il ferait pas ça. Oh il est dans la tourmente, il a 0 match. Oh le shoot oh par contre. Oh Podasai, il a pas de match mais il a du shoot. Il a du shoot et il a pu répondre. Par contre oui il a un HP là, il est mort hein. Ouais, il est mort hein, 100%. Oh il a pris un laser de l'infini par contre hein. Et soit qui arrive à prendre encore une fois. On voit les joueurs hein, qui cherchent maintenant de plus en plus des angles différents par rapport à il y a 6 mois, ne serait-ce que 6 mois. T'es obligé, quand tu joues face à des joueurs de ton niveau, t'es obligé de trouver des nouvelles solutions. Et là tu, comme tu l'as dit, mais le problème c'est que ça demande une rigueur parce que faut le setup, faut pas qu'un mec se précipite, faut pas qu'un mec se jette, faut pas qu'un mec se fait une balle de snipe. Parce que le quand t'es en train de te repositionner, si ton mate meurt, bah en fait ta nouvelle position elle est finalement elle devient un désavantage. Ah clairement, clairement. Et là on a quand même deux équipes qui sont hyper collées hein. Ils sont vraiment en contact hein, avec j'ai pas réussi à voir Sticky à côté, ça va très très vite. C'est dynamique hein, c'est l'équipe à quoi je crois. À quoi ouais, c'est l'équipe, l'équipe d'à quoi, 14. Okay. On se respecte, on se fight pas parce que là en vrai le truc c'est que si là ils se fight vraiment, ils vont gratter un peu de storm mais ils vont aussi se mettre dans la tourmente. Et les deux équipes le savent, c'est typiquement le genre de moment qui peut être rageant en mode mais pourquoi ils nous fight. Ah mais ça je suis content, tu vois, les genre de tweets ont pas si vite d'un combat à un autre, j'avoue que j'avais des doutes avant, je pensais que ça allait jouer très fermé et même si encore 4. En fait il y a beaucoup de combats mais peu de morts hein, mais juste ça se renvoie dégâts sur dégâts. Ah c'est clair, et là dites-vous que là il y a 13 joueurs qui doivent mourir en 1 minute 30. C'est énorme. Donc ceux qui sont en dessous de la storm ils vont se retrouver vraiment en sueur, on voit Vato et son équipe qui sont très largement au-dessus. Oui, et pas eux, eux ils sont en dessous. À quoi beaucoup moins déjà hein. Ils sont à 38 en dessous, ça c'est bouge ok. Tout le temps, hein. Ça s'arrête jamais hein. Il faut monter les moyennes et du coup il faut toujours être dans le move, toujours être dans l'action. Et là il va falloir trouver 2-3 petites balles d'air. 41, ça peut tue là. L'équipe de Kinstar qui vient de prendre un pic là sur peut-être le passant sur l'équipe de Kin. Et c'est eux justement qui agressent complètement une team. Et ils sont en dessous, c'est forcément ça aussi qui les force à aller et chercher ouais. ce duel. Il faut aller fight et là ils sont passés au-dessus justement. Et là c'est toujours risqué parce que vous avez vu le nombre d'équipes qu'il y a dans le mètre carré là, regardez hein, la mini carte les amis. Vous allez voir qu'il y a du people dans les parages donc c'est osé mais en même temps ils n'ont pas le choix, c'est la Storm Surge qui veut ça. Ils sont repassés au-dessus, ça leur permet d'être un peu plus soulagés, moins besoin de se jeter mais attention quand même parce que là leur position elle est pas ouf. Et toujours 80 joueurs hein, il reste 40 secondes pour qu'il y ait 10 joueurs qui meurent, c'est énorme. Hop là, 150 au-dessus. Là, fais gaffe, t'es à gauche. Il y a quelqu'un, je crois. Là on va avoir des agressions de fou parce qu'il y a forcément plein de mecs qui sont en dessous de la Storm. Oh, j'allais t'as vu le stuff de Kinstar, 3 poissons. Incroyable. Deux bleus, trois gros shields. Ah, il est prêt pour le late game. Hein. Il faut juste déconstruire un peu plus quand même. Parce que c'est... Ah non, quoique, pardon, j'avais pas vu. Il est full. Il est archi bien. Par contre, Skye qui tombe. Hein. Skye qui vient de se faire sortir justement par à quoi on avait dit hein, qu'il était en dessous de la storm. Il a agressé à fond Skye. Est-ce que c'est une balle de sniper ou pas? On ne sait pas. Robin qui tente encore une fois de mettre des pics. Ils sont tous full poisson, mec. Hein. Ouais, non, mais là, normal. Non, là, en plus, même pour ne serait-ce que survivre à la storm, quoi. Il faut Nate faut aussi, Nate, il a 6 poissons. Kin en a 6, lui, il en a 3. Il a le bazooka à Banda. Ouais, c'est ça. Ils sont déjà équipés pour le late game, c'est bon maintenant. Hein. Faut juste y aller. Et ça, l'équipe de Kinstar va peut-être pouvoir la prendre. Et comme je l'ai dit,
Kinstar d'un côté, Hunter de l'autre. Les meilleurs ennemis vont peut-être se faire face dans cette grande finale de la Cup pour la première place. Mais attention à l'équipe de Nikov et Airwax et compagnie pour ce top 1 aussi, faut pas les oublier. Les joueurs qui tombent par la tempête, un Kraki qui est mort par la tempête, qui est mort par la storm. On a également l'équipe de Az hein, qui a pris super cher. J'ai vu Az tomber, j'ai même vu Napo aussi là qui vient de tomber. Il y a énormément de joueurs qui tombent. Antora qui est mort aussi, Antora qui vient, qui malheureusement n'a pas survécu. Antilex qui tourne la peau, comme tu l'as dit, ça fait plaisir. Et eux ils sont très loin au-dessus de la torture, mais là c'est même plus une question de torture maintenant, c'est une question de confiance. Et on va aller chercher Maizen, vous entendez mort de la part de Killstar, qui a envie d'aller encore plus loin. Nate qui rentre dans la box, ils ont peur de rien, ils y vont. Ils vont aller chercher point par point pour revenir au classement et peut-être prendre cette première place provisoirement après la game 2. Et là faut accélérer hein, la storm, enfin la zone qui va avancer en 30 secondes, ouais. Ils savent qu'ils sont en supériorité numérique et ils savent qu'ils ont aussi peut-être davantage mécanique. Faut vite en finir hein, faut vite en finir pour passer à la suite. Et c'est encore Viper hein, Viper qui mine de rien temporise à chaque fois très bien. A chaque fois il est chiant à tuer. Ça se travaille ça là. Et c'est un jour manette hein. Je crois que tout à l'heure j'ai vu que c'est un jour manette. Sans certitude mais mais il temporise très bien. Même s'ils ont raté un joueur, ils sont blancs hein. Là ils sont tirés. Ils sont tirés entre choper les points ou alors se mangent la zone. Bah oui, et ils vont courir, je pense, c'est bon choix parce que ça serait quand même un peu risqué, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un mec caché là, effectivement. Il s'est fait surprendre. Heureusement, il y a un bon réflexe en face de construction. Et là, maintenant, ouais, bon, là, c'est compliqué. Là, il va se faire full rush. Là, il se rend compte que c'était peut-être pas la meilleure équipe hein, sur qui il fallait sauter. Continuez d'avancer, on les aura. On va les tuer. Ils sont full blanc en plus. Hein. Ils ont plus rien, l'équipe de Viper. Et ils le savent. Hein. Ils font le call à chaque fois. En fait, ils ont fait tellement dépenser de shield et tout qu'ils les veulent. En fait, ils veulent les points maintenant. Bah, tu sais, maintenant, c'est entre guillemets relativement facile de les finir. Donc, t'as plus envie de. Il y en a un autre derrière là, forcément. Ouais, il est pris position là, il peut peut-être en. Oh, faut. On rebarbe, c'est free. Rebarbe sur le duel là-dessus. Dans mon box. Oh là là, ça part de tous les côtés là, mais ils sont pas organisés, pourtant ça marche bien. Au talent, à l'individualité. Viper qui tombe. Il n'en reste plus qu'un logiquement en face, et c'est lui. Et c'est Rebarbe peut-être qui va aller s'en charger, il est pas loin. Il doit plus avoir beaucoup de construits aussi. Hein. 40 blancs, vous entendez. Tu vois, t'as vu la com, elle est SP. Hein. Genre, y'a pas de com. C'est juste de. Juste des infos qui circulent. Et après, chacun fait ce qu'il veut, entre guillemets, tu vois. Faut avancer à 4, on fait le build. Faites les pics, je vais mettre peut-être. Ok, donc là, évidemment, ça va plus. Là, il faut pas économiser, ça serait trop dangereux. Et il a bien compris, Nate qui mène la danse. Extrêmement fou dans ses bulles, forcément. Il a énormément de maths. Donc en vrai, il est super bien. Ils ont énormément de maths, énormément de heal. Moi, je pense qu'ils sont très très bien. Ils ont chopé combien de kills au final là 6 non pas mal, hein, pas mal hein. J'ai pas vu le nombre exact mais à mon avis ils sont bien, ouais, 6 kills. 6 kills ouais, c'est hyper solide. Maintenant faut juste aller en late game. Oh, on n'est pas très loin. Et t'en rajoutes quelques-uns en late game avec le top 1 et c'est bon. Belle game rentrée. Ils ont tout ce qu'il faut, je vous rappelle qu'ils ont pas dépensé leur poisson, etc. Ils sont trop bien. Ils ont juste dépensé beaucoup de maths et je sais pas s'ils en ont eu pour leur argent. Bah là, apparemment, Robabs, vu qu'ils cherchent là, ils sont à 500 voilà. Chacun. Par contre, ils sont très très bien parce que la zone, mine de rien, tu vois, vers le sud, c'est les seuls. Donc en vrai, là, on voit il y a énormément de teams à l'ouest. Je pense qu'à l'ouest, ça va être une véritable guerre. Et là, ouais, là, on rentre dans la guerre. Alors, regardez-moi ça, il y a tellement de joueurs, il y a tellement de rotations, ouais. C'est incroyable. Ouais. Il va falloir vite se replacer. On a vu l'équipe de Max Alibur hein, tout en haut, très bien positionné, qui attend justement que les adversaires se regroupent pour pouvoir un peu bourrer. Mais vous allez voir, hein, l'équipe de Maxa est bien en place. Allons sur une équipe où il y a de l'action, là, justement, parce que là, comme tu l'as dit, hein, vu tout l'espace entre ceux qui doivent se repositionner et ceux justement qui doivent se fight. Et on est encore sur celle de Kinstar, hein, qui essaye justement d'aller dès maintenant dans la bonne zone. Mais non, il a réussi à knock un mec. Blacky qui tombe. Ariana Lover, il est là. C'est Spoiler hein, qui est derrière ce pseudo. Très très chaud hein, d'avoir réussi à le knock. Bon, ça va, ils vont pas pouvoir le finir malheureusement, mais ça fait rater du heal, c'est pas trop mal. Et passons sur une autre équipe, je pense, une équipe qui est dans la tour. En tout cas, à l'ouest, à mon avis, ça va pas être facile. Là, on a des équipes qui rotent hein, via l'eau, via le courant qui est avec eux. Oh, intéressant là, voilà, justement, eux ils ont la. Ah, quoi qu'il y a une autre équipe. Ah non, c'était leur pause précédente sur l'antenne. Donc, du coup, forcément, ils se déplacent avec la zone. Ils sont bien. Hein. Eux ils sont très très bien, surtout qu'ils ont la top hauteur. Ils ont 823 dégâts au-dessus de la storm, je suis mort. Ah ouais, non, là c'est grave. Tu vois, je t'ai dit, mec, mes games, il y a trop de dégâts. J'attends encore cette stat Epic Games, vous m'entendez. Envoyez-moi les stats des dégâts des games de la Dwarf Cup, s'il vous plaît. Je crois qu'elles sont vraiment au-dessus de tout le reste, c'est impossible. Ils se bourrent trop. Mais abusé. Ouais, c'est fou. Là, on voit Andilex et Noah cette fois. Ils ont un seul kill. Hein. Ils sont là, on voit qu'on est plus chill. La roquette là-dessus. Oh, c'est magnifique. Le teamplay incroyable. La roquette pour essayer de choper un pic et ça va réussir. Ils vont anéantir les deux joueurs qui restaient. C'est malheureusement Scortec qui va tomber. En vrai, ils pouvaient pas faire grand-chose. Ouais, mais c'était très bonne. Ouais, ils très ont bien isolé joué, et ils ont fait cette fameuse strat. Ils ont attaqué de chaque côté aussi pour pouvoir. Ah, c'était trop bien joué. Donc, effectivement, c'est Falcon Lee, Ariana Lover. Excusez-moi, je crois que j'ai dit spoiler par erreur. Donc, Falcon Lee, toujours bouillant. Hein. Même au FNCS et tout, il a été bouillant. Donc, voilà, il est.
il est très très chaud. Bon, on l'avait même vu dans la Dua Cup quand j'avais commenté avec toi, qu'il était archi chaud, ne serait-ce que en de capacité à survivre, un petit peu comme un Andilex en fin de game. Il a ce don aussi. Oh là là, ça se bourre à gauche là justement, alors qu'on voit l'équipe de Noir en train de tranquillement reprendre les stuffs. Et la zone hein, qui met tellement bien l'équipe de Keen, ils sont littéralement sur la zone. Ils ont pas besoin de faire un seul mètre. Oui, on voit Vato Skite qu'on a qu'on sert, ils sont à 16 points. Attention, l'édite là pour choper un pic côté Vato, le sniper hein, de leur équipe. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Hein. Donc quand tu ouvres, vraiment être prêt à tirer parce qu'en face aussi, hein, ils peuvent vite lâcher la balle de snipe. Et vous voyez la Storm Surge qui fait des dégâts juste à droite. Et c'est pas bon d'être à côté d'une équipe qui est en Storm Surge parce que tu sais jamais ce qu'ils peuvent faire. Ah, ça, ils vont all-in, hein. ils vont clairement devoir all-in. Et ils vont récupérer un kill là-dessus. Après, c'est aussi intéressant de mettre une petite balle sur un mec comme à la Storm parce que si jamais il crève, c'est pas mal. 25 dégâts, on rappelle, toutes les 5 secondes. Et là on voit justement Noward et son équipe. Oui, ils sont bien, tu vois, là ils sont dans leur game. Hein. Ils sont on va justement aller un peu écouter, voir si ça se passe si bien que ça. Ils sont doucement. Mais logiquement là, ça devrait dérouler pour eux. Oh là là, ah, c'est pas la même com hein, que leur calife, hein. Tu as bien raison mon cher Skyheart là. Il y a des. Il y a tout ce qu'il faut et ils récupèrent à chaque fois des stuffs hein, donc ils se renouvellent leur artillerie. Poisson vert. Voilà, poisson cool, les poissons, on y va, hein, ça, il faut looter. Oh, ils se font agresser. Oh putain, oh je le sens pas cette action là, il va falloir sortir d'ici très très vite. Voilà, le premier qui est trop longtemps au sol, Antilex au sol, le joueur de CES. Et ils ne sont plus que 3 avec DRG aussi qui a pris pas mal de dégâts. Beaucoup de stuff sert, beaucoup de poissons, mais à quoi ça sert si on peut pas forcément sortir de là? Et regardez la zone, ils sont tous sur le même axe. C'est terrible. Ouais, bah là normal, ils sont tous vers le sud, donc on va voir la prochaine zone, mais elle va être hyper violente. Et c'est l'équipe de Airwax hein, qui a chopé le kill sur Antilex. Passons d'ailleurs sur eux, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Hein. L'équipe avec Airwax, bah, ils sont trop bien. A mon avis, ils sont trop bien. Là, on les voit full life, full chill. Ils viennent de prendre un kill, je pense, sur Breizu. Je crois que c'est Skype avec Vato qui viennent de prendre un kill. On voit SPK hein, qui est encore serein. Antilex qui, évidemment, a été terminé. Vas-y, très bien joué la rotation là de. Pour économiser des maths. Fais gaffe à gauche, fais gaffe. Faut qu'on monte. Et ça, c'est la classique. Hein. Ah, ils vont tous faire leur tunnel. Ils sont devant, ils peuvent reprendre le high ground. On envoie des roquettes pour essayer de faire tomber, pour prendre la hauteur. Là, ils veulent le high. Ils veulent le high, c'est le moment. Ils ont très bien géré. Allez, c'est bien ça, et en plus de ça, ils font face à une équipe importante hein, pour aller chercher cette victoire ce soir. C'est la équipe de Noward qui était sur le côté. Oh la merde, regardez-moi ça, il y a tellement de joueurs. Oh, ça va toucher. Oh, et ça va kill côté Airwax. Ce hold up. Et là, les roquettes. Ah ouais, il bourre. Il en reste 7 encore dans le stock, je peux t'assurer qu'il va pas arrêter Airwax. Et ils ont que 44 au-dessus de la Storm, imaginez les dégâts parce qu'ils ont fait plein de kills. Il a 4 kills, Airwax, c'est sûr. Bienvenue dans la Dua Cup et le late game qui peut enfin démarrer. La nouvelle ville a été construite. Il gagne le high, hein. Nikov qui est juste en train d'extendre devant. L'expérience, il fait le perf là-dessus, Nikov. On rappelle, hein, c'est Airwax qui shoot dans le back. C'est Nikov là qui extend. Chacun son rôle, c'est défini, c'est travaillé. En fonction des maths, en fonction des armes, qui fait quoi. Et justement, ils vont pouvoir aller se replacer avant les autres au bon endroit et en gardant cette hauteur. Et ça, c'est important, vous l'avez vu, pour pouvoir pourrer comme ça avec Skype. Ah, c'est super bien joué, ce vient de faire Skype. Il a pris la hauteur sur le futur de la zone pour les empêcher de pouvoir être contest. Et ils sont pas contest, hein. C'est peut-être très bien parti hein, pour l'équipe de Skype. Restons sur eux parce que c'est leur moment. Hein. Là, c'est leur moment. Oh, la roquette, oh, la roquette, la roquette, il fait si c'est encore Airwax, je crois, qui n'arrête pas avec et c'est son lance roquette. Qui vient de tomber. C'est Miss qui, malheureusement, n'a pas survécu. Et 5 kills là-dessus pour Airwax. Et ça conteste encore. On commence à avoir moins de maths, hein, forcément, pour l'équipe de Airwax. Et Nikov, mais ils sont très bien partis. Roquettes aussi, hein. Va falloir partager les roquettes s'ils en restent à côté. Mais pour l'instant, il reste encore 15 joueurs vivants, 4 squads différentes, 15 joueurs vivants. Donc il reste des grosses squads bien complètes. Airwax, faut pas tomber. Bon réflexe de la part du joueur suisse. Et ça kill encore un côté Nikov. Ils ont encore 4 roquettes, ils veulent cher. Il a plus que 2 roquettes là-dessus. Et ça kill SPK qui est en logram qui fait double kill avec sur une storm. Ouais. C'est propre. Pas sur la zone, pardon. Et ben il a raison, faut gratter, hein. Faut gratter là où on peut. Plus que 3 équipes debout, 12 joueurs. Donc autant vous dire qu'ils étaient tous debout. C'était du 4v4v4. Mais là ça commence à tomber au sol. Mais c'est Killstar, Vato, Nate. Ils font les premiers kills, surtout Nate. Ils sont tous vivants, je crois. Oui, c'était du 4v4v4. Mais là ça a bougé peut-être. Ça va être incroyable. Ça partage les poissons. Ça joue dans la zone. L'équipe d'Airwax face à l'équipe de Killstar, c'est ça qui se passe. Airwax face à Killstar, 4 contre 4. Oh Vato, non, il fait surprendre, ils sont tous dans la zone en panique. Oh, ça y est, le poisson qui fait 3v3 3v3 entre ces deux équipes qui s'étaient embrouillées suite au FNCS, un malentendu, et maintenant va falloir se régler sur cette deuxième game de la Dua Cup. Aussitôt, je ne savais pas, mais en tout cas, c'est le bon moment histoire de régler les comptes. Il n'y a plus de masse, mais temporise, ils ont tous les poissons du monde. Il y a une meilleure position quand même pour cette équipe là. Forcément, les autres sont dans la zone, ils subissent, mais au moins. Kint va tomber, je pense. Kint qui tombe,
Il a réussi à tomber Airwax avant hein. C'est 2v1, tranquille, 2v1. Faut sécuriser, faut sécuriser, pas de bêtises. Y'a plus de masse. 2v1, c'est 2v1, tranquille. C'est 2v1, mais il a peut-être beaucoup de poissons, mine de rien. Il a peut-être encore des masses, ils ont plus de masse. Ni Sky, ni Nikov. Ça reste Nate. Ça reste Nate. C'est Nate, ça reste Nate. Ça reste Nate. Il l'a fait au FNCS. Il l'a fait justement. Il avait fait un top de vous. Souvenez, regardez, il reste encore un poisson. Nate, il va essayer de récupérer la hauteur en 2v1. Face justement à ses meilleurs ennemis. C'est incroyable. Et Nikov qui sont face à Nate. Mais regardez le talent de ce joueur justement. Qui a réussi à faire trembler l'Europe. Et qui a été attiré, tellement attirant que Mongrad, Benji Fichy lui ont sauté dessus. Il va même contact. Toujours en 2v1. Mais là, ils sont bien organisés. La belle défense de Nikov et Ska qui sont. Mais putain, bien c'est géré, il finira par tomber! Oh là là là, mais c'était tellement chaud! Quel fun game! Et là-dessus, je sais pas si c'est Nikov ou Skak, mais l'un des deux a récupéré des maths et a pu contester Nate. Sinon, ça aurait été la tourmente, il avait la top hauteur. C'est la première fois que je vois un Skak en stress en mode joue safe! C'est Skak qui disait ça, joue safe! Mec, sécure parce que c'est Nate, il est très très chaud. Quel fun game, gros! Nate a failli clutch! Merci les joueurs! On a, je sais pas combien, j'ai 5 kills genre. Ah, c'est incroyable! Ils ont tellement de kills en plus, équipe de Skak et Nikov, on l'avait senti, qui pouvait aller au bout, qu'ils avaient la top hauteur, ils ont très bien joué la zone et 14 kills plus top 1, ça fait 29 points, ils avaient 16 points, ils montent à 45, c'est insane. Ah monstrueux, monstrueux, c'est intéressant parce que je vous rappelle un Kingstar avec son équipe européenne qui avait voilà un peu titillé, mais vous avez tous compris que c'était plus de blabla que de réels actes pour nuire à l'équipe d'Airwax, Nikov, etc. Et justement là c'était Nate qui lui n'a rien à voir avec tout ça, mais forcément qui est en même temps qui a été décrié par Airwax à un moment quand il a dû quitter l'équipe parce qu'il avait eu cette offre de Benji Fishy de Mongrel, donc ça avait fait drama et finalement sur la FNCS il nous prouve qu'il a eu raison parce qu'il fait le meilleur top parmi les francophones, donc finalement bah, mec qui est là et ouais. Peu importe sa team, peu importe l'enjeu, il est toujours au top, mais quelle défense. Du coup pour l'équipe de Skybato qu'on avait dit potentiellement favori, en tout cas dans le top 3 des favoris, là-dessus qui vient de gagner tellement de place. Et en même temps Kingstar qui conforte son bon départ avec ses teammates. Bah, le mix, tu disais est-ce que c'est possible, bah là on l'a vu, ils ont été monstrueux. J'ai même pas envie de te faire attendre mon cher Skyar. Là faut qu'on garde non, c'est le classement, j'ai même pas envie de mettre du suspense. Le suspense est là naturellement. Et regardez justement Kingstar qui reprend à combien 3 points. 3 points d'avance sur Airwax, Nikov, Vato et Sky. C'est un petit peu retombé des autres côtés. Forcément, là il y a une régularité sur deux games. Donc ça permet de sortir du lot. Mais attention, jusqu'au top 4, voilà, c'est quand même très serré. 33 points, ça reste encore dans la course. Mais là, on a déjà 4 équipes qui sont en train de sortir du lot. Je suis ravi de vivre ça avec toi en tout cas. Ah, ben là, et c'est que le début, gros. Il nous reste encore 4 games et tout peut basculer. Tout peut basculer. Et t'as vu finalement le fait que Napo ait bougé. Parce que psychologiquement Kingstar les ont mis au fond en early, fait qu'ils ont pu aller tranquillement en late game et avec beaucoup de poissons. T'as vu qu'on est passé sur eux, j'étais en mode mais attends, mec, ils avaient tellement il a 10 poissons lui, il en a 25, l'autre il est en train d'ouvrir une poissonnerie là-bas. Là je pense qu'à mon avis, logique, tu fais top 1. Ouais, c'est dire. Clair. Non, ils ont été insane et vraiment leur stuff était vraiment hyper efficace. Ma question c'est est-ce que quelqu'un maintenant va aller contester à Slurpy, parce que là ça donne encore moins envie quoi. Voilà, là je pense qu'à mon avis, la peut-être toutes les games ouais, ils vont arriver avec leur stock de poissons tranquille en late game. Là en vrai, ils ont marqué tellement de points. Au pire, je leur donne le cash prize tout de suite. Hein. Malheureusement, l'équipe de Hunter, par contre, a perdu des quelques places. Ils étaient super bien. Et là, ils viennent de prendre un petit peu de retard. Cinquième, c'est compliqué, cinquième. Et surtout qu'ils jouent pour ce magnifique trophée. Hein. Il y en a 4, je vous le rappelle. Il est là, celui-là, pour justement mettre en avant et montrer un peu ce qu'ils vont recevoir chez eux. Mais il y en a 4 à gagner pour les 4 joueurs. Il est là, il est magnifique. Il est tout doux en plus. Il a sa petite saveur. Et donc, attention, parce que comme a dit Skyheart, ce n'est que le début. Il reste 4 games. Et on va justement monter au fur et à mesure en termes de pression. En tout cas, j'ai kiffé les deux games. La deuxième encore meilleure que la première. Et ça enchaîne. On est sur la Dua Cup, mesdames et messieurs. Vous connaissez la rythmique, vous connaissez l'importance pour moi de garder ce dynamisme. Il y a une pause quand même après la game 3, mais c'est une pause stratégique. C'est pas une pause pour aller se reposer. C'est une pause où pour moi les équipes doivent faire le bilan. Totalement. Qu'on fait, c'est vraiment imposé pour que les équipes se forcent à faire ce travail de j'en suis où. Qu'est-ce que je fais pour essayer de remonter? Comment? Est-ce que je revois mon spawn? Et bah justement, ce sera après cette game là. Et on est parti pour la game 3 qui va nous réserver beaucoup de surprises. On a déjà quelques équipes. Hein. Surveillons surtout les équipes du top 4 priori. En mode ops, parce qu'une équipe peut s'envoler et on est parti. Bravo, mon cher Skyheart. On espère que vous kiffez ça autant que nous, parce que moi personnellement, ça va aller trop vite en fait. Hein. C'est limite, on va vouloir des games supplémentaires. Peut-être pas, parce qu'à mon avis, ils sont en mode frérot, c'est bon. C'est bon, mec, donne l'argent, moi j'ai gagné. C'est vrai, on est troisième de temps, ça retail, fait plaisir. Encore contest, hein. Et encore une fois, les Quartz qui avaient eu raison de leurs assaillants.
Et ça refight, et ça refight dès le départ. Lazy Lake, encore une fois. C'est les mêmes équipes qui se fightent au même endroit. Il lâche rien. Hein. C'est, on dirait un os sur, on dirait un chien sur un os. C'est après, vraiment, là, il lâche rien du tout. Là, malheureusement pour ma gueule, j'ai l'impression qu'il y a eu des crashs. Hein. Ouais, j'ai l'impression aussi que malheureusement son équipe n'a pas spawn dans la game. À voir si c'est. C'est ça. Quand les joueurs sont pas affichés, c'est que malheureusement ils ont pas pu accéder à la game. C'est pas preuve du mode fake. Nous, on a un règlement avec les admins, c'est que s'il y a pas X crash, je crois que c'est 6 crash, on peut pas la remake malheureusement pour des raisons. En vrai malheureusement pour eux, quel enfer, parce que c'est très très unlucky. Et ça, c'est la RNG que t'as pas envie d'avoir quoi. Et Fortnite s'excuse bien sûr à chaque fois, mais ils essayent de corriger, hein, c'est pas évident. Oh dommage! Allez, quick dead, Ouais, il est vachement bien parti, il a plus de vie en plus. Hein. Et c'est Kezon malheureusement, l'équipe encore une fois de Kezon qui va faire les frais de cette équipe Quartz qui avait eu raison d'eux justement tout à l'heure. Finis-le pour prendre le shield. Hein. Ah bah, il va y aller, à mon avis. Kezon qui va tomber, Kezon qui se fait. Choper. Il s'en mêle dans ses pinceaux, mais. Non, je pense qu'il a voulu isoler le stuff pour être safe, pour le looter tranquillement. Okay. Et ça va tomber par le côté George. George qui vient de se faire knock. Il va pouvoir être très tranquille, les 4 kills sont validés, donc le travail a été fait. Ouais, c'est ça. Encore une victoire 2, j'ai l'impression. Mais attends, mais c'est fou quand même, parce qu'en face 2, c'est vraiment des monstres aussi. Mais là, ils régulent le truc, ils ont encore raison. Et solide, on voit l'équipe de Kina qui sont tout seuls. Ouais, justement. Y a personne hein, avec eux, tranquille. Justement, il y a les soutiens Solari qui sont. C'est ça qui est bien, si vous êtes fan de Solari, franchement, vous en avez pour votre argent. Il y a Hunter qui a une équipe, t'as Kinstar qui a une équipe. Au pire, il y a Airwax, Nikov là-bas. Enfin, forcément, il y a une team Solari qui va percer. Pour ma gueule, on reviendra sur lui plus tard. Hein. Ne forcez pas sur lui, il est tout seul. Déjà, ça va être très compliqué pour lui. Et justement, je pense que ça n'ira pas plus loin que ce moment. Ouais, sachant qu'ils ont vite compris maths, qu'il était seul. Ouais. Et ça ne peut absolument rien faire. Il peut rien faire. Là, il se suicide carrément, je pense. Ah, il a raté son suicide. Il a compris que c'était mort. Il ne voulait pas donner le point. C'était... En vrai, malheureusement pour lui. Quoi. Ouais. Genre, c'était c'est très unlucky. On continue. Je vois un peu les morts. Vous voyez SPK qui est tombé, Maxa aussi qui est tombé. Toute la team numéro 7 qu'on a vu hein, justement au spawn. Qui est, comme l'a dit Skyheart, très lourd sur le papier. Mais après, tu as aussi des tas de formes. Il y a des fois où tu n'es pas dans ton bon jour. Et à ce moment-là, bah, quand t'es en compète et que toute la team suit le pas et qu'il n'y a pas un mec qui est capable de redresser l'équipe, ça devient très compliqué. Et là, ça fait quand même beaucoup de spawns de perdu. Ah, là, on voit l'équipe de Julez hein, qui est à côté de l'équipe de Hadz. Tu sais, il s'est défaillé justement tout à l'heure. Et bah, ça y est, c'est le retour là-dessus. Ils veulent se venger. On sent, tu vois, la volonté de se venger. Là, on voit Hadz et tout qui se fait focus. Aïe, ils sont 3 joueurs a priori hein, l'équipe de Hadz. On m'a dit qu'il y a eu 4 crashs sur la game. Voilà, donc. 3v4 là-dessus hein, pour l'équipe de Hadz qui ont un joueur qui n'a pas déconnecté malheureusement la game. Hadz qui se fait foutre. Allez, défends-toi. Ah, il est dans le loin, ça va pas être facile pour Hadz. Ne lâche rien. Oh, en plus de ça, on a une pause parfaite hein, pour Swayzen. Oh là là, le pauvre Hadz qui se fait full focus. Il a beau être super chaud là, c'est pas évident. Ouais, non, il y a un mec qui te bourre et en plus on a deux qui te rushent le raccord. Il va tomber malheureusement. Fini. Et c'est Swayzen qui va prendre le kill. Ça va être difficile hein, pour son équipe. Après, à leur décharge, ils sont 3v4. C'est déjà malheureusement un désavantage énorme. Ça monte en intensité, hein, ça monte en pression justement. Et on va vivre une Dwight Cup incroyable, j'espère, jusqu'au bout. Et comme le dit MBK sur Twitter, c'est surtout grâce aux participants qui nous proposent un spectacle de folie. Et ça fait plaisir parce que c'était un peu l'objectif de la Dwight Cup, de donner un peu les bons codes aux joueurs pro au niveau de la maturité, de la rigueur, quand ils s'inscrivent à des tournois, de le faire sérieusement et tout. Et donc là, de plus en plus, je les ai vus grandir. Et maintenant, ça y est, hein, on n'a plus rien à leur apprendre, hein, juste à les observer et à rêver grâce à eux. Donc je suis très content d'avoir fait ce travail-là avec eux. Et maintenant, ça y est, ils sont devenus grands. Hein. C'est eux maintenant qui nous donnent des conseils. Hein. Ça finit. T'es le papa en fait. Non, mais pendant un moment, tu vois, des fois, ils venaient à un tournoi, ils faisaient 2 games, après ils arrêtaient. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, fallait leur apprendre quand même la vie. Parce que eux, ils sont arrivés, tout était déjà en place. Nous, si tu veux, on peut faire les vieux à refaire un peu la nostalgie. À notre époque, ça se passait pas comme ça. Hein. On n'avait pas cette chance là, malheureusement. Mais voilà, les choses évoluent. Maintenant, le gaming est un peu plus en place au niveau national. Et donc, on peut créer des carrières, on peut. Vraiment en faire son métier quand on a un certain talent bien évidemment et c'est bien de bien le faire et en plus de donner les bons réflexes aux suivants parce que bah, les jeunes les regardent tu vois donc forcément bah t'inspires des plus jeunes donc autant leur donner les bons codes bon réflexe bon réflexe ça va être compliqué dommage qu'ils auraient pu trapper le toit qui aurait vu le mur Yoda il en a quand même puni hein. Non, il a pas fini, ah, c'est dommage. Pas de bol pour Yoda là-dessus qui va finir par tomber. Qu'est-ce qu'il est venu foutre là-dedans avec toute l'équipe de Xewer hein, que vous avez vu. Bon là ce qui est solo maintenant hein. il a vraiment plus d'HP là-dessus le joueur Exalti. Oh bah là ils vont ouais. Ouais bon il va rien pouvoir faire. Ah il temporise hein mine de rien. Il est 1v4. Ça fait dépenser quelques... Il a chéri. Attends. Il a failli prendre un knock quand même. Mine de rien il fait gratter quand même un petit peu de shield. Un petit peu de shield.
Et il a quand même bien temporisé. Intéressant. Là vous voyez la zone justement, ouais, plutôt sud. Donc ceux qui sont à Pleasant que vous venez de voir à l'instant vont avoir une petite trotte à faire. C'est d'ailleurs eux qui vont avoir le plus long chemin avec ceux qui sont à Frenzy Farm. Mais ça va, la majorité des équipes sont dans les parages. Et vous avez vu un Sendelic qui a eu un petit peu chaud avec ses 3 HP. Même si les copains étaient derrière, même s'il y a le bus de réanimation à Pleasant et qu'il n'y a pas d'adversaire. Donc en soi, tout allait bien pour eux. Attends mais au final, attends mais c'est incroyable, Kraki et Antorak qui ont réussi à survivre. C'est incroyable. Et ils se font encore chase par l'équipe justement de Jules qui veulent prendre leur revanche. Hein. Ils sont morts justement par eux la game d'avant. Mais attention très large. Ils en ont rien à foutre. Hein. Parce que Frenzy c'est chez eux maintenant. Bah là malheureusement là on voit Antorak qui est dans la tourmente. Hein. Kraki qui se sépare carrément, on essaie de jouer. Non mais la Trénade, ils vont backstabler les numéros 10. Ouais, ça va être très très dur. Hein. Mais là on voit Kraki qui dit ok, je pourrais pas cross. Il veut gratter un petit top 8. On rappelle c'est top 8 un déplacement qui commence à rapporter des points. Et c'est 3 points. 3 points c'est quand même non négligeable dans une coop où bah on va pas se mytho. Il y a des équipes qui vont faire énormément de points par game. Mais il y a beaucoup de teams qui vont pas faire beaucoup de points. Et en vrai, ne serait-ce que voir une vingtaine de points en fin de game, c'est déjà beaucoup. Hein. Ça fait quand même milieu de tableau quoi. Totalement. Non, moi ce que j'avais un peu jaugé à la suite au qualif, vu que là vous avez les scores au-dessus, 20 points c'est une bonne game. 25 points plus, c'est une très bonne game. Parce qu'on a vu des games à 30 points et tout. Hein. Ouais, donc bah, voilà, 25 points plus, c'est une game incroyable. Mais 20 points, c'est une bonne game. Après, ça dépend ce que tu vises, tu vois. Est-ce que tu vises le top 3 ouais, c'est ça. Je pense que c'est des équipes qui vont même viser le milieu de tableau, ce qui est déjà exceptionnel. Tu vois. 10 points, c'est très bien déjà par game. Oui, oui. Non, pour le top 3, faut beaucoup de games à 20 points et une ou deux à 25 plus. Donc c'est pas évident. Aussi qui ont un joueur qui n'a pas été co. Mais ils sont ensemble, ils sont encore 5. On n'a pas encore full shield. On rotate tranquillement par le nord de la map. C'est ok. Pour un fond, pas d'adversaire dans les environs. Merci les frérots, ça fait plaisir. Et c'est que le début de la soirée. C'est que le début de la soirée. Donc à chaque fois, ils sont trop chauds les gens. Ah bah ils adorent. Après, là, je te dis, il y a une effervescence forcément. Parce qu'en plus de ça, on a le beau jeu. Et dès le début, donc là, les 32 000 personnes qui sont en train de nous regarder en direct, hein, je vous rappelle qu'on est nous en direct. Et forcément, on vous met les games aussi sur YouTube. Et bah, les 32 000 personnes sont à don. Vous l'avez vu, ils vous ont mis le hashtag en tendance. Là, ils sont sur le chat à nous donner plein d'informations par rapport à ce qui se passe sur les streams des uns et des autres. Parce que bah, nous, on n'est pas tout le temps partout. Ah, et bah, donc, Falcon League. Falcon qui vient d'up son arme justement. On en parlait au tout début du live. Et là il a le temps parce qu'il est dans Slurpee. T'as eu le temps de voir? Je sais pas, je pense que c'est l'AR à mon avis, non? Bah je me demande qu'est-ce qui est rentable. Ah c'est le pompe, je pense. Je pense que c'est le seul truc qui est rentable. Peut-être la FAMAS en Hog aussi, elle peut être tentée. En vrai, il y a moyen qu'il ait fait les deux, hein, pompe et AR. Hein, mais parce qu'en vrai, là il est vachement bien et il a plus du tout de maths. Ouais. Par contre, là il se dit. Ok, on a 40 secondes pour se remettre à fond quoi. Et là il faut le faire. Et là c'est un qui me disait aussi d'évoluer son bazooka d'une fois, c'est pas si mal. En bleu tu vois. À ce qui paraît. Donc après c'est des calculs de combien de dégâts ça t'apporte, est-ce que c'est vraiment rentable, est-ce que tu peux te le permettre, parce que est-ce que tu vas avoir le temps de refarmer, est-ce que t'as pas des recharges déjà. Tu sais, imagine t'as fait un fight ici, t'as plein de farm au sol, oui, là tu dépenses, tu reloutes. Mais là du coup il a dépensé pour aller taper des arbres derrière. Attention à la zone, attention au positionnement parce que ils sont bien, ouais, vous avez vu que ça se place vite dans les games de Dwarf. C'est clair. Et là en vrai ils ont double hog. Hein. Double hog, ça fait super mal. Et ne serait-ce que pour avoir des dégâts sur la Storm. Oh, la balle de snipe qui a tué sur Knight et ça ping hein, justement directement. Et c'est Vétéran, je pense, qui a mis cette belle balle de snipe. Ça pourra pas connecter, mais ça gratte quand même des dégâts. Et non, c'est pas Vétéran, du coup, c'est son teammate. Vétéran qui avait été violent lors de sa qualif. Et ouais, c'était Meltic qui a essayé de retrouver une OK sur Kinstar. Ça ne donnera rien cette fois-ci. Nice try quand même. Hein. Au pire, ça gratte des dégâts sur la Storm, c'est OK. Et Robabs, encore une fois, qui échappe pas loin justement de cette balle. Là vous voyez l'équipe de No Ward en bas à droite, Kinstar qui est en train de faire sa rotation. Allons justement aller voir l'équipe de Kinstar qui sont actuellement très bien hein, dans le tournoi hein, comme vous l'avez compris pour ceux qui nous suivent depuis le début. Ils sont premiers actuellement à 48 points. Mais attention, il y en a une autre équipe à 45 points, donc 3 points derrière, c'est celle d'Airwax. Un petit fight avec Aqua là qui essaye de prendre son duel, mais forcément aux alentours on s'en mêle pour gratter des dégâts. En plus de ça, voilà, la roquette c'est jamais évident. À quoi je réfère hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi totalement. Oui, c'est pas celui qui a gagné le Rocket. Effectivement, je dis ça au cas où. T'as raison, faut le préciser. De toute façon, c'est une compétition francophone, je vous le rappelle. Rélezou qui s'est temporisé pendant ce temps-là. Ils sont encore tous ensemble, ils sont encore 4. On vraiment en WK les mecs, hein, on y va à fond, on essaie d'éditer, mais ça passera pas malheureusement. Ils temporisent à 800 000%. Par contre du coup ça coûte quand même beaucoup de maths hein. On voit 1001, ça va faire des maths. Ah tu vois. Et le, ça colle le Rocket justement. Il a eu double mur. Ça c'est très bien joué de la part de Rizou.
Allez, 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 faut continuer là, ils sont bien, ils sont bons hein. Il y en a un dans les bulles, il y en a un. Eux, ils sont vraiment bons hein, ils sont efficaces, coordonnés. Forcément, j'imagine qu'ils ont évolué au fur et à mesure des compétitions et peut-être aussi en observant les autres parce que leur com, elle est très expérimentée pour des joueurs, comme je vous l'ai dit, qui ont pour l'instant pas fait des gros résultats en compète, mais pourtant, là, ils ont tout ce qu'il faut maintenant pour pouvoir commencer à faire parler d'eux. Et ça, qu'il y a les LAN qui vont revenir, à voir si les LAN, elles seront pas un peu mis en danger à cause des événements épiques en ligne qui tombent souvent en même temps. C'est vrai que on va aller chercher le dernier dans les bulles. Ouais, okay. Et il a bien compris que Mason est encore dans les bulles. Mason qui est caché et là qui peut temporiser, sauf qu'il est tout seul. Ils vont le chercher. Ah, ils vont à 4. Hein. Mais où est-il? Et eux, évidemment, ils n'ont pas l'information. Et tu vois, ils restent quand même à 4, malgré tout. Ils ont raison. On va pas se split. Ils prennent pas le risque de se manger justement un knock et perdre un des joueurs. Ça fait perdre trop de temps. Ça fait perdre trop de temps. Je suis à descendre sur moi. Quelqu'un vient? Strapnake qui se met en place. Ouais, passons sur un lanceur de grenade justement. Là ça commence à balancer. Attends. On va voir comment ça s'éteint. Voilà, okay, sur G13. Il faut péter l'acier au-dessus. Ok. 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que c'est taffé? Ouais, c'est pas mal. En tout cas, c'est bien synchronisé. Ah, ça aurait peut-être pu être encore plus efficace. Je sais pas si ça va vraiment payer. Et non, ça va malheureusement pas knock. Dommage. Mais bien tenté quand même. Vous avez des roquettes, les gars? Faut essayer. On a vu que c'était pas encore aussi clean que les équipes inter. Mais c'est normal, c'est normal. C'est aussi. Mais c'est bien. Au moins, ils mettent du rythme, ils créent du jeu. Et je pense que en termes de dégâts au-dessus de la zone, ils sont bien. Après, là, c'est quand même bien la vie en lobby. Il restait 70 joueurs avant même que la storm arrive. Ah, c'est la finale. Et puis, on sait, il y a que la première place qui compte. Alors que sur les autres soirées de Dota Cup, t'avais le top 8. Donc en oui, fait, bien sûr. Là, les équipes qui sont pas bien au classement, en fait, ils vont pas attendre la 4ème ou la 5ème game pour être fifou. Dès maintenant, il faut être fifou pour aller essayer de chercher le podium. Alors que c'est vrai que quand tu vises le top 8, tu joues récu jusqu'au dernier game. C'est vrai, tu fais bien de le préciser. Mais c'est aussi pour ça que c'est à mon avis, game 5, game 6, ça va être à mon avis des... Oh, ça va être un massacre. Ouais, ça va être à mon avis vraiment des véritables massacres. Hein. Je pense que ça va se rusher dans tous les sens. C'est pour ça que tu peux toujours sortir une petite game à 15 kills. Hein. Clairement. T'es pas à l'abri qu'il y ait d'autres teams qui arrivent à lâcher des games comme on fait justement celle de Noward game 1. Allez, vétéran qui a gardé cette hauteur à... On est revenu à Slurpee hein, finalement avec la zone. Là où tout a commencé pour Kinsar qui est encore debout justement avec sa team. Qui va essayer de conserver sa première position. Mais attention justement à ce que vous avez vu juste avant avec Vato. Et donc qui sont deuxième à 3 points d'écart. Pour l'instant 0 point marqué pour l'équipe de Kinsar. Est-ce qu'on peut passer vite fait sur celle de Airwax, Vato, Enko pour voir leurs principaux. 0 point aussi. Pareil. Donc ils sont pour l'instant à égalité. Je rappelle qu'il y a 3 points d'écart actuellement entre ces deux squads. Bon, ils ont pas, je pense qu'ils n'ont pas aussi non plus envie de WK une team. Et sur un malentendu, perdre deux joueurs, ça met mal. C'est trop bien l'échange entre... Oh putain, parfait là. Ah, tellement malin là, Airwax qui a la piscine. Petite piscine Airwax chauffée. Airwax dans son jacuzzi. Aïe 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 aïe. Tranquillement. Ah, ça paye hein, Fortnite. Ah là il est à l'aise, hein. En plus il ramène les copains et tout. On se régale. En plus il aime bien être à quatre pattes. Quoi? Non, j'ai pas... Alors je rentrerai pas là-dedans, mais on n'a pas eu les mêmes soirées avec Airwax. Je sais pas, il se met à 4 pattes aussi. Non, non, ok, je juge pas. Merci à vous en tout cas, on apprend des choses quand on est au cast avec Edwag. Les hommes se rapprochent, les hommes se rapprochent. Il se passe des choses, très bien. Moi je vais rester dans ma rôle de caster sur Fortnite, je vais pas arriver dans ces rôles un peu plus... Sympa ça, Skyard, merci de m'abandonner. On se rapproche, non mais écoute, je juge pas. Je juge pas, j'ai un jour peut-être. Hein. Ouais, non, mais c'est bien, il faut tenter des choses dans la vie. C'est vrai. Et Antoine, par contre, lui aussi, il tente des choses. Hein. Il tient bon, on l'avait oublié. Mais c'est une savonnette. Hein. Et là, il reste encore 19 équipes. Le problème, c'est que là, il reste quand même beaucoup de teams. Ouais. Ça fait, on rappelle, faut qu'il gratte le top 8. Antoine, on a vu, honnêtement, peut-être un des joueurs les plus réguliers quand même de l'équipe de Hades. On l'a vu assez. Assez chaud, on verra du coup si ça va payer. Le chat qui est à fond avec Peggy 18, excusez-nous. J'ai envie de parler de savonnette, t'as enchaîné, bon. C'est ça, tu m'as inspiré, c'est parti quoi. Tu m'as inspiré, non mais c'est bien d'avoir ces petits moments aussi un peu pour calmer le jeu, recentrer les troupes. Là c'est la game qui s'est lancée. Je sais pas s'ils étaient en zone déjà, mais il va falloir quoi qu'il arrive bouger hein, pour Airwax et compagnie maintenant. On l'a vu, mais non, c'était non. Intéressant de voir les équipes qui ont vraiment bien démarré. Là, ils ont ralenti le rythme de ouf, plus personne ne prend de risque. Et par contre, les autres, c'est devenu c'est devenu vraiment un zoo quoi. Est-ce que tu sens pas aussi que là, on voit qu'il y avait plus de morts dans cette game et là, que la storm faisait moins de pression? Parce que là ça WK pas du tout. Là, on attend quoi. Il reste 55 joueurs déjà, donc il y aura même pas de storm surge dans cette game probablement. Pas encore sûr, hein, mais oh, attention, on a le combo là-dessus avec l'équipe dit, Vitality Bad et Oslo. Ils en ont pas besoin de la avec Blax. Ils en ont pas besoin pour ce fight, ils ont juste envie de se fight naturellement. Et on a pris quand même quelques dégâts côté Blax, donc ça va calmer la situation. J'ai vu Napo faire un kill dans la barre des feeds. Bravo justement à lui qui a vite à ramener son équipe sur une stratégie cohérente en changeant de spawn. Kinstar qui tombe Hunter! Kinstar qui tombe Hunter! Aïe, important, on passe sur Kinstar très rapidement s'il vous plaît. Kinstar qui tombe Hunter. Alors est-ce que c'était une balle de snipe? Est-ce que c'est quelque chose qui a pu aller justement au bout? Guettez en 15.
Le mec en enfer. Ah, ça fait mal hein, là pour, pour Hunter. Parce qu'en plus, on rappelle, mais il est à 26 points. Donc, il est pas encore au top du top. Attention, il va essayer de prendre un pic là-dessus. Peut-être Kin. Il bouge comme un bot. C'est même pas au sniper du coup, parce qu'il a, il a pas snipe. Hein. Donc, c'était vraiment à l'arrière probablement. Du coup, ça va être, à mon avis, toute sa team qui a du full laser Hunter qui s'est pris du coup un focus énorme. Ils sont 3 dans le box en métal. 3 dans le box en bleu. Là, ils ont envie. Et le bon coup là de Hunter qui se prend dans le box. De Noah. Et c'est les concurrents principaux. Ils le savent pas. Ils le savent pas. Ah non, c'est pas les concurrents principaux. Les deuxièmes plus gros, potentiellement. Ah go non, c'était le point bleu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mal entendu là. Le double roquette, malheureusement, c'est de l'acier. Je rappelle que c'est un mix et c'est là qu'on s'en rend compte malheureusement. Et ça peut malheureusement leur jouer des tours. Attention à pas reproduire ce genre d'erreur. Ils auraient pu synchro et là justement ceux qui se font un peu punir. Belle réponse en face de l'équipe de Noah qui se laisse pas faire. Et voilà, Rihanna Lover. Falcon Lee qui se fait détruire là-dessus, il a 2 HP. Et les énormes dégâts, on a vu un joueur qui a mis une roquette. Ouais. On a vu Falcon Lee, je pense, qui a mis une roquette sur 3 personnes et il la colle. Il a dit les gars, j'en ai touché 3. Il voulait vraiment les finir sauf que pas facile, les joueurs en face évidemment, c'est pas faire. Attention les gros, les roquettes, les grenades là-dessus qui vont gratter les PV sur KZR, il va malheureusement tomber. Et la Storm qui fait d'énormes dégâts. Il y a que 2 joueurs au-dessus de la Storm et c'est qui? C'est malheureusement Noward et Andilex. Andilex est dernier survivant sauf que c'est la tourmente, la Storm qui a tué 3 joueurs et c'était malheureusement complètement leur team. C'est pour ça que ça cherchait un peu les fights. Aïe, c'est terrible là pour l'équipe de Noward et Hunter hein, qui malheureusement n'a pas été raise. Podasai et Squall qui sont bien, qui sont bien. Oui, et puis en zone. Oh dommage, ça aurait été magnifique hein, qu'ils mettent cette balle Podasai. Là, là vous sentez le stress hein, justement, ouais, il reste encore 50 joueurs debout mais on a eu des face-à-face très importants et déterminants. L'équipe de Noir qui a été très affaiblie, Hunter qui est tombé aussi au combat là vous le voyez. Et pour l'instant bah, c'est l'équipe de Skype et tout qui a l'air de se faire oublier. Et Kinstar qui continue quand même son massacre. Frag, hein. Il tue maintenant un joueur d'équipe Quartz. Allez, et c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a même... On a potentiellement le Hydra qui peut être retake là-dessus. Ça roquette, on essaie de faire tomber justement l'équipe de Clément. Hein. Clément et Black qui sont super forts, qui sont 3ème actuellement. Ouais. Et puis même, après ils savent pas contre qui ils sont, mais c'est surtout que c'est des mecs qui vont jouer à la hauteur. Donc c'est la priorité pour Kingstar. J'ai une roquette. Nikov qui est en place. Il prend un kill là-dessus. Ouais, Airwax aussi, non il finit. Il finit le joueur. Mais ça déclenche les points, ça y est. Côté Kingstar, ça a déclenché quelques points. Pareil côté. Faut savoir réaccélérer le rythme. C'est une partition de musique. Faut parfois jouer avec le tempo et faut savoir réaccélérer quand il faut. Ouais, clairement. Et longtemps la com, hein, ils disent on économise les roquettes pour le late game, hein, justement pour pouvoir sortir potentiellement les meilleures équipes de double roquette là-dessus, hein, sur l'équipe de Clément, je pense. Clément et Blacky, non, c'est Masta, c'est l'équipe de Masta au final. Et tout ce qu'ils voient, Airwax et Nikov faire des kills dans la barre des fils, ça doit les stresser. Ouais, c'est ça. Parce que le voit, hein, à ce niveau-là, ils voient ça, hein, ils sont vraiment en merde. Ah, ils sont super bien, hein, ils vont pouvoir extendre à droite, ils sont très proches de la zone. Et là, Airwax, regardez-moi ça, hein, on leur logran. C'est pas ça, position favorite. La preuve, il flex la game. Il remonte petit à petit pour justement recréer un tunnel propre juste au-dessus des constructions des zones. C'est parfait. Hein. Dites-vous qu'il y a toute l'équipe derrière qui suit. Hein. S'il fait ça, voilà. Oh, c'est giga propre. C'est pour tout le monde. L'extend de Airwax, si fluide. Ça a l'air facile. J'en connais un qui a bien fait son travail dans la piscine. D'un autre, c'est le son. Ouais, c'était peut-être un peu trop. Là, c'était peut-être la phase de trop. Mais Airwax en forme. Airwax en forme. Ah ouais, ils sont super bien. Et là, on voit l'équipe de Clément. Clément qui sont au tout début de la zone. Et c'est peut-être pour reprendre justement le high ground très bientôt. Allez, on voit l'équipe de Bad. Hein. Osto et Bad qui auront la top hauteur. Mais vont-ils pouvoir la garder? Est-ce qu'ils ont assez de roquettes? Oh, la roquette qui fait tomber toute une team latine. Et l'équipe de Masta qui va tomber le ground. C'est bien, ça leur fait perdre la hauteur justement. Et on va pouvoir abuser de ça. Vous avez ce plan large hein, grâce au mode up justement. Et on est passé sur l'équipe d'Airwax qui elle aussi joue vraiment cette première place. Avec 3 adversaires trouvés de place. Ah, regardez Airwax qui en tombe 2 mais qui va tomber juste derrière. Il a été peut-être trop gourmand là-dessus. Où sont les copains? Ça se fait décimer dans la squad justement. Et c'est les deux joueurs le stream qui restent debout. Ils sont encore là sauf que Airwax ça fait tellement de dégâts malheureusement. Il n'y avait peut-être pas assez de follow. Et il va tomber les deux joueurs Solari du duo qui tombe. Attention hein, Kinstar qui est seulement avec Robabs. Nate et Falcon ils sont déjà morts. Plus beaucoup de points plus côté Airwax. Il n'y a pas grand Kinstar chose en plus pour pouvoir temporiser. Les jeunes, voilà. Les jeunes jambes de Kinstar. C'est dur, attention, il y a la zone, heureusement il a le heal. Oh là, on voit les joueurs hein, qui maintenant ont des niveaux mécaniques insane. Et il stresse propre, hein. il extend côté gauche de la zone et ça c'est très bien joué pour éviter justement la plupart des joueurs. Il ne stresse pas, il est bouillant, mec. 200 structures encore, est-ce qu'il va être cher avec Robabs? Il est bouillant. Réagissez sur la chat God Cup, même si c'est forcément pour soutenir vos joueurs favoris. On place les meilleurs tweets en live et là on vit ça avec vous. Il reste plus que 8 squads, ça y est, tout le monde prendra des points à partir de maintenant.
C'est qu'une question de combien de points prendront-ils par équipe. Attention, ils sont contest. Et c'est malheureusement Sky, je crois, qui vient de tomber. J'ai vu Sky tout seul. Ouais, moi aussi, j'ai vu Sky tout seul. J'ai vu Sky tout seul. Robams qui joue le va et vient avec la zone. Allez, et qui accompagné vocalement par les copains. Tellement intelligent là le move de Robams qui justement. Vato qui réa Sky, et on a vu le move de Robams très malin. Il a dit la strat de Benji, donc poser l'escalier et poser le piège en dessous, c'est super malin sur une roulette, ça peut prendre un kill. C'est très très bien joué par le joueur, le dernier survivant de l'équipe de Kin. La roquette assez, attention les balles qui vont gratter Robams, il a 3 structures. Je crois que c'est toujours pas Sniper qui doit avoir la hauteur avec il est en galère, hein. avec la team. Ils étaient 9ème ouais. pour l'information, 9ème à 16 points l'équipe de Bad Sniper. Donc il y a beaucoup de points à rattraper, ça peut être leur game, je sais pas combien de kills ils ont réussi à récupérer déjà. Attention, mais vous voyez qu'ils sont en forme. Sky qui est très bien placé là pour pouvoir prendre un kill potentiellement sur Masta. Et Masta qui va prendre un kill justement sur un autre joueur. Attention, on va tomber. Oh ça tombe, Bateau qui est tombé aussi face à Clément. Blacky qui fait un double kill, Blacky sur Masta. Non justement, ça a été fini rapidement au sol. On laisse pas une seule seconde de répit. On récupère tout ce qu'il faut, maths, construction, potion, poisson, armes, balles, tout ce qu'on peut. Oh c'est bien joué ça, Black qui descend pas. Il veut récupérer, il veut empêcher Sky de jouer. Et Sky qui tombe en 5ème position. Top 5 pour cette squad là qui était actuellement 2ème au classement. C'est déjà des points validés. Le dernier survivant de sa squad. Il a plus deux, il a faut rentrer, il a pas le choix. Scrib malheureusement qui n'a plus beaucoup plus grand chose. 8 joueurs. Dernier poisson. Attends, il est encore 80 HP, c'est dommage. Blast, il a récupéré un kill là-dessus encore une fois. Normalement elle est à eux. Ça ils devrait... peuvent le faire. Ils sont en 3. Normalement contre 2 contre 1, donc 3v2 v1 vu qu'il reste 3 teams, 2 teams 3v2, c'est une info sur quoi que ça. Attention, ils sont plus que 2 malheureusement, il n'y a plus de shield aussi sur Arcane. 2v2 pas être facile, ça pioche ensemble. 2v2, ok, il est large en 70 de bulles, il est très très large là-dessus. Black, il veut peut-être partager. Black qui a les bonnes roquettes, oh bien joué ça, le bon timing. Black et Clément qui se font plaisir, Black et Clément qui sont très bien placés. Top 3 on rappelle pour l'instant la compétition, la roquette là-dessus qui va gratter encore une fois, c'est très bien joué. C'est leur moment, franchement ils sont fous. En qualif, ils ont été fous déjà. Ils l'ont remporté leur qualif et maintenant ils viennent en finale pour montrer que c'était pas juste un coup de chance. C'est bien joué ça, Clément. Ils assurent le truc, on veut les ils ont deux poissons, un bazooka. Oh, c'est bien, ça va être compliqué en face et ça va être récupéré. Et Clément et Blacky, encore une fois, si régulier, incroyable. À leur niveau de jeu. Mais oui, mec, à l'expérience. C'est vraiment des joueurs super réguliers, les games. Je suis totalement d'accord. Ils étaient average 3ème place. On les avait justement cités comme étant super réguliers en fin de placement. Et encore une fois, ils le font super sûr. On les a vus rotate au début de la zone et encore une fois ils vont jusqu'au bout. Ils sont si forts en late game et ils montrent que c'est pas du hasard. Pas, en tout cas pas eux, parce que eux on savait pas trop où les mettre. Est-ce qu'on les met dans les top tier 1, est-ce qu'on les met dans les outsiders mais challengers pour aller venir déranger. Et plein de kills en plus, hein. En fait ils ont juste ils ont le même niveau que les grosses équipes à niveau européen, parce qu'ils ont été tellement bons sur leur qualif déjà. On pouvait croire que c'était peut-être un coup de chance, mais leur jour, une réussite, voilà. Et là aujourd'hui non, ils prouvent que c'était juste leur travail, leur coordination, leur esprit d'équipe, leur talent individuel qui fait qu'ils arrivent à en être là aujourd'hui. Bravo à eux. Et 13 kills aussi, hein. Et ils étaient low ground. Donc en vrai, franchement, impressionnant. La reprise de hauteur à la fin, qui fait le travail. Ils avaient encore des roquettes, ils ont gardé leurs roquettes pour le late game. Et honnêtement, hyper solide, hein. Je crois qu'ils étaient en train de débrief. Moi je les full sur la PM. Intéressant. Intéressant, c'est bien, c'est leur là c'est leur moment quoi. Non, ça fait plaisir de voir que voilà, ils ont le sourire au lèvres forcément. Là c'est les soulages, parce que tu l'as dit, ils font quand même un bon tournoi de manière générale, hein. Ils sont dans le classement, là ils sont insane même, hein. En vrai ils sont monstrueux et ils sont peut-être dans le top. Là ils étaient dans le top 3, là ils sont peut-être, mais ils ont peut-être ils étaient 3ème à 38 points, à 7 points d'écart avec les 2e, donc ouais, moi je pense qu'ils ont sûrement gratté Sky Tevato qui avait je pense 5 kills. Ils ont fait 5ème place, ça fait 6 points je crois de mémoire, je suis pas sûr. 6 points, 5ème, donc 6 points plus à mon avis, 5 kills, ça fait 11 points, donc là ils ont fait 13 points plus 28 points, donc là ils sont clairement devant Sky. Je crois qu'ils sont même premiers, hein. On va voir, peut-être premiers, on vous l'a dit. Ouais, ma coupe, légaliser ma coupe, elle est partie en couille. Mais c'est normal, t'as vu la game aussi, mec. Les gars, j'étais à fond, hein. Je suis désolé les gars, on vit ça à fond avec Dwight. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment pour le cast. Mesdames et messieurs, avant la pause stratégique, on peut regarder le classement mis à jour. Et comme l'a dit Skyhart, c'est Clément, voilà. C'est l'équipe de Clément, de Blacky, de Stig et de Kizen qui passe en pole position. C'est incroyable. Si c'est eux qui remportent la Dwight Cup, c'est fou, mec. Ils ont 6 points d'avance, hein. Mais regardez-moi ce coude à coude, c'est incroyable. Ils sont vraiment à 2 doigts. Il y a aucune différence. Le top 3 est vraiment un peu. C'est commencé à se démarquer. Mais tu vois, on avait cité un petit peu les deux équipes top 2, top 3. Mais au final, Blacky et tout, qu'on avait cité quand même une très bonne équipe qu'on voyait dans le haut du classement, on les voyait pas forcément premiers. Et là, ils nous montrent qu'ils sont venus là pour
pour gagner. Ils cassent les pronostics et ils arrivent vraiment à se hisser très très haut. Et quand t'es au-dessus de ce genre de joueur, ça va faire parler. Mais maintenant, faut le rester. Il reste 3 games. Tout peut basculer. Je pense que jusqu'au top 7, donc tous ceux qui ont 30 points, on peut encore à peu près y croire. Ouais. En dessous des 30 points, il ne reste que 3 games. Ça va devenir difficile parce qu'en fait, t'es pas maître de ton destin. Tu vas dépendre aussi de ce que vont faire les autres. C'est compliqué. Alors que là, tu dis, si je réussis mes 3 games, en vrai, je remonte. Quoi. Mais du coup, on risque de voir des agressions de teams qui sont un peu au milieu de tableau, qui vont dire, ok, là, on sait que c'est une équipe favorite. On a envie de montrer qu'on a un level mécanique qui peut, pour aller chercher par exemple un mix Skin Star Nate. Mm-hmm. On va se mentir, hein, quand tu tues Keen, Nate, Falcon Lee et le quatrième joueur, bah t'es forcément plus content. Excusez-moi, j'ai zappé Robav, désolé. Mais t'es en mode waouh, tu sors les mecs de World Cup, tu vois. Donc ça te donne la confiance. Ouais, totalement. C'est un peu gratifiant, t'es en mode on l'a fait les gars, le 4v4. En plus, c'est pas évident. Je trouve que en solo, t'as plus de chances de sortir un top joueur qu'en 4v4 parce que il y a de moins en moins d'RNG quoi. Il y a moins de malentendus. C'est ça. Plus il y a de joueurs, plus c'est au travail que ça peut se faire en termes de différence. Donc effectivement. Donc bon bah au moins ils ont pris un peu d'adrénaline et de confiance avant la pause. Ça va les mettre bien parce que du coup là pendant la pause ils rigolent, ça va, t'es prêt, on se remet ou bien. Alors que de l'autre côté les autres sont en sueur en mode. Alors les gars, il y a que le premier qui prend le cash prize. Ouais, actuellement on est 6ème. Voilà ça, on est 6ème. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Alors que les autres sont en mode ça va, toi tu veux, je vais boire un petit coup, je reviens. Donc voilà, deux salles, deux ambiances. C'est ce qui se passe actuellement sur les vocales des équipes individuellement. Donc on y va, mesdames et messieurs. Allez, let's go les gars, c'est la quatrième game. Hashtag #BackUp. Je compte sur vous pour qu'on aille en première des tendances parce qu'actuellement on est toujours deuxième à quelques places. Si on passe premier, la grève s'arrête, je tout. Ouais. Putain, ça serait bien. Malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir. Et on est sur l'équipe justement qui elle est première du classement, hein, contrairement au #BackUp qui est second. Non, Clément et ses collègues sont devant. Maintenant, il va falloir assurer la première place. Jouer avec un petit coup de stress en plus parce que maintenant on va être l'équipe qui va être chassée forcément. On va les surveiller dans la barre des feeds et il y a déjà eu un kick. Un kill, pardon, c'est Snazy, toujours au même endroit, j'ai l'impression, face à Quick Dead. Ils s'arrêteront jamais. Hein. Et par contre, Airwax qui prend le kill sur Markov. Et bah tiens, allons-y directement. L'équipe de Hades, si tu vas te préciser. Ouais, l'équipe de Hades avec Markov, effectivement. Bah justement, ils ont cette stratégie d'aller un peu dans la pampasse séparée. Et Airwax, cette fois-ci, avec 20 HP restants, qui s'est fait peur. Oh ouais, là, il s'est fait peur, très peur même. Hein. Ok, donc je vois très bien où il a spawn. Spawn qui m'avait été conseillé par un viewer à la base. Et franchement, hyper intéressant ce spawn. Hein. Ok. J'ai demandé au viewer de me dire un peu les spawns. C'est quoi l'intérêt? Il y a quand même assez de coffres au centimètre carré. Il y a énormément de coffres, il y a énormément de shield, il y a vraiment plein de choses quoi. Et la rotation est assez facile. Sauf qu'on voit que ça a été contesté. Hein. Je pense que la top hauteur de la montagne là, qui est aussi le début potentiellement du spawn, qui a été contesté. Et encore une fois, à Retail, on a deux teams. On a Opi, par contre, Opi qui s'est fait décimer. Et encore une c'est fois, toujours la même qui Ketson fait laver, et Snazzy hein. qui se font avoir. Hein. Attends, X-Wiz qui tente un reste pendant que Opi temporise. Attention, lui, on est sur un électricien, frère. Et ça passe? Non, et ça va passer le double res ou le simple res? Viens, je te fais un truc direct pour la baraque. Hein. Mais y a un mec. Il a réussi à réagir, j'ai l'impression. Donc ça va revenir petit à petit. Il va falloir protéger un peu les. Ah ouais, donc Ketson n'a pas été res. Par contre, malheureusement, c'est un simple. Ouais, il y avait qu'une plaque. Tiens, je peux te passer ma PM. Il a l'air assez jeune, hein, peut-être un nouveau talent. C'est du coup, X-Wiz. Il a une voix. Ouais. Moi, je l'ai connu parce qu'il est très bon aussi en bull fight, etc. Mais oui, très très jeune, X-Wiz. Très très jeune. Mais surtout très très bon. Les joueurs rogue, ouais. Les joueurs regardent justement qui se font agresser. Hein. Ah bah fallait bien les retrouver quelque part hein, s'ils sont plus à Slurpy. Et d'ailleurs il y a une belle rafale. Oh, Swan qui s'est pris il s'est pris Bagdad là-dessus. Hein. Et pourtant il a pas arrêté de tirer, il était confiant. Oh, ça arrive derrière aussi, c'est compliqué. Oh bah là il est coincé hein, forcément avec en plus très peu de construction, très peu d'armes, 6 munitions restantes, c'est terminé sûrement pour le joueur qu'on avait à l'écran juste avant. Et c'est l'équipe Rock qui se fait plaisir maintenant avec Napo, avec Eda et Asko qui restent debout. Et Napo là-dessus qui prend sa vengeance. Qui avait le lance rocket? 4 kills là-dessus. Ils font ce qu'il faut. Les gars, c'est pas fini, on se calme. Ça a l'air. Il récupère une hogue là-dessus, mine de rien, c'est quand même pas mal. Par contre là, Opi qui se fait agresser, Opi qui est dans la tourmente. Hein. Opi très bon joueur aussi, mais il a plus de max. Oh là et sans max, ça va être très très dur. Attention, il tente de fuir et c'est intercepté. Non, il Squeezie qui se fait malheureusement détruire. Au sol. Opi qui a plus de structure, plus rien. Ça va être impossible, je pense. Non, c'est terminé. Il restera Opi avec quelques HP. C'est fini. Ça y est, ils sont tous les quatre tombés définitivement. Et encore une fois, ce spawn là qui ne leur réussit pas ce soir. Ça ne. Ah, ça n'aura pas marché. C'est pas grave. Au moins, ils ont eu la volonté de continuer. Mais c'est vrai que là, on sent qu'en face, ils sont plus coordonnés. Oui. Et c'est pas forcément ce qui est individuel, mais en tout cas, ils arrivent à être plus décisifs sur les agressions. Peut-être des 2v1 ou quoi qui se passe, et ouais, ça se passe le mal. Le premier à tomber l'eau, donc forcément, ça joue très très vite. Alors que là, on est arrivé voilà, du côté d'un combat entre l'équipe d'Oslo et celle de ma gueule. Ça peut vite basculer, hein. Justement, avec ce plan large, vous pouvez observer ce qui se passe. Je pense que ça va fuir.
Bah c'est ce qu'ils cherchent, ouais. Parce que eux ils sont dans la course, hein, l'équipe de Bad Sniper avec la dernière game. Ça les a fait remonter 4ème à 35 points, donc un peu de retard, mais c'est ultra faisable. Oula, la grenade qui est sur Oslo qui vient lui gratter tellement d'HP, il a failli mourir en vrai, hein. Il a eu super chaud, il a 0 matelas, hein. Il a 4 murs. Pas, les Z-Lake, hein. Il a 4 murs, c'est l'enfer, hein. Bad qui a 40 murs, on est vraiment pas bien, hein. Mine de rien, les Z-Lake, ça les a mis mal, hein. Après c'est une bonne ville, mais le problème c'est que si t'es contest, elle est moins intéressante forcément. Ouais, c'est clair. Et là ils ont pas beaucoup de shield en face alors que justement l'équipe de Maguel, ils sont plutôt bien. Ils sont full stack, hein. Ah, ouais. Oh, l'équipe de Maguel, à mon avis, ils vont avoir raison d'eux. Franchement, faudrait peut-être même fuir la salle d'un difficile. Ça va être impossible, hein. Là je suis très inquiet pour l'équipe de Oslo Bad. Ça va leur casser leur dynamique parce qu'ils étaient partis en pause avec cet espoir de revenir très fort. Ouais. Et là s'ils tombent direct, ça peut casser leur et d'ailleurs c'est Oslo qui vient de tomber directement. Bad qui va peut-être suivre très très rapidement. Bad qui se retrouve en 1v1 mais 1v1 avec un deuxième mec, donc c'est plutôt un 2v1. Maguel contre Bad qui va prendre le meilleur. Bad. Allez. Qui avait très peu de murs. Oh Bad par contre voilà, il a une aisance, hein, avec ce pompe automatique. Bad Sniper, hein, vous le savez, très en forme en ce moment. Le joueur Vitality qui est très jeune, il a même pas son bac, hein. Il passe son bac cette année, hein. Donc en tout cas il était en bac blanc récemment. Bad Sniper qui vient de prendre une balle dans le dos. Oh c'est propre, hein, c'est propre, hein. Ah bah ça c'était pas une balle à blanc, hein. Ça c'était pas une balle à blanc. Bad Sniper au sol. Ah, il a zéro. Et on l'avait pré-shot que cette équipe allait avoir du mal à sortir de cette situation. Ils sont beaucoup trop bien snuffés en face. Arcane qui va suivre aussi, il va rester au slow pour l'instant Ils ont réussi à le raise, hein, mais dans une tentative généreuse. Oslo qui veut re-raise Bad par dessus. Mais non, mais ça va pas être facile. Oh, le raise a passé, mais bon. Mais il ira pas. Ouais, ça semble compliqué quand même. Voilà. Hop. Et ça y est, c'est bon, ça retombe. C'est, et voilà. Une mort malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Logique. Après, ils étaient understuff par rapport aux adversaires. Aïe, aïe, aïe. Ils avaient clairement pas autant de stuff, je pense, que le mec en face. On les a vus, c'était quand même une situation compliquée. Forcément très heureux, hein, d'avoir remporté ce fight. Bah, ça les met en confiance. Hein. Attention, les types rogues contre les trainards. Les rogues contre les trainards. Je vois que 3 rogues. Est-ce qu'ils sont 4? Est-ce qu'il y a un joueur qui contourne ou bien est-ce que alors, c'est vraiment un 3v4 sur la maison? Mais tu comptais lui, hein, justement, dans tes 3? Ouais, je crois. Ouais, donc je sais pas. Alors le 4ème. Est-ce qu'on peut aller sur l'un des points de vue? Il y a peut-être un down aussi. À un moment, on avait vu un tomber. Les dégâts ont passé sur. Ils sont 4. Sur Yagzu? Ils sont 4. Tu vois 4 rogues? En tout cas, sur la. Ah non, c'est 4 trainards, excuse-moi. Ouais, ok. Mais pour moi, il y en avait un qui était tombé dans le fight précédent. Ouais, mais je pense qu'ils sont 3 rogues à mon avis. Et pourtant, ils ont pas peur. Ils acceptent le combat ou peut-être qu'ils ont pas eu le choix. Et ils se retrouvent maintenant à Frenzy Farm sur le terrain, hein, des trainards qu'ils ont gagné. Ouais, ils sont 3. Hein. Ils sont 3. Skyden qui est déjà mort. À la sueur de leur front, hein, on se rappelle des qualifications. Les trainards sont à l'aise ici à cet endroit. Erwa qui tente de choper des piques, hein, pour la Storm. Là, il reste encore 80 joueurs étonnamment. Oh la roquette là-dessus, hein, sur Asko. Non, il est loin quand même. C'est plus proche, ok. Ouais, je pense. Il a pas de lance-roquette. Parce que j'étais en mode, le mec lui a envoyé juste une balle de snipe. Oh, il a touché. Il vient gratter un peu de Storm, c'est bien, Erwa. Erwa qui veut juste gratter. Oui, la précision. La belle tête. La précision d'Airwax. Ouais, ça c'est la piscine, ça. Toujours. C'est le forceur. L'effet est là. Et voilà, on revient dans l'action. Il a plus de maths. Napo qui va mourir, il pourra rien faire, je pense. Il arrive. Oh ! Mais non ! Napo ? Mais non, attends, Alpha qui se fait tuer ! Napo sur un élan génie, il est. Ils vont le faire peut-être. C'est incroyable, Ida qui vient tomber, qui vient l'aider et le sauver. Asko qui a besoin d'aide, poussez-vous. Asko qui a la tourmente, il a besoin d'aide, il le colle, hein. Asko, voilà, c'est bien Asko, il s'est repositionné très très bien, Napo très loin aussi. Là, Napo, il y a des grenades. Littéralement plus rien, mais le petit play. C'est appel taf, ils ont zéro masse, hein, là ils vont dans le champ, c'est clair, là il y a plus de choix, sinon c'est la fin. En plus, il y a un feu de camp là qui fait plaisir derrière, en plus qu'on peut raviver maintenant. Mais il faut le temps, On joue ensemble. Mais. Il y a un feu de camp. Voilà, il y a un feu de camp, il a été call par Asko, c'est bien Asko ce qu'il fait. Voilà, c'est bien ça, il joue avec les nouvelles mécaniques justement et vous voir le. J'ai zéro build. Venez sur moi. Il faut mettre du bois dedans, faut mettre du bois là, faut pas réfléchir. Ou alors t'as des petits. Il veut tenter un sneaky grenade. C'est pas débile, hein. De quoi? T'as des petits morceaux de charbon qui peuvent permettre de raviver les flammes sans utiliser ton bois, mais personne ramasse ça. Ok. Il y en a un que j'ai mis à 1 HP. T'as combien d'or? Ah bah ouais, mais toi aussi t'étais à 1 HP, mon cher Napo. Ouais, j'avoue qu'il a eu chaud quand même. C'est toujours pour parler positif, ouais, mais toi aussi, gros. Raison. Mais j'avoue que très très bon sur son turn, Napo. Il a mis un 160, ouais. Et après, Ida qui l'a bien aidé parce que sans le backup de Ida, je pense qu'il aurait pas pu survivre en vrai. Il y avait trop de pression là. Il y en a deux de knock, il y a du stuff. Non, il y a du monde. Ok.
ils essayent de pas se précipiter, pas se jeter. Ouais, ils m'ont vu, ils m'ont vu. Je voyais pas, j'avais pas mon curseur, j'ai mis sans snipe. Ah, bah sans curseur, sans snipe, c'est propre. Meilleur caster à faire. Il a mis au singulier, mon cœur se brise. Il a écrit ça à la va-vite, il parlait de nous deux. Ouais, il savait, il maîtrisait pas la langue française. Je me rassurais. Ça fait plaisir, merci en tout cas, merci à tous vos retours. Je rappelle qu'on était 50 000 tous streams confondus à suivre la Dwight Cup, parce qu'on a rajouté ceux qui sont sur Solaris, ceux qui sont sur les streams individuels. Vous êtes plus de 50 000 à suivre cette Dwight Cup ce soir. On est toujours deuxième des tendances Twitter, donc c'est un vrai succès cette édition. Et c'est parti, et ça va continuer avec Napo qui fait le décompte et Dayasco qui vient de soutenir. Mais regardez la réponse sur Eda qui vient de prendre un laser aussi. Qu'est-ce qu'ils font là avec les bazookas? Attention, oh là, ça a failli mal se passer là, ouais, clairement. Il a plus de matin, en vrai, c'est la tourmente. Hein, il a 0 base toujours, Napo. Napo, s'il survit, c'est le dieu là. Ouais, elle est belle celle-là, elle est belle cette balle de pompe automatique. Napo qui laisse pas les copains tout seul. Eda qui est. Oh, le face-à-face brutal. Et il va rester justement que Asco. Ensemble. 1v2. Si je dis pas de bêtises. Scortec qui a été sorti, il est 1v2, est-ce qu'il peut le faire? Il y a Marta, il veut le raise, il veut le raise. C'est bien joué ça de sa part. Il va chercher un pic sur la fenêtre. Il va prendre les grenades. Ah mais là, non, il va le laisser raise. Il est en dessous de la... Il a 1040 au-dessus de la Storm Surge, gros. 1040. On est qu'à la deuxième zone. Tu casses à l'arrière, casse-toi à l'arrière. Ah, il y a une autre team. Allez, balance, réfléchis pas, balance, il y en a 5 en plus, balance. Je sais pas si, ouais. Là, il demande de réa, ouais, bah ouais. En vrai, là, il peut plus faire de kill, je pense, c'est mort. Donc il va profiter du fait que ça se fight. T'es sûr? Obligé de tempo dans la zone. Non, tire pas. Là, ils sont pas d'accord, hein. Mais ouais, j'avoue, là, c'est galère. En fait, de toute façon, là, si réa, je pense que les mecs meurent tous, non? Avec la zone, ouais, ça va être. Après, il a un kit, hein. Mais il a un kit pour deux, quoi. Tu peux pas. Ah ouais, en plus de ça, le bus est même pas prêt, c'est un enfer. Bon bah, courage, hein, Asco. Ouais, ça va être dur. Ah, dommage, Asco. J'ai essayé de te faire oublier, hein, justement conseillé par les collègues. Ouais, il cherche un pic, hein. Il cherche un pic sur un mec qui serait sans shield. Tu sors complet. Ah non, KZR, ok. L'équipe de KZR. Ça faille de partout. Il y a une grenade au sol, le Ward, qu'est-ce que tu fais? Elle a pas pété. Ok. Désamorcé, mec. Désamorcé. C'était juste un collier abandonné. La force de Ward. Justement. Le joueur belge. Ça doit être un bug du Moxpec, hein. Ne vous inquiétez pas, il arrive par derrière avec cette petite balle de chasseur. Qui va quand même mettre 42. Mais surtout qu'ils sont plusieurs, hein, agressés, toujours bien gérés, chacun son côté, attention à bien faire attention à derrière, parce que il y a toujours un petit filou qui peut en profiter comme vous pouvez le voir justement. Et là c'est bien coordonné. Moins deux. Ok, ça y va, on essaie de surchouper des pics qui sont hors zone, hein, ils le savent, il faut qu'ils accélèrent. La zone n'est pas très loin, fort heureusement. Sauf que là, ça coûte quand même beaucoup de maths. Hein. On a plus de 600 maths. Attention, il se fait surprendre la zone de Ward. Aïe, aïe, le dégage, il a fait tellement mal. Ah ouais. Faut vite remettre du shield, surtout qu'ils sont dans la zone. Donc, c'est pas le moment de jouer avec les points de vie. Ouais, la 25 qui meurt. Hein. Il a fait la main difficile là, pour essayer de prendre un pic, mais il pourra pas. Attention, la zone de Ward qui fait duel. C'est pour l'équipe qui fait ça. Et DRG qui prend le kill là-dessus. Noah par contre il n'a plus de point de vie toujours. Hein. Il a besoin de heal. Il y a aucun heal. Ah, personne n'a de heal blanc comme le call Noah. Noah qui va tomber. Est-ce qu'ils vont prendre le poisson? Il a des poissons. J'ai vu un mec qui avait des poissons. Il le prend. Sauvez Noah sur les côtes. Sauvez le salaire Noah. Noah qui va se faire raise. Attention, le misclick malheureusement. Il va se faire raise. Ok, KZR qui est dans la zone, sauf que. Ah, c'est calé. On dit qu'il va tomber aussi. On dit qu'il est mort 100%, sauf qu'il va pouvoir se faire rest, c'est fine. Il va pouvoir se faire soulever. Non, la stratégie là, regardez, chacun soutient le collègue. C'est Ruby, les gars. Il y a un poisson pour 4. Ouais, mais tranquille, les gars. À Koh Lanta, avec un poisson, ils survivent pendant 3 semaines. Donc je pense que c'est faisable. On peut y arriver, les gars, Tout est possible. Ils sont encore dans la course. Non, bien joué, le bon réflexe à quoi? Par contre, Noah qui s'est fait renock, je crois. Tu crois, Noah qui s'est fait renock en sortant de la zone? A priori. C'est possible. Oh là, attends, DRG va tomber, Noah va tomber, c'est terrible. C'est possible, effectivement. Et il faut agresser justement dans la zone par Ponasa et l'équipe de Hunter. Mais 4ZR, Et c'est Falcon League qui vient récupérer le kill. Donc il y a peut-être même deux teams. Attention à 4ZR, attention à la pépite, attention à 4ZR qui va essayer de prendre les choses en main, peut-être pour laisser encore un espoir à cette équipe d'aller chercher le top 1. Il a déjà repris la hauteur, c'est une bonne chose de fait, toujours dans la zone, mais lui il est pas stressé du tout. C'est l'équipe de Kinstar. Il a plus rien à perdre et il est face à l'équipe de Kinstar, donc ça c'est quand même un point très important à notifier. Et justement, l'équipe de Kinstar, elle rigole pas, dès qu'ils ont remarqué à qui ils avaient affaire, ils ont eu encore plus envie d'en finir parce qu'au classement ils peuvent être dangereux. Et voilà, comme l'a dit Skyard. Ils le font tellement bien.
Falcon Lee, Nate, Kinstar et Robab se font plaisir sur un 4ZR qui n'a plus rien pour se défendre. Et regardez la dose de poisson dans les stocks, hein. C'est pas la même chose, ça va très bien ici. EAS, leur pi, vraiment, ils font le stock de l'infini et ça les met tellement bien pour le late game. Et là, bien joué, le pic là-dessus sur l'équipe, mine de rien, et bien de DRG et tout, ça les met encore plus mal et ça va les empêcher de revenir. Donc là, c'est une très bonne nouvelle pour les top 3, oui, parce que ça fait un adversaire potentiellement moins pour eux. Tu le sors du classement, quoi. Là, ils sont pas morts, mais ça va être dur, quoi. Alors, petit point quand même pour le classement. L'équipe d'Airwax est debout, l'équipe de Kinstar aussi, l'équipe de Clément aussi. Donc actuellement, l'équipe top 1, top 2, top 3 sont encore dans la game et encore potentiellement 4, si je dis pas de bêtises. Apparemment, Red s'est fait des doses, en tout cas, on lui envoie un maximum de cœur. Ça, malheureusement, dans les règles, chacun est responsable de son matos, même si bah là, c'est pas sa faute. Mais en tout cas, un maximum de cœur pour Red. Et j'en profite à passer un message à tous les joueurs, prenez vos précautions. Il y a des choses qui existent pour justement se protéger de ça. Faut s'informer, mais ça peut arriver à tous les streamers, tous les joueurs. Donc prenez vos précautions, surtout vu le nombre de compétitions en ligne qu'il y a avec Fortnite. Et là, on voit l'équipe de Blacky, hein. Blacky Clément, qui sont Kizen et Stig, qui sont une des équipes favorites, qui sont actuellement premiers et peut-être l'équipe la plus régulière en late game, parce qu'on a vu quand même des énormes games des autres top 3. Oui. Eux, ils ont juste été réguliers, bons, quasiment, enfin bons toutes les games. Ouais, y a pas eu la game star, même si on fait 13 kills top 1, c'est insane. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont juste été bons tout le temps. Ah, c'est vrai, c'est ça qui fait la différence sur la finale de la Dota Cup, c'est la régularité. Et donc, je vous l'ai dit, hein, les trois équipes actuellement. Oh, c'est incroyable là-dessus! Clément, le sniper, il vient arracher la gueule de Rizou. Il trouve la Rizou qui s'est fait démolir, c'est terrible à ce qu'il vient de lui mettre. Il trouve le petit espace, le petit détail qui leur permet d'aller au corps à corps. Là, c'est plus un espace, là, c'est un énorme trou. Et ils vont y aller tout droit. Et le code rush, c'est terminé pour Rizou qui n'aura aucune chance. Ils vont le finir, ils vont récupérer des matchs et ça va les mettre bien. Kizen qui est très low. C'est peut-être leur soirée, mesdames et messieurs. Attention, on a plus de masse à côté. C'est dangereux, hein. C'est risqué quand même pour eux là. On les voit un peu low en termes de maths, low en termes de heal aussi. Je bulle. Bah, y'a Blacky qui a tout récup parce qu'il était proche des stuffs, mais les autres ont pas eu le temps de passer dessus encore. C'est clair. Y'a 100 et 250 de briques, Ok, je laisse la call, hein, justement, les maths. Là, il faut chier les maths. Ils ont pris un kill. Est-ce qu'ils peuvent finir la team qu'ils ont amoché? Parce qu'au final, il reste encore 3 joueurs potentiellement à pique. Je pense que c'est pas la priorité. Tout le monde doit se remettre à donf et préparer de la game, ce qui va arriver très tôt. Oh, la roquette, et ça va gratter justement. Ça gratte 100 dégâts sur le storm, c'est très bien joué parce que sur le storm. De la 7ème zone, il devrait rester 30 joueurs et il est possible qu'il y ait une storm. Là ils sont 50, ils sont godlike là, hein. ils doivent être 300 au-dessus de la zone, hein. Voire 500, hein. On va suivre ça avec eux parce qu'on vous l'a dit, pour l'instant ils sont en train de faire l'exploit ce soir en allant chercher potentiellement la victoire de cette Dota Cup. Qui aurait misé sur eux en début de soirée? C'est la question que je vous pose maintenant. Mais en tout cas, ils y sont dans la course avec deux autres équipes très attendues, certes, hein, celle de Kinstar, celle justement d'Airwax Nikov avec Vato et Sky. Donc attention, rien n'est joué ce soir, il reste des gros joueurs dans le haut du classement. Bah, ils avaient été premiers du premier qualifier, non? C'est pour ça. Donc techniquement les premiers du qualifier le plus dur, parce qu'en général ça lisse un alors peu. C'était Hunter, hein, premier qualifier. Oui, okay, c'était deuxième. Mais eux ont gagné leur deuxième qualifier. C'est pour ça que on aurait pu, tu vois, justement se dire ça va s'arrêter là, c'est bon. Mais non, en fait, même sur la finale ils sont au rendez-vous, c'est propre. Ah, par contre là ils grattent des roquettes, ils utilisent des roquettes. Est-ce que vraiment ils sont si larges? À voir, hein. On les écoute, hein, leur com est fluide, ouais, on l'a vu tout à l'heure, hein. Et interrompons nous, alors là on a Robams, ouais. Nate et Kinstar, c'est l'équipe qui doit focus. Est-ce qu'ils le savent? Non, parce que c'est possible, hein. Peut-être qu'ils tiennent la duel. Ouais, c'est vrai. En vrai, tu viens moins être malin, tu vois. Tu peux déduire, c'est vrai. Focus zone, alors qu'ils ont abandonné cette équipe qu'on a à l'écran, hein, donc Nate, Kinstar. Donc vous avez entendu l'équipe de Clément qui a dit on s'en fout d'eux, on s'occupe d'aller en zone et regardez la zone, mais elle est loin. Ils ont fait perdre des maths, hein, mine de rien. Ils sont à 750 maths chacun, donc ils ont quand même perdu la moitié de leur stack de maths. Ça peut les mettre dans la tournée et encore une fois, on va focus la zone et c'est ça la force, je trouve. C'est qu'à chaque fois, attends, dans les zones mobiles, ils sont toujours devant la zone mobile, prêts à reprendre le high ground. Qu'est-ce qu'il fait, Clément, là ? Un moment possible. Ah, ils vont aller chercher les fights, ils vont aller chercher les points, mais vraiment alors qu'ils auraient pu se mettre en sécurité. Oh, Clément, c'est incroyable. Sur un éclat de génie qui arrive sur Kinstar et qui vient lui montrer que pour aller chercher la victoire de la Dota Cup, il va falloir un petit peu plus ce soir en tout cas. Ils sont prêts à sortir l'équipe également, l'une des deux équipes favorites. Clément qui fait ça et qui creuse l'écart. Qu'est-ce que c'était osé? Ariane à l'over qui tombe, c'est Falcon Lee. Falcon Lee qui tombe, et là c'est le team top 2 qui vient de se faire détruire. C'est incroyable ce qu'ils viennent de faire, même nous on s'était pas à voir. C'est Steve qui vient de tuer Falcon Lee. En vrai, ils le savaient que c'était eux, je pense. Ils se sont dit, ok, les gars, si on les bute, on est trop bien. Et il reste Nate pour éviter qu'il aille gagner des points de placement, il faudrait le tomber aussi. Nate 1v9. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment insister sur un joueur alors que là il y a la zone et tout? Oh là, il tente, c'est risqué. Oh la vengeance de Nate. Je tiens. On n'est pas zone encore. Alors qu'en même temps, ils sont en train de se repositionner, hein, Clément. C'est eux qu'on entendait en vocal, ouais, Clément, tout seul.
Nate qui est solo. Et là, ils viennent de prendre un avantage conséquent à l'équipe là de Clément Blacky. Et là, vraiment, ce fight les met tellement bien. Là, après, maintenant, ils sont que deux, hein. Ouais, c'est clair. Ils ont perdu des joueurs. Eux aussi, ils pourraient se faire un peu surprendre, même s'ils ont pris beaucoup de points de kill. Ils ont pris des points, ils ont creusé l'écart par rapport à l'adversaire. Mais attention, parce qu'on a aussi l'équipe de Skype et ils sont encore 4. Passons justement sur l'équipe d'Airwax qui a la top hauteur. Ils sont en position pour. Ah, le problème, c'est que si ces deux équipes-là se défoncent trop tôt, et finalement, c'est eux les grands gagnants de cette opération. Les grands gagnants de l'opération, là, c'est évidemment. Eux, mesdames et messieurs, qui se font oublier et qui vont prendre des points en l'air. C'est pas game. Fini, attendez, on n'est pas à l'abri qu'ils se fassent sortir, mais là-dessus, là, évidemment, Skype, Vato, Airwax et Nikov qui va être super content. Ils sont top Nikov, enfin, le frérot avec qui ils j'ai ont fait pas dépensé de maths. Alors après, ils ont pas des gros stuff. Hein. Ouais, clairement. Vois, clairement, là, ils sont un peu en sueur, on va pas se mentir. Donc ils vont devoir quand même faire des kills. Nate qui est tombé face à Clément, voilà, pour la fin de l'histoire. Et Clément qui vient finir Nate. Ah ouais, donc et là, ouais. Vraiment, ils veulent vraiment leur laisser aucune chance. Bravo, hein. Bravo à l'équipe de Clément, une fois de plus. On se rappellera ça parce que je vous rappelle et je te rappelle en même temps Skyard qu'à la fin, on va devoir élire un MVP. Forcément, ça va être dans les équipes du top 1 au top 5, mais on va mettre plusieurs pseudos et ça sera à vous, le chat, de décider. Pour l'instant, le petit Clément, il se met bien s'ils arrivent à remporter la Dwight Cup, mais on n'y est pas encore. Clément qui va devoir tenir. Et encore une fois, hein, t'as vu là, ils sont au début de la zone, leur but c'est vraiment de d'être en premier. Les roquettes là-dessus, on flex le build. Là, l'ascenseur, il est long, hein. Faut juste être solide comme t'as dit pour la zone, hein. Le reste, on s'en fout. Et ils ont beaucoup de maths, hein, parce que mine de rien, ils ont fini net, qui avait sûrement le stuff de tous ses potes. Attention, là ça peut être compliqué, la montagne qui va être un peu galère à gérer. Il va devoir passer à gauche, est-ce que c'est contest? Non, ça va, c'est tranquille. On est encore une fois en première position, et encore une fois, il est au début de la zone, et ça c'est vraiment leur force. Un petit peu, hein, comme on a vu, les équipes américaines qui maîtrisaient vraiment ça mieux que les équipes européennes. Toujours collé. Toujours pousser la zone, ouais. Et ça avait été vraiment l'avantage des équipes américaines. Monte avec moi, monte. J'ai un HP, il faut que je monte. Il a un PV là-dessus, Blacky, hein, et comme il la colle, 500 battes encore une fois. Hein. Ça referme derrière, on va charger. Oh, la roquette là-dessus qui peut les mettre en pression. Et ça va tomber justement sur un Clément qui s'est plus donné de la tête devant, derrière, il a passé pas lui ce mur, c'est fini. C'est terminé pour Clément qui c'est finit fini. C'est mal payé ça. Pas de point placement pour l'équipe de Clément et de Killstar. Attention. C'est très très bien pour l'équipe de Nikov et Airwax. On passe sur eux, ils sont au top hauteur, ils sont en train de faire un massacre, ils ont des poissons entre les mains, des armes. Ils ont tout pour gagner oh, et ils ont non, le talent, ils ont l'expérience. Hein. C'est incroyable, tout leur réussit et c'est pour ça que c'est bien d'être en place avant les autres parce qu'ils ont pu se mettre en dehors des problèmes. Ils ont pris des risques et ça a payé, mais derrière ça n'a malheureusement pas suivi, pas jusqu'au bout. Et là c'est vraiment le mais. Là ils doivent être tellement contents, ouais. Mets-toi sur leur véhicule, bon, parce que là ils sont morts. C'est là vrai. On fait des points, les gars, là ils font top 1, 10 kills, ils vont avoir tellement prendre avance. Quand t'entends la barre des feeds, tu vois la barre des feeds défiler, on va voir ce qu'ils disent. Et surtout que là ils sont coordonnés, ils sont organisés. Là ils sont focus, hein. Là ça fait l'école, ça veut vraiment jouer au son. En fait là c'est un moment où tout le monde sait ce qu'il a à faire. Tu vois, ils ont déjà trop vu cette situation. C'est après qu'il va falloir réactiver la com. Mais là on est en vocal avec eux, donc dites-vous qu'ils parlent même pas, c'est automatique. Ils ont cette kill. Ils jouent même pas là, ils vont même pas descendre le grain, ils vont vraiment assurer le top 1, ils veulent pas jouer les kills, ils veulent choper des kills, mais ils veulent pas prendre le risque de mourir sur un malentendu. Ils ont raison. Là c'est le top 1 assuré ils avec 10 kills. Hein. Non. Voilà, et mort, c'est tout ce qu'on entend, mort, down. Spammer, c'est ce qu'il dit Nikov. Y'a plus de balles pour Airwax, mais c'est pas très grave. Allez, il en reste encore quelques-uns. Melty qui va se faire focus. Vato qui tombe, Hulk. Yoda qui tombe, vétéran, ça c'est ce qui se passe en bas. J'ai plus beaucoup de balles, hein, les pros. Airwax qui fait son rôle de leader en expliquant qu'il va avoir moins de balles, donc il va falloir aller travailler au pompe maintenant. Oh, et ça va descendre, il reste 6 joueurs, donc il reste que 2 adversaires. Sauf qu'il y a plus que 45 murs, 2v4, ça va être extrêmement difficile. Reste son côté justement, bien fait quand même quitter, et toute sa team parce qu'ils vont sûrement aller le chercher, ce top 1, mesdames et messieurs. Ça va être impossible pour eux et c'est une victoire sans conteste. Et c'est le top 1 Dicky annoncé. Et top au final, ça leur fait 25 points et ça va creuser énormément l'écart par rapport à Killstar et son équipe. Ils viennent de prendre la première place du classement. Assurément, ouais. À 2 games de la fin, ils viennent de faire le move le plus sympathique possible. Là, ça les met bien, mec. Hein. On va pas se mentir. Le fight de l'équipe de Clément, là, en vrai, ils ont eu un tapis rouge déroulé. Ils avaient la top hauteur, il n'y a pas de contest. Il n'y avait même pas de roquette en face. Ils ont pas pris le risque de jouer le grind pour choper 15 kills. Ils ont joué 10 kills. C'est ça, un late game de Dwight Cup. Voilà un late game de Dwight Cup, les amis. Vous voyez toute la construction et on écoute ce qu'ils disent. Mon sol, les sauter, mais. Oh, je full rollback et c'était horrible. Par contre, regardez ce que je mets dans le chat. Ah, ils savent qu'on les écoute peut-être et ils veulent éviter évidemment. Attention. Non, je crois qu'ils se parlent en chat perso pour s'envoyer des infos, tu vois. T'inquiète pas, t'as pas vu avec Batot ce qu'on a fait, frère. Ils ont été monstrueux, hein. Ils ont été insane et bravo à eux. Honnêtement, ils ont été très très forts. Et là, franchement, ça les met super bien. Parce que Clément ont quand même marqué des points parce qu'ils avaient quand même 4-5 kills. Ouais, peut-être même un peu plus. Okay. Et au final, mais 0 points de placement. Donc là, les 15 points de placement vont faire tellement creuser l'écart. Ils avaient genre peut-être 6 points d'avance, mais là, à mon avis. Bah, sur Airwax Nikov, ils avaient 7 points d'avance. Mais oui, totalement annihilé là par ce top 1 validé. Et en plus,
bonne difficulté, tu vois. Et ouais, là, on les sentait à la fin, c'était le déroulage. Ils se sont mis en place, ils ont observé ce qui se passait, et puis ils ont attendu en mode bon, bah. Battez-vous, hein, on prend les gagnants. Et à la fin, ils jouent les 2-3 squads restantes. Et encore, hein, il restait des morceaux de squad. Et voilà, ils s'accourent à 4. En vrai, la fin était ok. Je pense qu'à la fin, quand il restait 15 personnes ou 12 personnes, c'était compliqué. Ils étaient tellement bien placés. Ah, et ouais. Puis ils ont tellement d'expérience que là, pour retake le high ground, il aurait vraiment fallu que toutes les équipes en face aient des roquettes. Et ce. Et une coalition. Ouais, c'est ça. Donc en fait, bah non, c'est pas la vie. Tout le monde a tellement peur de tout le monde que dans tous les cas, tu vois un gars, tu le bourres. Il n'y a pas de. Oh, ils ont la hauteur, venez, on se met contre eux. Non. Et donc, du coup, ça fait les affaires, justement. Et comme a dit Skyhard, c'est l'expérience de ces joueurs-là qui a fait la différence sur cette game là. Mais attention, on a eu un retournement de situation, on peut totalement l'avoir dans le sens inverse, hein. On n'est pas à l'abri que game 5 qui se fasse laver eux et que justement l'équipe de Kiev, l'équipe de fini, Clément, hein. En profite. Mais c'est vrai qu'actuellement, je pense, ils vont prendre une vraie avance au classement et on va vous le montrer dans quelques instants justement. Et on a le classement. Allez. Allons voir le classement, je pense que c'est... Voilà. Ouais, bon, c'était prévisible. Ouais. Et Airwax, Senikov, Skyte et Vato qui prennent la tête de la tête du tournoi, 84 points, 14 points d'avance. C'est beaucoup. Sauf que c'est pas assuré, la victoire n'est pas du tout assurée. Non, parce qu'il reste deux games. Ouais. Ça, à une game de la fin, t'es yim. Et à deux games de la fin, c'est tout peut basculer. Hein. Surtout qu'en plus, en vrai de vrai, si on est sincère, je pense que les deux dernières games vont être vraiment what the fuck. Ah oui, de ouf. Et je pense que... Voilà, je pense que les free points vont arriver et je pense qu'il y aura des codes rush qui vont être vraiment insane, donc à voir ce qui va se passer. Et ben voilà, le classement est mis en place très rapidement. On va rentrer dans la game suivante, hein. Vous le savez, le rythme est fou déjà pour que les joueurs restent dans l'intensité, pour que nous aussi, hein, on n'ait pas le temps de redescendre. Et avec Skyhard, pour l'instant, on vit des games de ouf, donc sur ça, on est très satisfait. On espère que ça va continuer comme ça jusqu'au bout, même si on vient de le dire, hein, les deux dernières games sont souvent différentes du reste, surtout ce soir où le top 8 n'est pas visé. C'est que la première, deuxième et troisième place pour l'honneur. Première place, en plus, tu débloques le cash prize, mais le top 3, t'es en mode ok, je suis deuxième ou troisième meilleure équipe de France, c'est déjà quelque chose et tu pourras quand même bien dormir ce soir. Très content de voir que ça vous plaît, vous êtes très nombreux à suivre ça avec nous et on enchaîne avec la game 5 justement qui vient de se mettre à jour juste en dessous. On vous remet les points justement de format juste au-dessus, que vous compreniez, hein, ce qui se passe. Il reste deux games, on est sur l'équipe qui pour l'instant a quasiment ce trophée entre les mains, mais pas encore Skyhard, on est d'accord. Ah bah là, en vrai 14 points c'est beaucoup et en même temps c'est pas beaucoup quoi. Si jamais ils se font sortir et qu'il y a des équipes qui sont juste en dessous qui font un placement, bah c'est terminé. Un peu comme là, ce qui vient de se passer quoi. On va surveiller l'équipe de 1 à 6. Ah, il est plus content ici Airwax, parce que justement il va juste là où le viewer m'avait dit et j'étais d'accord avec lui, c'était un très bon spot mais du coup mec il l'aurait mis. Ah bah il y a quand même Maxa qui s'est pris deux rafales de Maxa, en vrai s'il avait eu double AR, ça aurait pu être dangereux, hein. Très précis, il a changé en eux, hein. Très précis, ça démarre un peu le petit fight à Dirty. Ok, donc ça va leur... Oh, ça aurait été incroyable, hein, avec justement la tyrolienne, pas de dégâts de chute, hein, ne stressez pas. C'est pas le bon jour pour que ça arrive. Ouais, ouf, même quoi. Moi j'étais un peu en mode non. Il y a eu des kills déjà qui ont été amorcés, mais tranquillement là les joueurs vont récupérer leur zone. Après, je sais pas si dans cette zone là ils ont vraiment beaucoup de. J'ai l'impression que dans cette zone là ils vont pas avoir énormément de doute. Donc ça a l'air d'être un peu. C'est partagé. Un peu quoi. La guerre. Ouais, quoi. C'est ça, hein, t'as 2-3 armes et tu vas jouer avec ça. Donc soit tu dois très vite déclencher un fight pour justement ramasser sur les adversaires, soit malheureusement tu vas devoir aller au bout avec. Hein. Donc très compliqué. Alors par contre, côté Killstar, on se régale, hein, on a Slurpee pour eux tout seuls. Et regardez, ils ont très très vite sorti, hein. Ils ont même pas eu le temps de monter les shields à fond, à quoi que. Ok, ils ont dû prendre une énorme bonbonne dehors. Ah oui, la bonbonne à fond. Et du coup, ils sont tous mis et c'est parti. Dis-moi. Un frérot sur Jack qui. Un vieux sympa qui me dit même sans chemise, j'aurais la classe quand même. Pas même ce truc là. Sans la veste. Oh, mais bien sûr, mec, t'as tout le temps la classe. Vraiment, j'ai senti. J'ai sorti mon meilleur costard. Hein. J'ai vu. C'est mon meilleur mesure, costard. Merci. Ouais, même au mariage, il le met pas. Hein. Ah, bah, je l'ai acheté pour une grande occasion. Ouais. Donc, ça me fait plaisir. Il donc, a fait l'effort ce soir. C'est ça. On a tout donné. Là, mine de rien, à retail, cette fois, pas de fight. On Ketzone et tout. Ah si, ils sont encore là. Ils lâchent rien, vraiment. C'est incroyable. Bah, de toute façon, maintenant, Ketzone, etc. Foutu pour foutu. Ouais, j'avoue, là. Autant travailler, vas-y. Spawn, nique sa mère. Autant all-in parce que bon, c'est chiant. Là, je pense qu'ils veulent se venger, hein. Opi, Ketzone et ses mates qui n'ont pas réussi à gagner la majorité des combats. Je pense qu'ils ont fait pas. Après, le problème, c'est que s'ils continuent à se prendre des petites claques au cul, ça va. Pour le moral, ça va être dur quand même. Voilà, c'est ça. Donc, ça peut aussi se retourner contre eux en mode si tu te prends 6 manches à te faire laver à ton propre spawn, la prochaine phase d'entraînement, elle sera pas pareille. Hein. Ouais, bah, en plus, ça va être dur côté joueur à la fin de la journée. Regardez comme il est malin. Heureusement, il a pas de sniper. Oh, il est smart. Oh, il a heureusement, il a pas de sniper.
Hein. Hopi qui peut se faire surprendre. Ah, mais oui. Oh non, il a sauté. Oh, l'erreur. Mais après, vous pouvez pas savoir. Nous, on voit Hopi aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Nous, on voit à travers, mais c'est plus facile. Hein. C'est ça. Mais du coup, lui, il essaie de se dire voilà, mais il va passer derrière là. Ouais, c'est juste pas encore. Ouais. Quand ses mates vont lui dire oh, ils avancent, ils nous push. Alors attention à pas aller trop tard non plus, parce que le but de ce positionnement, c'est quand même d'être utile. Je crois que ça a déjà commencé les hostilités. Oh là là, il y a déjà un knock. Et oui, ils l'ont pas attendu. Hein. Il arrive un petit peu tard, malheureusement. On est passé de l'autre côté de l'action. Ça commence déjà très très mal, malheureusement. C'est qui est mort? C'est Snazy. Snazy qui est déjà mort. Snazy qui avait été justement le joueur qui avait fait le move incroyable contre Hunter sur la première qualification, pour rappel. Et là, malheureusement, ils se font laver en finale. C'est différent, mais il y a tellement de gens au sol, mais c'est toute la même équipe. Hein. Ouais, ça se passe mal. Bon, ça se passe mal. J'ai pas envie de les mettre au fond. C'était pas leur tournoi, ça arrive c'est en ça. Vrai. Après, ils vont pouvoir débriefer, je pense, ils vont pouvoir trouver quelles ont été leurs erreurs, etc. Et tu observes les rediffs, tu vois, et voilà, forcément. C'est eux, aussi à notre rôle aussi de pas mettre les mecs au fond. Déjà, les mecs, ils sont ouais. Déjà mentalement un peu, je pense, pas ouf. Et là, on rapiture en mode oh là là. Non, mais surtout qu'il faut rappeler que bah ouais, mec, déjà, se qualifier pour la finale, c'est quelque chose. Le niveau est extrêmement élevé, les joueurs sont. Là, on est sur les meilleures équipes francophones. Ouais. Donc c'est les 100 potentiellement 100 parmi les 150 meilleurs joueurs francophones. Exactement. C'est insane. Donc, ils sont dans ce classement là. Donc déjà ça sera une belle chose, et comme tu l'as dit, quand c'est pas ton jour, bah c'est pas ton jour. Et peut-être qu'ils ont pas aussi en squad, je pense la coordination compte énormément. Et peut-être qu'ils ont pas encore bossé ça, peut-être le talent individuel suffit pas forcément. Donc à voir du coup. Oui, c'est pas la team, enfin n'est pas la team de Clément qui veut quoi. C'est oui, du coup tu vois 4 pseudos qui individuellement te font plaisir, mais c'est pas dit qu'ensemble ça va aussi matcher que d'autres équipes comme celle de Clément, où on s'attendait pas à une préparation aussi intense, aussi propre. Bon, on écoute un petit peu ce qui se passait côté Airwax, ils vont se repositionner alors que là la grenade. Oh là 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 là, c'est très bien joué par. Il a été incroyable. Eda. Il est vraiment fort, Eda. 4 kills déjà. 4 kills pour ce joueur. Sur les différents games qu'on a vu, Eda était souvent le joueur le plus incisif, en tout cas l'un des plus incisifs de l'équipe des Rogues. Bah alors la semaine dernière, c'était Skyden. Si, mais Napo était en mode Skyden et Eda avait été monstrueux, mais même Asko. Non, en vrai, toute cette équipe des Rogues. Ah non, mais de toute façon, c'est tous des bons joueurs. Hein. C'est pas méchant ce que je vais dire, hein, mais je pense que même Napo le dira. C'est un peu lui l'élément, on va dire, le plus faible, mais forcément, il apporte beaucoup de choses en termes d'expérience, en termes de vocal. Donc du coup, ça, malheureusement, ça a une influence sur ses actions individuelles. Mais je pense que c'est 4 Napo, il dira. Ah, ok, je vais laisser la place. Un leader, quoi. Oh ouais, je pense qu'il va à un moment laisser la place et passer peut-être en coach. Et je trouve que ces trois joueurs-là, en tout cas, ils se sont bien trouvés. Et Napo qui a montré le projet, donc c'est incroyable ce qu'il a réussi quand même à produire. Maintenant, on verra. Et là, Magal qui va malheureusement tomber, Plax qui va essayer de push. Avec ses collègues, ça va récupérer le mur. Non, il est sous l'escalier. Mais bon, c'est fine. Hein. Là, si survit, il est vraiment chaud parce que là, il se fait agresser par toute la team. Ouais, il va tomber. Bon, là, c'était impossible hein, pour lui, je pense, de survivre là. Ça fait plaisir de voir quand même qu'eux, ils sont à fond alors qu'ils ont eu une très mauvaise game précédente. Ouais, c'était terrible pour eux la game précédente, mais ça arrive. Deux games à 25 points et c'est gagné. Donc, ça paraît faisable, mais ça paraît quand même c'est pas très compliqué. Ouais, c'est pas mais deux games à 25 points et ils peuvent gagner la Dog Cup. Donc, on y croit avec cette équipe de Bad Sniper qui sont actuellement, parce qu'en fait, dans le classement, ils sont hauts parce qu'ils sont 6e. Mais il y a un écart avec le top 3 hein, quand même. Hein. Ouais. Dites-vous qu'ils sont 6e à 36 points, mais que le 3e à 61 points. Donc, déjà. Donc... Ils ont une game d'avance, quoi. C'est triste. Ouais, mais voilà. faut vraiment un choke. En fait, pour remonter dans ce genre de game, je pense qu'il faut que les top 3 teams soit se fassent all-in, soit face à une erreur quoi. Mais s'ils jouent très safe et qu'ils font peu d'erreurs, c'est difficile. Allez, on va encore avoir de l'action, hein. Alors que ça fait quelques prières sur le hashtag Black Cup, profitez-en, on espère que la compétition s'ouvrira peut-être au monde entier. Bah je l'ai dit, de toute façon tant qu'on n'aura pas fait le délire en physique, je laisserai ça toujours pour les francophones. Et dès qu'on sera fait notre gros event physique IRL à nous, peut-être l'ouvrir au moins déjà à l'Europe. Après pour aller chercher les Américains, on en est loin. Hein. Mais merci pour la force. Au positionnement stratégique. Force, comme tu aimes bien. Ouais, dire. Bah oui, c'est ça, mais c'est fou en ce moment. Les gens sont trop derrière les projets. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je vous rappelle, en passant, demain, donc mercredi 19h, Holidwag, ça va être une soirée spéciale avec plein de cadeaux à vous donner. Ce sera mon dernier gros live avant les fêtes de Noël. Et donc je vais vous régaler. Alors que là, voilà qui nous régale avec cette roquette. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est Hulk qui l'a subi pleine bouche. Xewer déjà au sol avec tous ses mates. Et Hulk qui va être le dernier survivant qu'on a quand même enfermé, hein, mais qui n'ira pas plus loin, malheureusement. Xewer en difficulté, ils ont été bons sur les qualifs. Mais là compliqué ça pour cette finale. Bien, ouais, la team de Hatz qui a tué Xewer. Et moi, demain, on va être débrief de Game Pass Challenge. Du coup, parce que j'étais avec toi ce soir, je pouvais pas le faire. Ok. Mais ouais, c'était un bon moment.
T'as kiffé? Ouais, c'était vraiment cool. Tout était incroyable. Il y avait plein de trucs géniaux. Il y a deux, trois petits couacs, mais c'est mineur. Et, C'est vrai que j'ai un vainqueur de LAN à côté de moi. Donc, il sait ce qu'il faut faire pour aller. Tu vois, c'est dur de faire un top 3, entre guillemets, ça paraît accessible. Mais faire top 1 d'une LAN ou d'un event ou d'un tournoi, c'est... il faut quelque chose. Tu vois, il faut une certaine magie avec, avec la journée. Ah, il faut de la réussite aussi. Ouais, hein. Il faut beaucoup de réussite. Et donc, tu sais à quel point c'est compliqué. Et donc là, il y a peut-être une équipe qui est en train de s'y diriger. C'est pas celle que vous avez à l'écran. Celle-là, c'est peut-être l'un des plus gros challengers. Mais c'est celle de Airwax qui pour l'instant très bien en tête, mais attention à Kinstar hein, qui avec son mix, je rappelle, voilà, hein, je pense qu'ils doivent être en colère hein. Bah, par rapport à la game d'avant, ils doivent être un peu déçus forcément, ouais. Parce que se faire all-in c'est toujours un petit peu rageant, ouais. Et en général les joueurs aiment pas trop se faire all-in, c'est souvent après stratégiquement par Clément c'était ultra risqué. Désolé, quand t'arrives game 4 faut s'y attendre, ouais, ça game 1 game 2 pourquoi pas, game 4 game 5 game 6 faut s'y attendre, ouais, en fait le focus c'est et le pouling va augmenter, il y a beaucoup plus de chances d'arriver quoi. Là typiquement l'équipe de Airwax, ils savent que c'est les targets là hein. Ils savent que là typiquement faut faire attention, pas se prendre ultra tenait. Bon là ils sont safe hein, je pense à Fasnade il peut pas arriver, mais pas se prendre un full bully parce que en vrai c'est probable quoi, donc à voir. Qu'est-ce qu'ils se disent, tiens, bon c'est au moins un peu calme. Regardez Pépé. Tu vois, il n'y a pas un seul moment de où on sort de la game hein, ils sont très concentrés. Ça me fait plaisir de les voir comme ça parce que des fois ils se dissipent un peu forcément, après on est avec des califs, donc les califs c'est toujours différent, tu rentres top 8 et après tranquille tu relâches. Ah là ça relâche pas hein. L'équipe de Skite qui essaye de donner le maximum et qui pour l'instant encore une fois juste par leur positionnement, leur vision de jeu, et à mon avis le shot call de Airwax. Hein, vous me confirmerez le chat, bah ils arrivent déjà à chaque fois à se hisser dans les late games et derrière à faire le travail pour marquer cette finale de la Dot Cup. Je pense même qu'ils sont peut-être en place pour aller taper un record de points, mec. Parce que je sais même pas si on a dépassé les 100 points en Dot Cup sur les qualifs. Et là, ils ont déjà 84 points, il reste 2 games. Donc en plus, ils vont peut-être battre des records de points. Là, ça va être violent. Après, c'est presque logique parce que là, du coup, ça va très hard à fond. Là, tu es dans le top 3, tu joues vraiment ta vie, tu vois. Alors que je pense que quand t'es déjà top 1, il reste 2 games, t'es en mode bon, je faut passer 8ème, voilà, faut vraiment le faire, tu vois. T'es en mode bon, chill, les gars, on s'amuse, on code rush des mecs, tu vois. Alors je sais que sur entry, il y avait des 101 points, là on me dit peut-être que l'équipe de Hunter qui avait fait genre 111, personne. Donc déjà s'ils dépassent les 100 points, c'est qu'ils ont montré qu'ils étaient vraiment au-dessus. Parce que faire 100 points en finale, c'est pas 100 points en qualif. C'est pas pareil. Oh là 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 là, la Stratnet qui a malheureusement démoli les. Oh là là, c'est terrible. Hein. Malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue. Ça dépend du point de vue, mais c'est vrai que c'est fort. Hein. Et en plus, il y a du bazooka derrière, on laisse aucune chance. Il est solo en plus. Ils avaient l'air que deux, je crois, si j'avais dit. Oh, mais ils avaient un snipe. Attention, hein, les balles sur le côté et pour réflexe. Oh là là là, il prend si cher. Il a. Tu vois, il économise ses poissons, tu vois. Il a deux HP, il fait non, les gars, je lâche pas mes poissons, c'est mort. Et il a raison, et c'est Benji hein, qui vient de tomber. Benji 2K qui était face à trois autres joueurs, mais voilà, quand même su. Et c'est au tour maintenant de Airwax Nikov de faire une strat lane. Et ça, c'est pour gratter hein, sur l'équipe de mise. Et ça, c'est pour gratter de la somme sur. Ils ont raison. Ça a touché. Ça a touché, ouais, ça a touché. Après, là, en vrai, il y a beaucoup de mecs qui sont morts. Il y a 64 joueurs, alors que en général, là, il reste plutôt dans les 75. Donc, mine de rien, ça s'est quand même beaucoup lavé. Mais c'est normal, on arrive à la 5ème gueule, ça va se laver à fond, à mon avis. Et c'est pour ça qu'il faut toujours mettre des balles. Il faut être dans le rythme de la somme sur, c'est elle qui va décider. Et voilà, des belles têtes d'Airwax. Mais par contre, faut faire gaffe de pas se faire all-in quoi. Parce que même mon avis, les games, oh là là, les tu penses pas que ça va se calmer un moment? Si, je pense que la Storm à 30 va se calmer, voilà. Mais à mon avis, la 50, je pense qu'elle devrait pas arriver. Je pense. À mon avis, il y aura 50 mecs dans une demi-zone. Hein. Il y en a plein qui vont mourir, à mon avis. Andilex, hein, le tracking hein, qui a quand même fait vraiment mal à la Hog. Hein. Oui, toujours très très bon. Et Airwax aussi qui nous montre un peu son talent de shooter. Non, voilà, la colonisation de l'eau hein, par l'équipe de Nonoward et Andilex, KZR et TRG. Pour l'instant, ils sont combien bro? Enfin, top 6, 6ème, hein, ouais, 5ème, pas... mais ah, c'est compliqué. Avec un bon 25 points de retard sur le podium, pourquoi pas hein. On peut y croire, hein, mais il faut sortir des grosses games. Là, il faut quand même 50 points pour aller premier, c'est dur. Et que les autres surtout n'en marquent pas quoi. Ouais. Il y a ça aussi qui est dur. Ouais, hein. Y a ça aussi qui est pas facile. Ouais. Allez, Vato, justement, j'ai entendu Vato tout à l'heure dire aux autres calmez-vous. Donc c'est très rare d'entendre Vato en chef d'orchestre pour ramener un peu les gens au. Ouais, bah, là, je pense qu'il a bien compris qu'en fait, là, le risque ne paiera pas. Et je pense que là, ce qu'il faut, c'est assurer un top 4 déjà. Au moins top 4. Top 4, c'est 9 points, c'est énorme. Et une fois qu'on est top 4, là, peut-être chercher des kills. Parce que les équipes du haut du classement sont tous à 0 kill quasiment. Bah oui, normal. Mais là je pense que là prendre un fight, c'est trop risqué. Tu perds deux mecs. Ouais, je comprends. Bah, comme l'équipe de Clément au final, ils ont perdu deux mecs et ça les a mis mal. Genre, oui, t'élimines une équipe, mais derrière, tu t'élimines toi avec aussi. Ouais, c'est ça. Tu trades quoi. Donc, c'est trop risqué, je pense. Même si, effectivement, je pense qu'ils ont des grandes chances de gagner. Si ça se passe mal, c'est terrible quoi. Ouais, sur la stratégie, justement, sur DRG. Heureusement, pas de dégâts de grenade, mais c'était quand même la pression. Le bon réflexe, il vient de mettre l'escalier à l'envers, très bien joué, le bon réflexe Andilex qui check bien. C'est ça spécial hein. Restrate encore apparemment. Ils l'ont vu, ça a été anticipé par Noir.
C'est. Clément, apparemment Clément a fini. J'ai pas regardé la fille, j'ai pas vu. Ouais, j'ai vu ça qui réclamait qu'on aille un peu sur Clément justement parce qu'il y avait peut-être un fight face à l'équipe de Nade. Alors après, on sait pas si c'était voilà, c'était une balle de snipe comme ça un peu à la volée, mais ça reste quand même une performance. Vous avez vu qu'il a pas le kill validé. Non, il est, donc ça a été réanimé. C'est un knock, ouais, mais c'est quand même très bien. Bah, encore une fois, Clément qui met tout sur l'équipe de Kisa. On fire. Pierre, on l'envoie tout de suite. Nade Rocket, j'ai entendu. Attends, revenons sur Clément, s'il vous plaît. Parce que je crois qu'ils veulent peut-être faire une strat Nate avant, ça justement. C'est peut-être pas eux, je crois qu'il y avait une autre team qui jouait. Tu vois, ils cherchent des teams spécifiques, t'as vu ou pas? Ouais. C'était peut-être pas eux, c'est sûrement une autre team. Donc tu vois, quand il a tombé Nate, Clément, en soi, il prend une information importante. Il arrive à dire l'équipe là-bas, c'est l'équipe de Killstar. Mais là, c'est sûr que de toute façon, il y a que 3 teams qui peuvent les battre en vrai. Donc il est logique qu'ils veulent focus. Nate qui a pu se remettre du shield, mais qui a pas pu remonter sa barre de points de vie. On voit justement aussi Falcon Lee très low life dans l'équipe. Ça risque d'être compliqué quand même pour l'équipe de Killstar actuellement s'ils n'arrivent pas à remonter un peu tout ça avant les moving zones. Et l'équipe de Kazedar qui font 3 kills. C'est Falcon Lee, on a vu Falcon Lee un petit peu. Oh, ils sont en galère. Hein. Oh, ils sont en galère. C'est compliqué hein, pour l'équipe de Nate et de Falcon Lee. DRG qui a tombé orc. Antilex qui finit orc aussi. C'est propre. On repasse sur eux justement. Est-ce qu'ils vont aller au bout de cette squad ou est-ce que c'était juste un petit kill comme ça perdu? Non, ils veulent en finir. Hein. C'est Podasai, je crois, non? On va aller chercher des points. Ouais, c'est Podasai, donc Teamwake de Hunter. Et Podasai qui va tomber, je crois. Et c'est Squall qui va d'abord tomber en premier. Mais Podasai peut suivre très très rapidement. Attention qui veut Killstar, attention à l'équipe de Killstar qui est en train de perdre sûrement la possibilité de gagner cette cup sur cette action. Oh non, Airwax il tombe, c'est terrible. Est-ce qu'on va passer sur l'équipe de Airwax? Pour l'instant, c'est vrai, c'est l'équipe en tête. Et c'est Alpha qui lui met une balle. Est-ce que c'est une balle de sniper? Non, il est fini, il est mort au sol. Aïe aïe aïe. Ça c'est terrible hein, pour l'équipe de Kin et de Sky, de Vato et ah bah là, de Nikov. Y a pas de bus ou je sais pas quoi hein. Je sais pas si c'est pas une balle de snipe mais c'est bizarre qu'il s'est fait knock, il s'est fait finir, tu vois. Pour se faire finir comme ça sur peut-être une balle des grenades, de snipe. Tu vois. Je sais pas. Ouais, sûrement des explos. Parce que je vois pas. Ou alors un. Bah, c'est pas facile en tout cas. Ils ont largement le niveau pour pouvoir être super réactifs. Et c'est Nate qui vient de finir Podasai. Nate qui se met bien là-dessus. Ça fait un point supplémentaire. Ah, c'est dommage. On n'arrive jamais à être au bon endroit là. À chaque fois, il y a les kills de l'autre côté. C'est jamais facile en même temps. D'anticiper. Il y a des Killstar qui finalement est toujours avec son équipe. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, je les avais vus en difficulté. Mais ça va pas si mal hein, en fait. Juste qu'ils sont pas forcément très bien en shield pour le moment. Mais non, au moins ils sont 4. Ok, autant pour moi. Je sais pas s'ils sont bien en termes de stuff par contre. Hein. Ah, ça c'est autre chose. Et là on voit toujours Clément, tout ça, 500 au-dessus de la Storm. Ils sont super bien. Et là justement, voilà le 50 qui ne va pas tick. Mais par contre le 30. Ouais. À mon avis, là la game va vraiment se calmer et ouais. Qui va prendre la Storm quoi? Enfin, qui va essayer de ne pas prendre la Storm? Pour l'instant, voilà, il va juste falloir un petit kill. Ils sont tellement bien, ils sont vraiment bien placés, ils ont une top hauteur. En termes de maths, ils ont l'air vraiment ok. Un petit kill supplémentaire pour justement la faire disparaître. Voilà, ils ont vu hein, à gauche c'est Kin, tout ça, ils le savent. Oh, l'équipe de Skill en reste en tout cas. Ça avait tenté de setup une strat nade. Ils sont pas allés au bout. Charge des pics à côté de l'équipe de Kin. Vous voyez, Antilex se faire allumer là, juste en face, sous les yeux de Nate qui observe passivement ce spectacle. Et c'est Seth hein, qui vient de prendre le kill. Là, regardez-moi ça. Nate qui ont bien compris, hein, comme on a dit en haut, c'était Clément. Regardez, c'est qui tout là-haut? Encore une fois, Nikov, Sky, Bato, les mêmes pseudos à chaque fois. Et on se demande, mais comment ils font pour tout gagner? Bah regardez, c'est très simple. Si vous suivez la Dwight Cup, vous avez tout. Vous avez les plans qui vous permettent de comprendre ce qu'ils font en early, mid, late game. Vous avez le vocal pour essayer de comprendre aussi comment ils set up leur stratégie. Et écoutez, ça hurle de joie. Ouais, par à droite, c'est pas mal. Hein. Ça hurle de joie sur leur vocal. Ils sont en place. Maintenant, en tout cas. Tu veux, on y va? Pas, allez maintenant. Avant qu'est-ce qu'ils font? Alors là, ça va être intéressant. Parce que là, ils savent qu'ils sont pas le droit à l'erreur. Attention, les balles qui va gratter des HP sur. Sur Nikov, non ça va, il va s'en sortir, il va pas prendre une seule balle. Plutôt de la réussite, mais tant mieux. Faut forcer. On part au ground, on va dans l'eau. Ouais, ils ont pas le choix là. Ouais, il faut aller vite. Attention, ça fait que le mise des maths. Hein. Attention, ils peuvent prendre des balles là. Ouais, et justement, Bateau, je crois qu'il a pris des balles, il me semble. Skyd aussi. Airwax aussi. Airwax, c'est pas Nikov, excuse-moi. Rien de dramatique, pour l'instant, ils sont. Tout va bien. Bateau qui va revenir sur la position, voilà, on va consolider, renforcer un petit peu, remettre les barres à 150 au moins. Ils sont dans la zone, hein. C'est ok. Non. Il a chopé un kill là-dessus. Il est blanc. Oh, mais pourquoi on m'a dit? On a entendu, il est blanc du côté de Nikov. On est passé justement du côté de l'équipe de Killstar avec un Robab qui est très bien positionné avec sa ligne. Ils agressent Sky justement, et donc c'est les concurrents. Donc là c'est l'équipe de Kin contre l'équipe de Sky qui savent évidemment que c'est leurs principaux adversaires. Oui. Le but c'est de faire top 1, donc là il faut vraiment focus l'équipe qui gagne. Et c'est ce qu'ils essaient de faire. Évidemment c'est jamais facile. Oh là, ça va être hyper intense hein, cette fin de game, elle va être assez incroyable. Et ils sont soutenus justement hein, Killstar. Avec justement toujours cette petite rafale, là c'est Yaxu qui est juste derrière ce petit mur avec Alpha, mais il y a une
Rocket qui peut partir des deux côtés justement, mais elle est partie d'abord côté Trainard, et regardez le massacre. Et qui n'a plus d'HP, c'est terrible. Ça les a déglingués de l'intérieur. Ils sont en très grosses difficultés suite à cette Rocket, et les Trainards qui vont appuyer, qui vont peut-être essayer d'en finir. Oh c'est terrible, hein. Oh c'est terrible là, pour leur équipe, dès qu'il va essayer de se guérir évidemment, full life. Kin aussi, hein. Ouais, on a eu l'hésitation du côté de Nikov sur cette roquette et en face ça a pas hésité, hein, ça a lâché, il aurait pu avoir un mur à tout moment mais pas du tout. Elle a pu passer et faire de lourds dégâts toute l'équipe. Justement pardon de Kinstar et là on est sur Nikov justement. Et là on va rotate justement, là ils doivent rien lâcher, ils sont trois, on rappelle, la roi ce qui est tombée, oh ça aurait pu être risqué ça, hein. Une roquette ça aurait pu être terrible. Ils ont pas la hauteur hein, pour une fois. Attention, il y a un joueur en dessous, c'est risqué, mais il le tente. C'est qui en dessous, j'ai pas vu le nom. Ils sont dans la mêlée, hein. En tout cas, ils sont dans la mêlée, il va falloir qu'il y a très peu de maths. Hein. Il a 12 maths, malheureusement, là pour Nikov, ça va être extrêmement juste. Il reprend le cône, ça chère des maths, ça chère un peu tout, ça veut grave les maths, on veut récupérer les trucs, on est vraiment à poil là côté de l'équipe de Vato. Ils sont toujours pas dans les positionnements payés, hein, Skyhard, donc là ils doivent encore essayer de tempo, gagner du temps plutôt qu'aller chercher des fights farfelus. Mais ils savent qu'il y a. Falconic vient de tomber, Falconic vient de tomber côté d'équipe justement de Kin. Ils veulent fight là pour récupérer des maths. Mais, ouais, mais c'est tôt, hein. Oh, il a plus de maths là, Kinsar, il a zéro maths. Absolument zéro. Et il a surtout 2 HP, 19 de shield, il va remonter à 50. Mais pour l'équipe de Nikov, c'est compliqué parce que bah, il faut au moins rentrer dans le top 8 pour avoir quelques points. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de points pour gagner la Dog Cup, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, mais là ça va être hyper intense. Moi je suis à fond, ça va être hyper compliqué. Rob, parce qu'il n'a plus de structure, toutes les meilleures équipes n'ont plus de masse quasiment. Ça va être extrêmement difficile et ça va être une hécatombe dans quelques secondes. Oh la Stormfire qui arrive. Il y a 37 survivants, mais il va y avoir rien. Oh la balle de pompe réflexe. Mais derrière Rob, ce qui va tomber, je crois que c'est une explosion qui était dans les parages. Il restera Nighty qui va le rejoindre et c'est terminé pour l'équipe de Killstar qui va prendre 0 points. Top 12. En tout cas, de placement. Oui. Nikov solo, Nikov 1v9. Oh, ça peut totalement basculer le classement sauf Silikov sur un éclat de génie. S'il arrive à retourner la situation et surtout rentrer dans les places payées, les places de top. Sur la zone, il faut gratter mais au moins la balle, de top. Récupérer Silikov qui assure 2 kills supplémentaires. C'est récupérer incroyable. Le matériau. Il est 750 pattes, il peut le faire, il rentre dans les places payées. C'est bon, il leur faut pas beaucoup de points, ils ont déjà beaucoup d'avance, donc il faut juste consolider l'avance avant la dernière game. Il était en train de faire gagner la Dog Cup sur la game 5 à son équipe. S'il arrive encore à gratter quelques tops, quelques points de plus. Encore une place pour gagner du coup 9 points, 3 points supplémentaires. Les grenades, c'était tellement bien joué ça. Oh, c'était tellement bien joué, il y a personne malheureusement, mais c'était super bien joué. Et ça avait récupéré kill de Meizen. C'est incroyable. Top 4. Ça passe. Top 4 qui vient sur là-dessus, la strat grenade qui fait vraiment le taf. Il se fait oublier, il est monstrueux, il fait gagner beaucoup de points à son équipe. S'il peut encore gratter, ce serait parfait, mais là, de toute façon, maintenant c'est le top 2, hein. Top 2 ou rien. Top 2 ou rien. Top 2 ou rien, Nikov, il a déjà fait le travail, il a déjà fait le travail, c'est très bien joué de sa part. Et là, c'est encore Clément, c'est encore l'équipe de Clément en poteur, c'est incroyable. Ça va resserrer le classement avant la dernière game, j'adore la Dog Cup. J'imagine que vous êtes comme ça chez vous, en tout cas, je l'espère. On essaie de vous faire vivre ça de manière, de la meilleure manière possible, avec le mode ops, avec le vocal, avec tout ce qu'on a, et Nikov qui reste debout. Nikov qui reste avec ses 10 HP qui tombe finalement qui top 4. Et qui a fait une game incroyable. Bravo, top Nikov. 4. Mais par contre, donnez-moi ça. L'équipe de Clément qui a pas beaucoup de kills, hein. Ils ont 4 kills mais ils ont 100% le top 1. Là c'est impossible qu'en face ça gagne, je pense. Si Clément ils vont aller chercher ses kills. Ils veulent des kills, ils veulent des points. Ils savent que c'est safe là. Et ça vient chercher le duel, on va récupérer 2 kills supplémentaires et on gratte 6 kills je crois, plus top 1, c'est-à-dire 21 points. On les écoute, on les écoute. Top 1, 6 kills, on s'en bat les couilles, là il dit, et ça fait énormément de points. Alors là, il y a 2 équipes qui vont jouer 25 000 €. Ouais, là l'équipe de Nikov et l'équipe de Clément sont tellement hyper bien. Et déjà l'équipe de Airwax peut remercier Nikov de leur permettre d'être aussi autant dans la cour. Nikov va sauver la game là, si Nikov était mort en top 10, c'était terminé je pense quasiment pour l'équipe de Sky. Bon, en fait ça aurait forcé une dernière game all-in à mort. Ouais voilà. Ils auraient dû prendre trop de risques. Là ça va jouer, mais ça va jouer macro quoi. Là ça va être très très close, hein, entre l'équipe de Clément et l'équipe de Nikov. Je pense qu'il n'y aura même pas 3 points d'écart. On verra hein, mais. Ah je pense un peu plus quand même. Ouais. A voir. A voir. Parce que c'est vrai qu'il y avait quand même un peu d'avance. Peut-être. J'ai pas vu combien de kills avait Nikov, mais il en a chopé 2 supplémentaires, plus 6 points de classement. Non, il a fini top 4, donc ça veut dire 9 points de classement. En vrai Nikov a carry de full. La tradition de la Dog Cup est encore existante avec ce suspense jusqu'au bout et grâce à l'équipe de Clément on va en avoir ce soir 2 équipes qui ont normalement déroulé leur jeu
durant leurs 5 premières games et qui vont se jouer sur la 6ème pour aller la gagner. Pour l'équipe de Killstar, malheureusement, je crois avec cette contre-perf, ça va les faire pas mal redescendre. Enfin, en tout cas, ils seront pas assez proches pour aller gagner la Dwa Cup. Donc, je pense que ça va se jouer entre ces deux teams. Et le reste, ils vont se battre pour le podium, en tout cas, pour en tout cas faire un peu parler d'eux. Mais là, il va y avoir un gros focus. Hein. Donc, on va voir dans quelques instants le classement. Et la dernière game va se lancer aussi dans quelques instants, mesdames et messieurs. Je crois que le classement a été mis à jour. On va l'afficher dans quelques instants. On attend juste qu'on me valide que c'est bon. Et bah voilà, classement. Et on va vérifier si ce qu'on vous a dit était juste ou non. Et oui, regardez-moi ça. Un point d'écart. Un point d'écart seulement. Avant la dernière game. Et c'est Airwax qui est devant à un point de plus. Attendez, attends, tu veux pas espionner un peu les réactions là? Là, on fait top 1. C'est Clément qu'on écoute. C'est fini. Bah oui. La squad, on aurait été la meilleure squad FR. Merci Einstein. On aura. Ça aurait été incroyable, ok? On t'espionne. Ok, on s'est fait cramer ici, on passe côté Airwax. Ah, ça me tue. Ah, ici ça parle moins. T'inquiète. Il parle par écrit, sans doute. Vas-y, go win cette game, les gars. Il parle par écrit. Ah, les deux teams veulent win. Là, c'est Vato qu'on entend qui a dit go win cette game. Les deux teams sont en mode. Attends, bah si on fait top 1, on a gagné, je crois. Je pense là, en vrai, ça se rate par écrit parce qu'en fait, je me mute. Je me bats. Allons plus les gosses parce que ça a trop d'importance, je pense. Ouais. En fait, ils peuvent pas parler si je suis là. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, laissons-les jouer. Je pense, d'un point de vue joueur, je trouve que là, t'as envie d'en mode foutez-moi la paix, laissez-moi sortir. Non, mais je peux comprendre. Là, il y a trop d'enjeux. Dites-vous qu'ils sont aussi en live perso, donc en fait, ils sont obligés de se rater à l'écrit quoi qu'il arrive parce qu'eux aussi sont en stream. Ah oui, d'accord. Sauf s'ils mutent leur son et tout, je pense qu'ils font ça. Et à mon avis, ils doivent muter les sons entre les games pour pouvoir justement se mettre en place. Skyard. Bon, je peux parler du coup. On t'écoute. En gros, je voulais pas parler trop vite pour pas que ça change la strat, mais à mon avis là, typiquement, Kinstar et tout ne peut pas gagner si jamais ils grattent un top 8. Oui. Pour moi, peut-être une strat faisable pour l'équipe de King qui se sont fait all-in par l'équipe de Clément. Peut-être là ils peuvent choisir les vainqueurs, mais ils peuvent aussi les contester au spawn. S'ils contestent l'équipe de Clément au spawn, sur un malentendu, ils peuvent sortir un 4-0 et après la game est presque relancée. Il suffit d'all-in l'équipe de Airwax. Et en vrai, c'est faisable. Donc je pense que là. Là en tant que l'équipe de Kin, ça aurait pu être intéressant d'aller full contest ces mecs à leur spawn. Et alors c'est un peu dégueulasse. Oui, mais c'est des choses qui peuvent arriver. C'est possible parce que voilà. Bon, ce sera pas fait a priori, mais je me dis ça aurait pu être intéressant. Tu vois, en mode on a 25 points de retard. Le seul moyen de gagner, il faut qu'ils fassent 0. Allons à leur spawn. On les lave. Ou alors on meurt et au moins c'est réglé. Voilà, si on meurt, pas de regret. Mais et puis en plus, tu vois, imaginons ils ont mal vécu leur all-in. Parce qu'à un moment ils se sont fait all-in par cette équipe. Imaginons ils l'ont mal vécu. Ils font ok les gars, on va se venger. On a plus grand chose à perdre. Je comprends ta théorie. Après c'est un peu dégueulasse. Le problème de ça, c'est que je pense que ils savent très bien que c'est une compétition qui est très médiatisée. Ouais, c'est ça. Et en fait, les gens, et je pense qu'ils vont avoir peur que les gens disent ils ont fait ça pour que Airwax gagne. Alors que connaissant Kinstar, jamais de la vie, tu vois. Mais ils vont se dire je suis totalement d'accord avec toi. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'après, c'est les retombées l'interprétation des gens. Non, et même en vrai, les gens, je comprends que les gens ragent, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, je pense que là, stratégiquement, ça aurait pu être une solution viable pour aller gagner le tournoi. Parce que là, en vrai, focus la team de Clément et de Airwax en late game, les deux teams et qu'ils fassent toutes les deux 0 points ou très peu de points, c'est dur en vrai. Alors que si tu le lignes au spawn et que t'as qu'une seule team à laver, c'est faisable. Ouais, bien sûr. Non, mais je comprends totalement la théorie. Alors que là, on a un petit fight, histoire de démarrer correctement cette dernière game. Nebile qui se fait un petit peu enfermer avec Rexo qui est toujours debout. Et attention à Rexo qui peut quand même faire parler les balles. Et le problème c'est que voilà, tu peux passer. Oh bah comme quoi. Là faut vite le finir, non pas eu le temps malheureusement, donc pas de PV récupéré. Et c'est le sauveur qui a réussi ce fight et qui va pouvoir réanimer le collègue. Et donc c'était Skyden justement de l'équipe de Napo. Bravo à lui Skyden, toujours très très chaud dans ses moments un peu clutch. Bat Sniper qui fait son kill sur EMXR. Et attention justement à ces deux équipes, celle que vous avez à l'écran, donc Clément qui est plutôt tranquille au spawn qu'on reverra après. Et celle de Bat Sniper qui est là à l'écran et qui est dans la merde. Là ça c'est clair et net, une position pas confortable pour le joueur Vitality. Tu auras quand même lui marqué le coup en cette fin d'année en gagnant le Gotaga On Tour. Mais pour la Dwa Cup malheureusement il faudra repasser. On rappelle Oslo qui avait dépanné, donc l'équipe est pas au complet ce soir. Ouais. En vrai c'est pas. C'est la fin. Mais ils ont fait quand même un beau parcours, tu vois, une belle qualif. Là avant cette game là, ils étaient quand même dans le top 10 avec même une 6ème place. Donc ils ont fait un beau parcours, on peut les applaudir, c'est la sortie. Pour Bat Sniper, Oslo, Erkane et Black qui ne pourront plus rajouter de points à leur compteur. C'est pas grave. C'est sûr, parce que c'est eux qu'il faut surveiller.
Alors voyons voir du coup l'équipe d'Airwax qui sont ici, ok. Qui est con l'équipe de Kill? Killstar. Kill Nate, ouais. Et tout, ouais. Tu vas aller voir Killstar un peu. En vrai là il y a que 3 teams potentiels. Voir est-ce que l'équipe de Kill se dirige vers un truc intéressant. Ah ouais non, ils sont à Slurpee, ok. Tranquille, comme ça va être dur du coup. Hein. Ça va être très très dur. Hein. On sait jamais. Safe strat, mais ouais, ça va être difficile. Je pense comme t'as dit, ils ont tous les yeux rivés sur la barre de feed. Tous. Ah, là, genre tout le monde check chaque pseudo. Mais je pense que toutes les équipes top 2, enfin les deux équipes top 2 à mon avis vont jouer giga méga 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 safe. Et tu regardes la barre de feed. Donc en fait, à mon avis, sur la feed, ils vont pas mourir, tu vois. Enfin, ah je oui, pense qu'à part cette équipe, les all-in, ils vont pas all-in eux une team. Donc, ah ouais, mais t'es pas à l'abri de te faire sauter dessus par une équipe qui a plus rien à perdre, qui est 17ème et qui c'est, te croise. Ça, donc non, non. Puis avec la Storm Surge, attends, à jouer trop safe, la Storm Surge, mec, elle te punit. Hein. Ah donc il y a ça aussi, en fait, tu dois jouer safe coup, en mettant quand même quelques hits. Je suis d'accord, mais je pense que la Storm Surge, tu vois, elle ne va exister qu'au top 30, tu vois. Parce qu'encore une fois, là, ils vont se détruire. Gars, ils sont 16 mecs. Normalement, ils sont 80. Là, ils sont encore 87, 88. Non, t'as raison. Normalement, il y a 10 morts, là, il y en a 25 déjà. C'est pas les games habituels. Hein. Les mecs vont se laver le cul. Hein. Ils vont arriver au spawn. Ils vont. Mais tu vois, il y a aucune team en tout cas qui a voulu pourrir une équipe. Tu vois, parce que on aurait pu aussi avoir une équipe bas de tableau qui spawn sur Airwax, on spawn sur Clément et c'est eux, fini. Eux, je les aime pas, ils gagneront pas le tournoi. Bon, ça fait drama, c'est sûr. Parce qu'après, les gens. En plus, sur Fortnite, ils aiment pas trop, tu vois. Ah mais, non, c'est très 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 détesté, mais après c'est même des choses qui vont arriver. Après hein, c'est le jeu en fait, tu vois, c'est triste à dire, mais est-ce que la dernière game t'es pas censé changer de spawn et partir sur un spawn? Pour moi si, ça fait longtemps que je milite pour ça, et c'est pour ça que je dis que les équipes en fait comme Airwax doivent avoir un second spawn de sécu pour se dire, vu que dernière game on va se faire sauter dessus parce qu'on est premier, on va à notre spawn de sécu, et comme ça les mecs ils viennent à 3 teams ici, ils sont en mode mais où Airwax, tu vois ce que je veux dire. Donc moi j'en étais au moment où je pensais que les joueurs allaient anticiper pour que quand t'es bien dans un tournoi tu changes de spawn pour pas qu'on puisse te trouver. Du coup je pense qu'il part plutôt sur la théorie, mais on fait des gros dramas, et si on fait des gros dramas les gens n'osent pas. Vu qu'on est Solari, on gagne. On est Solari, on a plus de commu, vous allez perdre, donc venez pas. Pas de drama chez nous. Non, mais oui, voilà. Mais c'est pour dire que théoriquement, ça devrait exister. C'est logique en alors, fait. C'est bâtard, mais. C'est bâtard, c'est fort, mais quoi. C'est logique. Disons que si on était sur du sport à 100 milliards, je pense que les mecs ils auraient pas de race. Et là c'est parce qu'on est entre francophones, hein. Mais j'ouvre à l'Europe, il y a plus de pitié. Hein. J'ouvre à l'Europe, le petit espagnol il en a rien à foutre de la communauté Airwax. Hein. Il va venir à son. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Possible, ouais. Donc c'est des choses qui vont finir par arriver et qui sont même peut-être déjà arrivées sans que les gens se rendent compte ou quoi que ce soit. Mais je crois que j'avais parlé à Andilex qui avait été très bon à la Trimac en solo. Et justement lui c'est lui est arrivé. Genre sur les dernières games, bah, il est possible. Il hein. S'était fait contest alors qu'il était très bien en classement. Bon, est-ce que c'était un truc organisé ou pas, ça on n'en sait rien. Mais à lui d'avoir un spawn de sécu et de se dire putain je suis tellement bien qu'on va venir me pourrir donc je change ma strat, mais il faut avoir une deuxième strat pour pouvoir faire ça. Alors je comprends que c'est frustrant en tant que joueur par contre hein, mais bon, mais malheureusement ça finira par arriver un jour je pense. Wolfies le joueur, tu vois direct le chat, voilà, ils retiennent hein, tu vois, ils retiennent un truc hein. Alors que là je vais leur demander c'était qui le gagnant de la DreamHack, ils vont me dire hein quoi. Par contre qui a foutu la merde avec ça, ils ont le blaze hein. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est des choses qui vont arriver, donc les joueurs doivent s'y préparer. Donc je vais devoir le c'est ça les gens de chat hein, bon, ils ont aussi le gagnant de la DreamHack, j'y peux rien, ils sont trop forts le chat aussi. Ils ont toutes les infos. Qui est le président de la République? Juste pour voir. Qui est le premier ministre? Premier ministre, je pense qu'il est long. Qui est le ministre de l'agriculture? Non mais là wesh. Tu l'as toi? Non frère, ah, voilà, je sais pas, c'est pas quoi, définir agriculture. Casse-toi, mais pas le mec. Je rigole. Qui a, je t'ai vu planter des tomates. Oh là là, Skate qui aurait pu hint un peu la gueule. Je l'ai vu au ralenti la balle. Ah ouais, la Skate qui est content parce que mine de rien, il aurait perdu du heal, sachant qu'en plus on a Airwax qui a déjà assez pauvre, il a même pas de shield. Donc, le but c'est de pas faire de bêtises, d'économiser les soins, d'économiser les shields. Donc, c'est pas le moment, les gars. Ouais, ouais, on sait que vous avez Google, les gars, trip chill. Là, ils font les experts, genre. Et après, c'est souvent le. Il y en a un ou deux qui le sait et tout le monde copie, quoi. Ouais, 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 ça a quand même lâché des Obama. Hein. Bon, après, il y a aussi les mecs qui tentent la petite bague. Petite ou alors, peut-être pas. Ou alors, il s'est trompé de pays. Mais... Après, on sait pas où ils sont. Ça se trouve que lui, il est aux États-Unis. Un American. Donc, le mec, il est en Floride et il regarde la Dwarf Cup tranquille. D'ailleurs, dites-nous sur le chat, vous êtes d'où, tiens, la ville, le pays, peut-être. Dites-nous comme ça, juste pour savoir. Tranquillou, d'où est-ce qu'on regarde vous regardez la Dwarf Cup? Je sais qu'il y en a plein de. Moi, je checkais un peu sur Instagram et j'étais étonné de voir qu'il y avait des pays auxquels je n'imaginais pas, tu vois, qu'il y avait des gens qui me followaient. Mais c'est marrant, tu vois. Déjà, les pays du Maghreb, vu que francophones, ils sont pas mal. Ça s'est fait plaisir, gros dédicace. Il y avait des pays, tu vois, genre, je crois, il y avait genre Nouvelle-Zélande. J'étais en mode, ah bon. Parce qu'il y a plein d'expatriés. Ah bon. Il y a plein d'expatriés et du coup, ils regardent de là-bas. J'aurais pas parié sur ça, tu vois. Bah, si, parce que souvent, les expatriés, ils ont pas non plus des emplois du temps de, tu vois, trop cool. Donc, en fait, le soir, tu files le taf. Il y a plein de militaires, enfin, de mecs qui sont militaires qui nous regardent parce que, bah, fin de service, t'as rien. T'es dans le camp militaire, t'as ton téléphone et tu regardes YouTube, tu regardes Twitch. T'as vraiment des gens, comme tu as dit, de tout pays et c'est vrai qu'on se rend compte de certaines choses avec les statistiques. Après, est-ce qu'ils
est-ce qu'ils mentent pas aussi sur leur compte quand ils le créent, tu vois? Aussi, mais Nouvelle-Zélande, faut chercher quand même. C'est vrai qu'ils tombent pas en premier. C'est pas le premier truc qui vient les trucs, je peux pas mentir. Faudrait que t'ailles faire un petit level de ta map aussi, t'es populaire. Non, mais c'était un petit pays, tu vois. Mais j'étais en mode, ah ouais, carrément, genre, ouais. Tu vois, c'est pas je me serais dit les pays francophones, le Maghreb, le Canada, l'Angleterre, tu vois, limite, mais. Ok les mecs, donc on est parti, mine de rien pour l'instant il n'y a pas vraiment de contest. Et là, attends, mais ils jouent agressif. On va écouter parce qu'on veut comprendre pourquoi ils jouent agressif. Et effectivement, ils n'ont aucun intérêt concrètement à faire ça dès maintenant. Attends, mais ils jouent full agressif encore. Il y a plus de sang. Est-ce que c'est pour se mettre en confiance, pour dérouler là, je vous rappelle qu'il n'y avait qu'un point d'écart hein, entre les deux. Donc là, potentiellement avec ce kill là, ils sont à égalité. 58. Les gars, ça va bien. Ils jouent agressif quoi. Et ils sont en train de compter les joueurs restants. Dites-vous que là, alors, si l'équipe d'Airwax a 0 kill, ils sont à égalité, les deux teams. Attends, les Nate, hein, justement, qui sont en pleine fight, un killstar et Nate. Et je pense que justement, ils ont dû voir la feed que ça fait des kills. Et là, on a vraiment envie. Alors on le sait, hein, ils sont très en retard, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Là, s'ils veulent avoir une chance de gagner. Ils ont tellement de poissons. Ouais, là, il faut qu'ils fassent une game à 20 kills. Et c'est, en vrai, c'est hardcore. Mais c'est faisable. Mais on sait jamais. Donc, on sait jamais. Sur un malentendu, ils en ont déjà 4 là, potentiellement. Parce que là, il reste un joueur qui, à mon avis, est en train de se cacher dans les constructions. Ah, c'est la guerre des calculs là. Hein. Parce que les autres étant ok, il reste 58 mecs. Donc ça veut dire que les autres équipes pourront peut-être pas avoir assez de kills. Donc en fait, la seule team qui peut nous avoir maintenant, c'est Airwax. Et là, vu qu'on a un kill et qu'ils en ont 0 parce que j'ai vu personne à la part des feeds, on est à égalité. C'est ça. Donc et le problème, c'est que si l'équipe de kill tue beaucoup de gens, ça veut dire que du coup, ils vont très vite. Il reste que 58. Et voilà, il reste moins de teams. En fait, plus ils vont tuer des gens, moins il restera team. Plus ils vont croquer les teams de placement. Et donc du coup, les cartes de placement qu'ils pourraient créer en les tuant, va être plus faible. Va être compliqué. Oui, c'est vrai. En gros, ils font top 1, mais les autres font top 3. Bon, c'est 6 points d'écart, tu vois, c'est pas ouf. Ouais, c'est vrai. Donc en vrai, c'est ça aussi qui va être. Il faut les laver, hein, mon pote. Ils ont 0 kills. Donc là, il y a égalité entre l'équipe de Clément et l'équipe d'Airwax. Je n'aurais pas pu rêver mieux pour cette finale de la Dwight Cup. Et je n'ai même pas envie de dire merci aux joueurs parce qu'ils n'ont pas fait exprès. Ils donnent juste le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, je suis pas sûr que c'était en mode. Mais c'est on fou. On va régaler Sky et Dwight. On va leur faire merci. Un truc comme ça. Ils vont vous faire du ça à fond. Attends, je leur dis que c'est bon là. Vous pouvez jouer sérieusement maintenant. Ouais, les gars, commencez à jouer, les gars. Non, mais merci beaucoup. Je suis trop content. Content que ça vise comme ça parce que bah, je l'ai dit, même si l'équipe doit s'envoler, tant pis. Mais là, de dire qu'il y a deux teams à égalité avant le dernier late game, magique. Alors moi je pense, mais par contre je suis étonné quand même que l'équipe de Clément et tout ne joue pas safe, tu vois, genre c'est quand même un pari. Peut-être qu'ils veulent vider le lobby pour que les autres prennent pas risqué. De points. Hein. Et après ils se disent, imagine là ils font 4 kills, 5 kills maintenant face à des mecs qui sont à moitié dedans parce qu'ils ont déjà perdu. Bah c'est 5 points qui mettra pression à Airwax, qui va forcer Airwax à aller prendre des fights et peut-être qu'Airwax va tomber face à Kinstar. Et ce sera pas le même fight, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr. Donc en fait quand tu prends des points dans la barre des feeds, tu mets une pression aux autres, tout le monde regarde la barre des feeds. Mais tu perds un peu du heal, tu perds un peu de ressources. Ça faut être sûr de soi. Voilà, c'est pas évident, tu vois, c'est pas évident. Ça c'est pas. Mais ça va, ils ont des réserves, hein. Ils ont des réserves, là on peut le voir justement. Ils ont quand même été archi réguliers dans leur placement. Hein. On va beaucoup jouer entre ces deux teams, hein. Entre les teams de Clément et d'Airwax à partir de maintenant, vous le savez, et Kinstar aussi on le garde de côté forcément. Là tout va bien côté Airwax, ils sont en place d'habitude. Chillé, je pense que là on peut repartir sur Clément parce qu'à mon avis là ils vont juste gratter de la storm tranquillou. Mais ça se ralentit quand même, là on voit que ça se ralentit un petit peu. Tu l'avais dit, elle va arriver la storm surge. Pour moi la storm à 30 elle va proc je pense. Et en tout cas elle va menacer de proc. Peut-être pour ça aussi que Clément voulait faire un fight. Comment? Peut-être aussi pour ça que Clément voulait faire un fight. Ouais. Il avait peut-être pré-shot comme toi qu'il allait pas avoir Storm trop tôt, mais celle-ci allait apparaître. Et au moins maintenant ils se disent, nous on a fait nos dégâts, on va regarder Airwax faire. Enfin Airwax et ses teammates. Après Airwax et tout sont spécialistes un peu des tours into balle de loin. Il touche gratte de 44, ouais. Une petite tête par-ci. Ouais, là, c'est ça, on l'a vu tout à l'heure. En plus c'est le tracking qui est solide. C'est vrai, elle va arriver mesdames et messieurs, plus qu'une minute et quelques secondes. Et je vois tout le monde sur le chat très excité, hein. Très excité. Je regarde aussi, vous êtes plus de 36 000 en direct pour suivre sur mon live, hein, la finale. Donc si je prends tout live confondu, je n'ai pas la stat, mais je pense que vous êtes trop nombreux. Plus de 50 000, ouais, vous êtes plus de 50 000, on me dit effectivement. Donc c'est fou de voir autant de monde sur la grande finale de la Dwight Cup, hein, qui est une initiative personnelle. Alors bien sûr, maintenant je vais aider de pas mal de monde qui croient tout autant que moi au projet, que ce soit les copains au cast avec moi, que ce soit les équipes techniques ou ceux qui bossent avec moi dans la Dwight Cup production. Donc je suis très content d'arriver à voilà au bout du projet en plus comme je vous dis avec le spectacle. Et je suis content parce que nos petits détails tu vois on a réfléchi. T'as step up sur Mastruc mec. Ouais. Et merci de m'inviter à chaque fois pour les finales, hein, ça fait plaisir. Ah bah toi, moi j'avoue depuis le début j'ai dit que je voulais être caster et tu me donnes aussi l'occasion de pouvoir caster dans des formats que moi je pourrais pas créer. Et je sais que t'adores, je sais que toi c'est... Bon, moi j'aime bien ce genre d'émotion, ouais, c'est cool. Autant en fait j'aime bien les deux, caster, joueur, j'aime tout. Mais clairement l'abnégation de joueur est tellement forte sur Fortnite, tu peux pas être fort sans lâcher vraiment tes 7 heures par jour. Ah quoi. Oui c'est sûr, on en parlait avec Gota hier. Et en c'est plus, vraiment dur. T'arrêtes de jouer une semaine, t'as tout à refaire. Hein. T'arrêtes 3 mois gros, t'es super. Hein. Donc c'est ça qui est dur, ça demande une vraie rigueur. Et c'est aussi pour mettre ça en avant, le travail individuel de chaque joueur. C'est ça. En fait nous là on voit les belles choses, c'est spectaculaire. On connaît les deux places du coup. Totalement. On se met à la place des joueurs,
on peut dire totalement. Ok, nous en tant que caster on a fait, on a tout fait. Et donc, je pense que c'est ce qui fait le succès de la compète, c'est que c'est une compète qui a été réfléchie par un ancien joueur ou en tout cas par un collectif de personnes qui connaissent réellement la réalité du terrain et qui mettent en valeur un peu le travail que font les joueurs, certes, mais surtout on les respecte, tu vois. On fait en sorte que ça va vite. En tant que caster aussi, on essaie aussi de, je trouve, de pas. Enfin, tu vois, genre, des fois quand t'es joueur, t'as une frustration parce que le caster il dit un truc que t'as pas envie d'entendre quand t'es joueur, donc on essaie en tout cas de pas faire ça, tu vois. Donc, dans tout move, il y a un move, je trouve, positif ou un move négatif. Oui, c'est à nous de choisir, choisir comment on veut. Alors, des fois, je suis un peu dur quand il y a une belle balle de pompe, je me dis, lui écrase la gueule, tu vois. J'ai des mots crus, mais ça, c'est surtout sur des duels, sur des, oui, sur des réflexes. Mais de manière générale, on voilà, on et c'est cool, je trouve. Et je pense que ça peut permettre aussi aux joueurs de pouvoir. Attends, il y a eu un mort apparemment, ça lâche des noms sur le chat, je regardais pas. Kidstar qui tombe à Sco. Kin qui a tué quelqu'un. Kaiden qui a tombé justement Falcon Lee. L'équipe de Kidstar en difficulté. Là, côté Vato et. Kin a fait un carnage à ce qui paraît. Hein. Ah, ils sont short en termes de shield. Hein. Donc, est-ce qu'ils ont fait beaucoup de kills? Est-ce qu'ils ont fait assez pour revenir dans la course? C'est ce qu'avait dit Skyheart, ils vont être obligés eux de enchaîner kill sur kill. Mais pour finir ce que je disais, je suis très content qu'on mette en avant le travail qu'ils font. Pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, être joueur pro, c'est un ensemble. C'est pas juste venir le jour de la compète, faire un sourire et jouer. Non, 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 il y a tout ce qui se passe, tous les sacrifices individuels qu'ils font, que ce soit leur vie perso ou quoi. Oh mon dieu! Et ça peut payer ce soir pour certains. Oh mon dieu, ça peut être terrible là. Attention. Parce qu'une roquette qui passait dans le trou là, et là, toute l'équipe de Vato perdait tout leur heal. Ils se seraient retrouvés à zéro heal. Ça aurait été une catastrophe pour eux. Donc attention, là on est 4, 5, 6, 7. On est 7 kills, ça suffira 7 pas. 7 kills pour l'instant. Après, il reste 54 personnes. Hein. Ouais, ouais, mais il leur faut quand même bien 20-25 kills hein, si jamais ils meurent pas. Hein. S'ils arrivent à se trouver sur une hauteur. S'ils meurent pas, c'est dur. S'ils arrivent à se retrouver sur une hauteur, ça peut Vato, le faire. Airwax, Skite, en pleine rotate. Nikov hein, également qui suit la danse. Pareil, à côté Clément, là on temporise. Et là, c'est vraiment les moments les plus importants. Hein. Les deux équipes hein, qui sont en lice hein, pour pouvoir gagner la Dog Cup. Quelle équipe va pouvoir réussir à assurer en, je dirais, honnêtement, je pense qu'un top 2, top 3. Mettrait giga bien et assurait presque la victoire. Tout dépend de la perte de l'autre. Mais là, tu vois, l'équipe de Skite est en place avant l'équipe de Clément. Ouais, ils sont trop bien. Rien que ça, ça se notifie. Vu qu'eux sont en place, on peut aller voir la rotation de l'équipe de Clément. Et dès que l'équipe de Clément est en place, on passe sur Kinstar pour voir ce massacre. Parce que, comme tu as dit, lui, dans tous les cas, il doit pas arrêter. Ouais, ils doivent pas arrêter. Ils ont perdu un joueur, malheureusement, donc ça va compliquer. Donc, déjà, vérifions que eux arrivent à destination parce qu'ils sont pas en zone encore. C'est trop important en fait. C'est trop important là ce qui va se passer là. Ils vont essayer de faire focus. Attention. Et on ira sur Kinstar juste après le chat. On vous voit. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que n'oubliez pas que c'est ces deux équipes là qui jouent la victoire. Oh non, donc, oh non, il s'est pris voilà, la balle de Clément, voilà, justement. Voilà, Clément qui a été calmé Clément sur la rotation. Clément qui a pris une énorme balle et ça va gratter du shield, justement, parce qu'on a des nades, mais on peut faire une stratégie. Je pense que c'était des nades pour dire dégager. Oui, bien sûr, laissez-nous tranquille. Ouais, c'est clair. Et la Blacky qui prend ses responsabilités devant, qui vient peut-être shutdown quelqu'un. Et Lens qui va tomber. Non, ça a été volé par Blaster, malheureusement. Ah ouais, oh, ouais, il a pas eu de kill. Et Clément là qui full nade, on triple nade, est-ce qu'il peut tuer quelqu'un? Ça va pas être facile, je pense. Ça l'a pas plu, ça lui a pas plu la petite balle dans le dos. Ouais, c'est clair. C'est bon, il est en place. Revenons sur justement l'équipe de Kinstar qui lui doit faire un massacre hein, s'il veut espérer peut-être. Il a deux maths, c'est terminé là pour Kinstar. Ouais, ça va être dur. Ça va être très très dur. Hein. Ils vont devoir all-in des gens, ils vont chercher leur masse, mais là on les sent, ils sont à poil. Passons sur Nikov et tout, parce qu'il il a réussi à prendre un kill. Ils sont en top hauteur, ils vont peut-être dégainer peut-être les balles. Pour l'instant, non, ils restent même, tu vois, enfermés. Hein. Ouais, mais ça conteste. Hein. On voit, c'est Maxa, je crois, juste à gauche. Vitality Maxa qui est juste à côté. Et là, on part sur un début d'extend. Ok, ils ont récupéré les masses du joueur, donc là, ils sont très très bien. Ils sont giga bien là-dessus hein, pour gagner là-dessus. Airwax. Passons sur Clément, je pense. J'ai qu'une mini, moi. Là, Clément, ça va être hyper intéressant de voir s'ils sont dans la tourmente ou pas. Bah là, ils sont en train de faire le point, en tout cas, pour les stuffs de côté. Le stream X Solari et côté Clément, qu'est-ce que ça dit? Ils veulent essayer de choper un kill sur Maxa Libur. Ça s'organise. Maxa qui est juste à côté de Skite en plus, hein. Donc là ils sont vraiment, ils sont à deux pas l'un de l'autre. Mais ça ils le savent sûrement pas justement, et on va écouter Clément. Suivez-moi. Très bon, c'est XMD. Y'a des messieurs là? Y'a des messieurs. Y'a personne en zone, vous êtes venus pas attendre? Dites-vous que pour eux ça peut être leur soirée. Non, pas ça, tu vois, à la limite, l'équipe d'Airwax, nous, s'ils gagnent, ils vont être en mode ok, comme d'hab, tu vois. Mais eux, s'ils gagnent, c'est n'importe quoi. Hein. C'est... Ils vont pas réussir à dormir de la nuit, ça c'est clair et net. Il y aura trop d'émotions. Mais attention, parce que c'est pas fait. Et là, pour ça, ils ont pris d'assaut. Il faut tenir. Ils sont en train de jouer leur première place. Ça joue la game, ça joue la game. Il contest, il passe par derrière Clément. Il a même pas tiré, t'as vu, il est en mode je me fais oublier. Clément qui veut surprendre. Je suis mort. C'est la merde. C'est la merde pour eux, justement. Ils sont des bleus par Airwax. C'est Airwax, c'est Skite et Vato qui les dégomme. Clément qui est tombé. Clément qui est tombé, KZ qui est tombé, Stick qui est tombé, il reste plus qu'à se Blacky. Il reste que Blacky. C'est une catastrophe pour l'équipe de Clément. Est-ce qu'on peut y croire alors que justement là ils l'ont vu Airwax, ils l'ont vu et j'aimerais bien écouter l'équipe d'Airwax parce qu'à mon avis ils doivent être en mode oh, ils sont morts. Oh, on a plus qu'à rien faire pour gagner. Attention, s'ils tombent c'est pas ça peut être terrible aussi parce que Blacky peut être clutch. Vraiment tu peux ou pas? Ouais. Oui, si les 4 meurent c'est terrible hein. Merde maintenant.
Attention. Là faut juste survivre pour l'équipe la team Solary et le stream. Attention à pas faire de bêtises. Les frérots Skype, Bateau, Nikov et Awax, il faut juste survivre. Et Blacky, vous voyez qu'il se fait oublier. On reviendra sur lui après, pour l'instant il va pas bouger. Et vous sentez que ça stresse un peu là. Même Sky qui est en mode calmez-vous là, c'est pas grave, on reste dedans. Y'a rien en bas ? Je vois rien. Ok, ils temporisent le jeu et là ils ont raison, là il faut juste rien faire. Il y a un peu de stuff en bas là, il va récupérer un peu de maths. Et là c'est très malin là justement de leur part pour récupérer les maths. Ça sent super bon pour l'équipe, le tuyau Solary X. Ça marche bien. Le stream. Ça marche bien les 4 ensemble. L'équipe qu'on avait dit favorite, qui là nous montre que peut-être. Mais je pense que vous n'étiez pas mouillé, tu vois, moi je les ai mis favoris mais je me mouille pas en disant ça, c'est le bot par défaut, tu vois. C'est trop dur de mettre une autre équipe au-dessus d'eux, pour l'instant ils sont trop en place, trop carrés. Et regardez, les déplacements sont très propres, ils se font des trous, des conduits et ça passe bien. Blacky qui malgré tout continue de prendre ses responsabilités, hein. Il sait qu'il va falloir quand même marquer quelques points en plus des tops potentiellement pour venir compenser le score des autres. Et déjà ça démarre par un premier duel, Blacky qui met une balle de pompe chasseur pour calmer son adversaire avec un pompe bleu. C'est giga sérieux, c'est super dur, Blacky qui doit faire l'exploit. Blacky qui se fait oublier, hein. Blacky qui se fait oublier. Oh mon dieu, Blacky qui est derrière, Blacky qui a pris une énorme balle. Il a plus beaucoup d'HP, il met un wall derrière lui, mais attention, il est pas dans ses constructions, il a 33, il a que 33 bulles. Oh, c'est devenu logique pour lui, il a eu un feeling là sur comment se faufiler. Il est en full flex, mais attention, c'est pas terminé. Ah, il y a de la grenade, il y a tout, et en plus tout ça n'est pas à lui, donc va falloir casser pour pouvoir passer, c'est compliqué. Personne ne meurt, hein, dans la file côté de l'équipe de Airwax. Non, ça tient bon. Skite, Vato et Nikov. Revenons côté Airwax parce que Blacky maintenant est revenu en position. Top 12. Masse côté, non, si encore des masses côté Vato, je comprenais pas pourquoi c'était rouge, mais whatever. Il a un pompe légendaire et ça, Vato, normalement, il sait l'utiliser. Hein. Putain, côté Airwax, ils ont énormément de maths, ils sont hyper bien. Blacky qui n'est toujours pas mort, on rappelle, hein, qui est l'homme survivant, il doit survivre, il a plus de maths, toujours ça tombe côté Blacky, côté Airwax, super bien joué. Est-ce que c'est une bonne idée parce que finalement il va être contact? Il va falloir assumer, c'est Xewer. C'est conteste. C'est Xewer qui pourrait calmer un peu les espoirs. Solary X, le stream. On sent un Skype en panique. Là on l'a, ça suscite par l'habitude justement, normalement ils sont extrêmement calmes. Mais là, là on les sent sous pression justement, écoutez le son. On les a jamais entendus comme ça. Ils savent qu'ils sont à rien de pouvoir gagner cette compétition. 25 000 euros mesdames et messieurs, ils sont peut-être en train de le faire. Blacky est toujours pas tombé, on l'a pas vu dans la part des kills. Il est incroyable quand même, hein, mine de rien, il meurt jamais. Il y a pas beaucoup de kills, hein, il y a que 3 kills donc il pourra peut-être le faire. Et Blacky qui tombe. Blacky qui tombe. C'est fini pour Blacky. C'est fini pour Blacky et c'est peut-être et sûrement une victoire impossible à compter. Ça y ressemble. Pour le Solary X de stream. Ça va aller tout droit. Ça y ressemble. Et surtout s'ils arrivent à ta maison. Et là ils sont confiants justement. Là ils prennent l'agression. Ils savent que ça sent bon. On reste sur eux. On reste uniquement sur eux. On va voir s'ils arrivent à finir sur un top 1. Enfin, ça serait magique. Et ça montrerait que ici ils étaient très à l'aise à niveau francophone. Et qu'il va falloir peut-être d'autres personnes pour venir les titiller de manière compétitive. L'équipe de niveau international, on rappelle. Ils ont pas la hauteur. Il y a une équipe de mise en plus qui elle aussi sait gérer ce genre de situation. Ça va être compliqué de les déloger. Vous voyez, Nikov très low life, Nikov qui a pas le droit de prendre un seul hit de la zone ou une seule balle. Nikov, il est mort, Nikov. Ouais, Nikov, comme il le dit, il est mort, hein, et je suis d'accord, il est mort, attention. Vato qui est extrêmement bien, il a encore pas mal de maths, il a des poids sky. Oh Vato, je vous l'ai dit. Vato là-bas, qui va arracher la gueule de Yakzu. C'est pas terminé, attention, le piège là-dessus. T'as full poisson, Vato. Vato qui fait un mouvement magistral, et justement... Ils ont des poissons, là, exactement comme l'a dit Airwax, il faut temporiser, là, il faut jouer en zone. Là, il faut jouer le heal, je suis d'accord avec Airwax, je pense que là, il faut temporiser, il faut essayer de sortir le move. C'est minimum top 4. Sky qui rentre dans la zone, là il a assez pour rentrer dans la zone, il veut chercher un pic. Il faut faire un kill, il faut faire un kill. Sky va mourir du coup je pense. Il veut essayer de se grimper. Et il time. Alors c'est compliqué. Là faut la c'est compliqué, non. Il est encore debout, hein. Il a eu chaud. Il a encore un poisson, ils veulent gratter un top 2, ils sont top 3 pour l'instant. Dans tous les cas, personne ne peut les rattraper, hein. C'est fini. Esport qui est sur le point de faire peut-être un move, peut-être le top 1. Ils n'ont plus grand chose, 24 murs. Non. Et ça va tomber côté Sky, ça va tomber côté Vato et on finira là-dessus, top 3. C'est incroyable. On finit pas top 1 les gars, mais ils ont, je pense, sans vouloir spoiler, ouais. Ça sent bon. Bah, grâce, ça sent très très grâce bon. Au fait que l'équipe de Clément est tombée très tôt. Et maintenant bah, l'équipe de Xewer. Je pensais que c'était l'équipe de mise, mais non, c'est l'équipe de Xewer qui est encore au complet en late game. Et pour sauver l'honneur. Ils ont montré que justement cette dernière game, ils sont passés un peu à côté de leur compétition, mais ils montrent qu'ils avaient le niveau pour le top 1. Ils sont en 4v2 justement, et on est sur l'équipe de Xewer en vocal pour vivre ce top 1 avec eux. Continue. Pas faire d'erreur, ça leur permet de remonter au classement et d'avoir un peu plus d'honneur ce soir. Oh oui, la roquette elle est belle. Et elle vient tomber YZ. Et il restera plus qu'un seul joueur. C'est terminé. C'est fait.
Incroyable. Léo et White Zip qui étaient les deux derniers survivants face aux 4 joueurs de la team de Xewer. Mais c'est surtout Airwax, Vato, Nikov et Sky qui ont été réguliers, monstrueux. Et malheureusement, malgré le bon niveau de Clément et de son équipe, pas assez de réussite pour venir faire rêver jusqu'au bout. Il manquait rien du tout. On espère que vous avez kiffé ce cast avec nous. On espère qu'on vous l'a fait vivre à fond. Blacky nous a fait rêver quand même. Vraiment, Blacky qui a temporisé énormément parce qu'on n'était pas à l'abri d'un clutch de Blacky. Il suffisait que l'équipe de Airwax fasse all-in. Top 2. Ça peut être horrible, hein. Ça aurait pu être horrible. Et là, on a vu le stress dans la voix de l'équipe Solary X Stream qui était présent par rapport à un calme légendaire quand il y avait la Top Potter où ça parlait pas. Là, ça parlait. Calmez-vous, on écoute. Ça bégaye un peu, donc tu sens vraiment l'intensité. Mais voilà, c'était la dernière game de cette deuxième édition de Dwa Cup qui s'est extrêmement bien déroulée. Que ça soit les games ou même le live avec la fluidité, avec tous les petits ajouts qu'on a ajoutés et qui vous ont beaucoup plu, que ce soit le vocal en instantané où on peut aller switch d'une équipe à l'autre en même temps que la POV, que ce soit aussi les tweets en direct. Que ça soit la nouvelle charte graphique, tout ça vous a beaucoup plu. Tout ça pour vous dire que ça va continuer, mais quelle fin incroyable. Je suis ravi. On en a oublié tout le reste, hein. Que ça soit les réactions sur le chat, les réactions sur l'hashtag. On n'était plus du tout avec vous, on était tellement à fond dans la game. Et justement, là, les premières réactions commencent à arriver, hein. Les premières réactions arrivent très très vite. Mais c'est vrai que ça va être difficile de mettre un suspense sur qui l'a emporté. C'est clair. Merci pour l'invitation aussi, hein. Mais mec, c'était trop cool. Honnêtement, 40 000 spectateurs, incroyable. On me dit, hein, pour vivre cette fin de Dwight Cup. C'est impressionnant. Je crois que c'est le record sur ma chaîne. Bravo le chat. Et ce n'était qu'un début tout ça. Mais je suis très content. Très content que ce soit si bien déroulé. Et ce suspense qu'ils nous ont permis d'avoir avec cette dernière game. On aura vibré jusqu'au bout. Je suis en sueur, hein, mais je pense que vous aussi chez vous, vous avez vibré. Et c'est le principal pour vous montrer que le gaming, au-delà du côté plaisir, du côté divertissement, c'est aussi maintenant un petit plus pour peut-être faire carrière pour ceux qui ont un vrai talent dedans. Et on montre un peu le côté sérieux de tout ça. Et grâce à ce genre d'événement, je pense que ça va rentrer un peu plus dans la conscience collective. Ça démarre de là et je suis très fier de tout ça. On attend le classement, on va devoir élire aussi un MVP dans quelques instants. Mais voilà, le dénouement dans quelques instants, qui va repartir avec ce trophée. Il y en a 4 bien évidemment pour chacun d'entre eux. Et surtout, les 25 000 euros et l'honneur d'être la meilleure équipe francophone non négociable. Bon, c'était les joueurs peut-être déjà les moins... On pouvait le moins parler. Dans le besoin, ouais, on va dire. C'est ça. Non, c'est vrai. Disons que les 25K pour eux, c'est un pourboire. Je suis désolé, mais ils sont trop forts aussi. Ils sont trop forts, mais clairement. Ils sont insane. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à voir le visuel de l'équipe gagnante instantanément? On va voir le podium, sans surprise. Regardez, l'équipe Nikov, Skyte, Airwax et Vatou remporte cette seconde édition. Deuxième position pour la team de Clément avec Kaizen, Blacky et Stig. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et Kidstark a monté un mix, hein, je le rappelle une dernière fois. 0 entraînement avec Robabs, Falcon Lee et Nate qui prennent quand même la 3ème place. Tout ça pour dire la qualité individuelle de ces joueurs qui n'ont même pas eu le temps de travailler la coordination, mais qui l'ont de manière un peu innée. Et ils ont tous un peu cet effort de pouvoir s'adapter à tout. Donc voilà, 3ème place alors que c'est un mix et que t'as des grosses équipes derrière qui traînent peut-être depuis des mois. Ça reste quand même une grosse performance, donc bravo à l'équipe de Kinstar, bravo à l'équipe de Clément qu'on attendait pas si haut, qui nous ont fait rêver, et surtout GG à nos vainqueurs Sky, Vato, Nikov et Airwax, les champions. C'est fou. En tout cas, j'espère que vous avez pris un vrai plaisir. On va aller, je pense, parler surtout à l'équipe qui a gagné. Voilà, et peut-être aussi à l'équipe de Clément, parce qu'ils nous ont fait vibrer jusqu'au bout. On commence quand même par les gagnants, s'ils sont toujours dans les parages. Effectivement, il y a Sky, Nikov, Vato et Airwax. On est avec eux, ils vont nous entendre. Donc on est parti, discrètement. J'y vais pour voir si on est... Allô les gars. Allô. Skyte, comment ça va, Vato? Bravo les gars. GG à vous, tout simplement. Merci. Donc bien évidemment, on est en live avec tout le monde. Salut Nikov, gros GG à vous les gars. Alors petite rapide, pas interview mais petite discussion. GG parce que c'était pas évident, même votre qualification, vous aviez vachement bien démarré, moins bien fini, mais comme a dit Skyar, normalement tu relâches un peu quand tu sais que t'es dans le top 8. Là, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? On était beaucoup sur vous, beaucoup sur votre vocal, vous étiez archi déter. Quelqu'un veut un peu nous retracer la soirée? Parce que on a le démon. Comment tu vas avoir le démon là, Skyar? On a fait de la merde. On a pas super bien joué toutes les games, on a... Vous avez fait 109 points les gars, c'est 109 points en finale. Tu te rends pas compte, mais pour moi, genre, on n'a pas assez joué. Enfin, on n'a pas assez bien joué. Vous auriez aimé finir peut-être sur un top 1 ou faire un peu plus de top 1, c'est ça? On aurait pu mieux faire en tout cas. Parce qu'en fait, vous... Mais je comprends ce sentiment de se dire, ok, en fait, quand t'as un niveau entre guillemets international et tout, t'as vraiment envie de faire le moins d'erreurs possible. Si t'as pas fait la game parfaite, t'es pas content. Ouais. Mais en soi, ça suffit ce que t'as fait. Non, mais moi, je vous comprends les gars, de le côté, ok, on a fait des erreurs, on n'aurait pas dû les faire, et dans une game peut-être contre
contre des mecs encore peut-être encore plus oui. inter, ça va peut-être. Alors ça, je suis d'accord, mais c'est parce que mais là, vraiment, là, bravo, sont, non, mais là ils sont au calme et ils ont le recul pour se dire, ah, les gars, on est dans cette situation-là et au lieu de faire, je dis une bêtise, 18 points, on a fait que 13, alors qu'en vrai, normalement, on fait 18, tu vois. Donc je peux comprendre, mais en fait, quand t'es in game, il y a tellement d'autres paramètres que c'est normal que tous tes games se déroulent pas de manière. Même, on faisait plein d'erreurs qu'on faisait pas, genre par exemple au FNCS pour la finale et tout. Oui, peut-être parce que les games aussi provoquaient ça, l'enjeu aussi, je sais pas, tu vois, j'essaie de me dire que, enfin, tu peux pas être aussi dur avec toi-même tout le temps. Si eux sont pas contents, qu'est-ce qu'ils doivent se dire les autres, quoi. Alors après, oui, parce que vous êtes exigeant, faut comprendre votre potentiel. Je comprends, c'est vrai. Je comprends l'idée, moi. C'est vrai. Il y avait le facteur aussi, on voulait se rattraper parce que on pense qu'avoir fini 3ème au FNCS, c'était pas le classement qu'on méritait, du coup. Bah là, vous avez fait le boulot, mais je peux comprendre. Donc c'était une revanche aussi pour vous, et bah là, ici, vous avez déroulé votre jeu, et toujours cette facilité à bien se placer. C'est quoi? C'est toujours Airwax qui fait les calls, et c'est fou, ça. Ouais, c'est Airwax. C'est incroyable, hein, vous êtes toujours, enfin souvent en tout cas au bon endroit, au bon moment, et dans cette... même la Storm Surge, vous la craignez même pas, enfin, elle vous a même pas tiqué une seule fois, ni rien. Ouais, on a straté énormément pour éviter la Storm Surge. Et après, on a straté au moins 5-6 heures avec Airwax pour ça. Non, ouais, vous étiez vachement bon sur les strat nades pour gratter la Storm, pour les petites balles d'Airwax, là on a vu les petits headshots et tout. Et non, bah, en vrai, vous avez fait rêver, même j'avoue, Nikoff, un mec, quand t'as clutché le top 5, enfin le top 4, incroyable, non? Ouais. Incroyable. Il y a quelque chose que vous avez pas vu. Ah ouais, vas-y, balance, balance. On n'aura jamais top 1. Ouais. J'ai vu le Sky, enfin le chat, c'est pas MVP pour moi. Je pense que Sky mérite. Il y a eu un giga clutch 1v2 sur Ads et Cracky de Sky. Et ça t'a permis de te faufiler. En gros, c'était un fight 4v4 en early. Et enfin, on prend la hauteur sur eux et Nikoff il meurt. Et moi, je décide genre de, enfin tu sais, de prendre leur attention et genre je les tue en 1v2. Bah justement, nous on a. Et sans ça, on meurt en fait. On récupère ce genre de clip justement pour la vidéo best-of. Donc si vous avez un clip de ça, nous on le récupère avec volontiers parce que justement comme on dit avec Skyheart, on peut pas être partout tout le temps et donc forcément il y a des actions qu'on rate et Sky GG, parce que oui c'est vrai qu'un petit clutch comme ça en début de game te permet d'aller en late game et donc en fait te permet de marquer c'est sur la game où on fait top 1 justement. Voilà, donc donc effectivement, mais bon, dans l'ensemble je pense que vous avez été tous les quatre très bons et gros GG à vous parce que vous avez vraiment un truc en plus que les autres et soit va falloir donner vos secrets pour qu'il y ait un peu plus de combativité, soit continuer de remplir les poches et c'est le banquier qui va être content encore une fois. Hein. Alors dernière question, vous êtes content ou un peu déçu fait de devoir se séparer et de passer en duo? Non, on est super. Ah bah ouais, là, c'est fini en fait. Il reste demain. Voilà, et après c'est terminé. En vrai, j'ai pas te mentir, genre ça fout le seum. Ça vous manquait ou pas un peu? Bah on est en avance sur tout le monde. Bah ouais. Du coup, ça serait trop bien de faire encore plein de tournois. Bah tu m'étonnes, là t'es en mode. Quand t'es au point, ça fait chier de lâcher un format dans lequel t'étais bien quoi. Bon, et bon, une coupe du monde squad. C'est pas une coupe du monde squad là. Tu m'étonnes, c'est ce qu'on se disait aussi. Chacun, mais... Alors après, il y a peut-être moyen, mais il faudra voir si d'ici là vous avez le temps de vous retrouver et de vous remettre à ce niveau là. Parce que là, ça va être à mon avis un autre format et peut-être qu'avant l'été, on repartira en squad. En tout cas, ça, on a vu que c'est un format qui marche bien. Hein. En tout cas, on a des vrais games. Et comme a dit Skyheart, qu'est-ce que vous en pensez de cette carte là? Parce qu'elle va beaucoup changer. Je pense que ça passe en duo. Ils vont rajouter des rotations. Là, c'était vraiment un truc réfléchi pour la squad. Pas de nous ce qu'on pense. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé de la carte du chapitre 2 rapidement? En vrai, elle est pas mal. Hein. Enfin, ouais. C'est bien le fait qu'il n'y ait pas de tremplin ou de moyen de déplacement, ça privilégie l'intelligence. Ça privilégie l'intelligence de jeu. Moi je trouve que c'est une bonne méta pour la squad. Ouais, voilà, je pense que c'est bien pour la squad. Après, pour la solo, frère, à mon avis, c'est trop solo, random. À mon avis, la solo, frère, ça doit être un enfer. Sans rota, c'est très très dur. Ouais, je suis du même avis que toi, Sky. Je trouve que la solo, mec, ça doit être un enfer. Avec t'as la zone de fois l'opposé, t'es obligé d'all-in. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dur. Mais pour la squad, franchement, c'est un super bon. Mais comme disait c'est super cool de pas avoir de rota quoi. Ah ça je suis complètement d'accord. Je trouve que la squad avec full rota c'est pas ouf quoi. Mais comme disait Dwag, est-ce que tu penses pas qu'ils orientent leur jeu par rapport à, tu vois, ils ont fait une FNCS en squad, est-ce que tu penses pas qu'ils orientent leur jeu par rapport à ça et qu'ils aient déjà 3 coups d'avance? Ah maintenant c'est sûr. Moi je pense que si on voit, parce que déjà notre spawn, à chaque fois qu'il y avait une cup importante, ils remettaient les voitures dedans, donc on a eu 4 changements et à chaque fois ils remettaient le spawn exactement quand il y avait une compète quoi. Pas eu, je crois. Ouais, mais ça allait. Ah mais c'est bien.
Et c'est pour ça qu'à mon avis là ils ont déjà prévu, si ça passe en duo tu verras la carte va changer. Et c'est pour ça qu'ils ont rallongé la saison. Mais bon, en tout cas on va vous laisser là dessus. Est-ce que vous avez un dernier message peut-être pour la commu? Je sais qu'il y avait même les Solari qui sont venus sur le live et tout. Donc Nikoff, Airwax, pour votre communauté qui vous a soutenu, pareil pour les Le Stream, Sky et Vato, et bah pour aussi tout le monde en général, parce qu'en fait vous avez réuni les communautés avec votre équipe et votre talent. Un message, vous avez été très soutenu et surtout que là il y a le MVP qui va se décider. Petit mot, petite question avant votre petit message pour le public. Vous avez, en étant premier, le droit d'imposer un joueur dans le vote du MVP, sachant qu'il n'y aura qu'un joueur par équipe différente. Qui, selon vous, parmi vous quatre, mérite d'être dans le vote du MVP? Moi je pense que c'est Skate. Skate. Ouais, je vais dire Skate aussi. C'est, tu vois, c'est une... juste pour le 1v2. Juste pour le 1v2. Ouais, le 1v2, caca. Ah, c'est beau jeu. Ah, c'est réglé. Et peut-être du coup, Airwax, un petit mot pour après, le public. On n'a pas trop vu les autres joueurs et tout, du coup, c'est dur à dire quand même. Ah non, mais en tout cas, vous, ouais. Skate sera dans les, non, dans les 5 cités. Après, ce sera le vote du public, mais là, vous venez de placer Skate dans le vote. Un petit mot pour votre public, ensuite, on vous libère, les amis. Un gros GG à vous une dernière fois. Bah, merci. Ouais, merci à vous, c'est plaisir en vrai. Merci. Demain, il y a la dernière cup. Et puis voilà. Et justement, on avait vu sur le hashtag de la cup qui était en tendance et tout. Voilà, les scores ont explosé ce soir, forcément. Très, très soutenu. Je vous invite à regarder ça quand vous aurez l'esprit un peu plus tranquille. Parce que tu sais, c'est bien avant de dormir, tu regardes un peu ton Twitter, tes notifs. T'es en mode, ah, c'est vrai que je suis le maître du monde quand même. Après, tu regardes le hashtag, t'es en mode, ah putain, ils m'ont saucé. Là, t'es en mode, vraiment, là, ça fait plaisir. Et même, franchement, si vous avez le temps, checker la rediff de mon live avec le chat. En plus de ça, moi, je suis pas en abonné only. Donc, du coup, tout le monde peut le faire. Donc, mais checkez parce que le chat, vraiment, il était incroyable. Incroyable pour vous. Donc, on voit ça, il est incroyable le chat. Et, là. Non, mais déjà, ouais, j'ose pas citer. D'ailleurs, Nico, peut-être quelque chose à nous avouer. C'est devenu meilleur MVP. Ah, parce qu'on voit le chat, forcément, il y avait eu toute une private joke, que ce soit avec le Gotagon Tour ou même ce qui s'est passé hier entre la petite soeur de Gotaga, donc Mel et Nico. Nico, peut-être tu veux mettre fin à tout ça ou... Feu vert. Ah, qu'est-ce qu'il veut lui? Allez, on vous libère. Hein. Bonne soirée les gars. Je m'en mêle plus, je m'en mêle plus. Déjà, on a vu des trucs bizarres dans la piscine avec Airwax. Voilà. Ah, mais on vous connaît. Hein. Moi, j'ai la vraie version. Ah, tu veux la balance ou... En tout cas, on sait juste qu'il a bien step up depuis qu'il a eu qui. Allez, je me casse. Allez, bonne soirée. C'est vrai que Nico, je t'ai jamais vu aussi en forme. Allez, bonne soirée à tous. Amusez-vous bien et encore GG à vous. Sur le feu. Merci, ciao, ciao. Tu sens quand même qu'ils sont soulagés, tu vois, ça y est. Parce qu'en fait, le problème de eux, c'est qu'ils sont attendus au tournant. Ouais, c'est sûr. Alors que Clément en soi. Bon. Oui, c'est les clutchers quoi. Ouais. Mais c'est sûr que le dernier game, il y avait quand même du stress. On l'aura pas demandé, mais il y avait quand même un peu de stress. On parle un peu à Clément rapidement. Attends, écoutez, il va tout passer. Yo les gars, on est. Yo. Skyard qui est en mode. On va pas vous piéger. Non, bah GG à vous les gars. Bon, j'imagine peut-être un peu de déception de passer aussi proche du cash prize, mais c'est ce qu'on a dit. Vous avez pas gagné l'argent ce soir, mais vous avez gagné tout le reste, les gars. Donc, un gros GG à vous. On a senti l'entraînement. Si quelqu'un veut un peu nous expliquer ce qui s'est passé, un peu surtout avec cette dernière game, on vous a vu juste avant, vous y croyez à fond. On revient là-dessus et je pense qu'après, on vous posera des questions avec Skyard naturellement. Donc, racontez-nous. En gros, on s'est placé trop tôt. Genre, il y avait personne qui avait la zone. On s'est placé en tout premier genre et on a pris un focus tout simplement. Ouais, après une fois que t'es dedans, c'est plus compliqué. On aurait dû genre attendre que les gens se placent, nade les mecs et ensuite se poser. Vous avez dû prendre des gros fights plus tôt alors que c'était un peu risqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vouliez prendre des points d'avance ou... Non, on a pas pris de fight. Non, mais si, je joue derrière des mecs, j'aurais essayé de prendre un kill par-ci par-là, voilà. Si ça peut aider. Ouais, pour la storm surge. Okay. Après, rien risqué, on n'a pas pris de. Ouais, c'était pas des fights, ok. Quand c'était sur. Ok. Ouais, quand il y avait qu'un mec ou deux, on essayait de prendre des picks sinon on jouait très passif. Ouais, normal. Et votre force, les gars, c'est quoi? C'est vraiment le fin de game, gérer la zone. Ouais, vous étiez super régulier sur les placements. Et puis leur com est fluide. Hein. Leur communication est propre, elle est fluide. Il n'y a pas un mec qui crie. Franchement, c'est très très intelligemment géré. Vous avez fait ça au feeling? Vous avez observé des gens et un peu copié ce qui marchait? Enfin, comment vous vous êtes développé? Ça a aucun sens, mais en gros, les deux premières semaines de FNCS, on n'a pas joué ensemble. Okay. C'est-à-dire que la régularité, on ne pouvait pas se qualifier à la régularité. Et on s'est mis ensemble deux jours avant la troisième semaine de FNCS. Ouais, donc il fallait directement. On se qualifie directement top 10. Okay. Deuxième semaine, on se requalifie top 10 et je pense qu'il y a une alchimie. C'est improbable, mais c'est vraiment c'est incroyable. C'est un coup de bol. Ouais. Quand tu tombes sur les bonnes personnes tout de suite, et comme tu dis, si tu rêves à trouver de l'alchimie, et en plus de ça, tu as des résultats très vite. Donc en fait, dans la victoire, tout va bien. C'est quand vous avez commencé à perdre que ça va commencer à être un peu plus compliqué. Que bizarrement, il y a des personnalités qui vont se révéler, tu vois. Mais tant que ça gagne là, les gars, vous pouvez dérouler jusqu'au bout. Donc pour moi, c'est une victoire. Hein, votre top 2, malgré tout, ça reste très grosse perte. Vous voyez, c'était un top impossible, hein, clairement. Ouais, avant le tournoi,
vous pensiez que vous pouviez finir aussi haut? Top 3 sur ok. Top 3. Bah tu vois, ça montre la confiance et tout. Énormément entraîné pour. Ok. Ça a payé les gars en tout cas. Qu'est-ce que t'appelles t'entraîner énormément? Bah tous les soirs on faisait des tournois, des scrims pour s'entraîner. On avait notre coach analyste derrière nous qui nous a extrêmement aidé. Ouais, quand on joue pas, on réfléchissait quand même à comment jouer. Enfin, c'était vraiment constant en fait. Ouais, okay. Bah, ça se ressent. Je suis désolé, mais ça se ressent. Vous jouez sur quel structure? Moi, je suis chez BDS. C'est un peu mixé, je suis Supremacy. Moi, je suis chez New Gamblers et Clément et FA. D'accord. Et okay. Pas de ça va être le moment, les gars. Je pense qu'il y a des offres qui vont tomber. Hein, je vous le dis. Hein. Mais Clément, là, il faut. Hein. Mais ne brisez pas justement cette alchimie. Alors après, c'est vrai que ça passe en duo ici aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est aussi la duo. Du coup, vous la voyez comment arriver là? Ça fait mal? Ça va en vrai. Non. Non. Moi, je le sens bien. C'est un nouveau défi. Ouais. Tranquille, ouais. Ouais. En vrai, ça va être... Vous restez entre vous en duo ou... Moi avec Kaizen, mais. Ouais, et après le reste, c'est pas sûr. Ouais. Non. Bon, en tout cas, les gars, en squad, vous avez plus rien à prouver. Et ce soir, vous avez montré que vous êtes une équipe à prendre très au sérieux. Donc, un gros GG à vous. Et vous êtes surtout une équipe qui montre que le travail paye. Donc, félicitations à vous. Et bah, on se retrouvera une prochaine fois pour encore plus d'aventures. Parce que je pense que vous en êtes qu'au début hein, de votre histoire. Et vous avez encore de belles choses à faire devant vous. Donc, bonne chance. Bonne chance pour le parcours, les amis. Merci. Merci bravo, les gars. Bravo à vous, les gars. C'est ça, même. Salut. Et ça y est, mon cher Skyard, va falloir maintenant passer à l'élection du MVP. Alors, comment ça se passe? Moi, j'ai 5 pseudos à mettre et il y en a déjà un, heureusement, qui a été mis de manière imposée. Forcément, ils ont gagné et en plus de ça, ses teammates ont reconnu que ça pouvait être lui, potentiellement le MVP. C'est Skyte. Donc, il me reste 4 places. Je te laisse discuter avec le chat. On va réafficher aussi le classement pour te remettre un peu dans le bain. Ah, j'aime bien, moi, mettre la merde sur mon invité. Il est en cours. Okay. 3 minutes à partir de maintenant pour voter. Les pseudos se sont affichés directement. Donc, on va vous montrer comment ça se passe. C'est au-dessus du chat. Ah, c'est clairement la meilleure compétition francophone de tout YouTube et Twitch. Quel était votre favori? Le mec, il est en animation aussi. Moi, c'était Clément et sa team. Bah, justement, Clément est dans le vote de MVP. Pour l'instant, il n'est pas très soutenu. Il est, 17%. Il est deuxième, frère. Il est deuxième. Hein. Il 17... est devant oui, Skype. C'est quand même vachement solide. Sachant qu'en plus, en termes de notoriété, ah bah il démarre je pense de plus bas. Est... Quoi. Ouais, voilà, c'est ah oui, ça. Oui, il démarre de parce que bas. C'est souvent des contests de notoriété en général, les votes comme ça. Tu fais un vote entre un mec hyper connu et un mec quand même beaucoup plus fort, moins connu. Il y a peu de chances que le mec moins connu gagne. Et même si là, du coup, on a le résultat final, c'est Nikov qui a été élu MVP. Oui, mention spéciale à Clément qui, tu sens qu'il a conquis le cœur de certaines personnes et il se sera fait un petit nom ce soir avec ses teammates. Donc bravo à lui aussi. Mais Nikov est le real MVP de cette grande finale. Monstrueux, Nikov. Ouais, ouais, Nikov en... sur moi, le terrain, moi... en dehors du terrain. Moi, je l'ai trouvé modeste parce que moi je les ai trouvé modeste sur Nikov. Je trouve que vraiment Nikov a bien joué. Après, je pense que Nikov est un gars aussi beaucoup trop modeste. Ouais. Mais c'est bien, moi je trouve ça bien. Ouais, clairement. Et franchement, bravo à eux. Ils ont été monstrueux et je pense que c'est une victoire qui était honnêtement méritée. Après, c'est aussi l'équipe qui a le plus d'expérience et franchement, ils ont un très bon niveau. Je comprends qu'ils soient déçus parce que si au FNCS ils ont vraiment fait une bonne perf, mais ils étaient 3ème, ils étaient un peu deuil. Et là, ils disent je comprends l'idée, tu t'as gagné, mais t'as quand même fait des erreurs que t'estimes que tu ne dois pas faire. Oui, mais et au je pire, comprends ce au lieu de faire 109 points, ils auraient fait 121. Oui, bien sûr. Mais non, bref, en tout cas. C'est bravo, des faits de jeu. Alors après, c'est vrai que t'as raison, sur des compètes plus difficiles, ce genre d'erreur-là, ça leur payera, ça leur coûtera cher. Donc je peux comprendre qu'ils sont en mode on a gagné, mais on n'est pas quand même satisfait de tout ce qu'on a fait. Ouais. Ça s'entend. Ça s'entend. En vrai, je trouve que dans Fortnite, c'est difficile, je trouve, de ne pas faire d'erreur parce qu'en fait, le jeu pousse tellement à l'erreur chaque seconde. Celui et chaque... qui gagne, et c'est celui qui fait le moins d'erreurs. Ouais, c'est ça en fait. Et une seconde est une erreur en fait. Donc en vrai, je trouve que c'est vraiment un jeu très très compliqué. Et je suis content que tu dis ça parce que du coup, à chaque fin de tournoi, c'est toujours les mêmes phrases. Donc on est content, mais on aurait pu faire mieux. Mais c'est normal, le jeu te fait croire que t'aurais pu faire mieux, mais tout le monde fait des micro-erreurs et il y en aura toujours, et ça se jouera à celui qui fera le moins d'erreurs. Il y a tellement de décisions à prendre à la seconde, mais donc en fait c'est normal. Et donc je suis en mode arrêtez de cibler ces micro-erreurs que vous faites tous, et justement soyez content de votre travail. Et oui, le lendemain l'entraînement, c'est quand même bien d'avoir conscience d'eux et de passer déjà au next step, et ça aussi qui oui, fait qu'en général ça te crée un mood très négatif à chaque fin de tournoi, que tu sois premier, troisième, t'es en mode ouais, moi on aurait pu faire mieux, mais tout le monde peut se dire ça en fait. En général, je pense que le côté négatif il est tout de suite, genre tu viens de finir ton match en mode putain, j'ai fait des erreurs que j'aurais pas dû faire, et tu t'en veux toi-même, parce qu'en fait, en gros, comme ça en squat, tu fais une erreur toi-même, ça plombe un peu la squat, vrai, tu vois. Et tu t'en veux, je pense qu'il y a un peu une notion de culpabilité. Et je pense qu'après, quand tu digères un peu, t'es en mode bon, on a fait des erreurs, mais c'était quand même cool et nickel. Mais ouais, j'avoue, quand tu viens de faire une erreur, bon, moi, typiquement, si je joue avec des mates, si je fais une erreur, je me sens mal, je culpabilise quoi. En fait, si je suis tout seul, bah c'est ta faute tu vois, mais quand t'as les mates, c'est ça. Moi j'ai un sentiment de culpabilité fort, donc je sais que je me dirais putain, ouais, j'ai grave mal joué. Et bah typiquement au Game Pass quand j'ai joué avec Gaspo sur Age of, en gros Gaspo a fait sa meilleure game. En fait moi je suis plus fort que Gaspo, mais je suis censé être le bon joueur qui a carry sur Age of, et j'étais contre Kenny Wingo qui était les plus forts avec nous. Et typiquement à la fin de la game, j'ai fait ma pire game et je me suis mal exprimé. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'en fait j'avais vraiment raté ma game. T'avais pas fait ton rôle de leader sur ce jeu là quoi. En gros, j'étais censé être clean et pas trop faire d'erreurs, et en fait franchement Gaspo a mieux joué que moi, parce qu'en fait Gaspo
à surperformer là où moi j'ai fait des erreurs que j'aurais pas dû faire. Et gagnant, t'étais déçu quand même de ta perf. En gros, on a gagné, mais on a chaté que Gaspo a surperf, parce que si Gaspo avait perf normalement, je pense qu'on aurait perdu. Ouais. Et donc du coup, et je m'en serais voulu de fou. Je dois pas compter là-dessus pour gagner, donc je peux pas non plus être content de ça, parce que ça aurait pas dû se passer comme ça. Donc comme Sky et tout qui se disent, voilà. Bah en fait, on aurait pas dû gagner comme ça, on aurait dû gagner autrement avec plus de légèreté et se sont fait peur. Quoi. Et tout ça pour dire que dans le regard des gens, je pense qu'on avait un avantage d'une stratégie et je pense mais pour moi c'est différent, parce que là vous êtes 2v2, donc du coup c'est lié. Alors que là ils sont 100 dans une game. En fait, s'ils avaient fini top 1 sur cette game-là, je suis sûr qu'ils auraient été en mode trop content, let's go. Mais vu qu'ils finissent pas top 1 et ils finissent genre je suis plus trop 3 ou top 4, bah ils sont en mode putain les gars, on a fait top 4, mais en fait vous avez quand même gagné. Ouais, clairement. Donc ils sont en mode oui, mais on a pas fait top 1. Et donc du coup ils peuvent pas avoir l'explosion de joie. Et top 1, c'est trop dur de faire top 1 in game. Tu peux pas faire top 1 quand tu le décides. Mais voilà. Et moi j'ai envie de dire gros GG à Dwag encore une fois. Bah, merci poto. C'est aussi grâce à Dwag et à son équipe qui ont fait un travail incroyable. Ne serait-ce qu'en termes de graphisme, c'est juste insane. Ah, donc bravo pour les efforts. Le trophée notamment aussi. Et voilà, donc un énorme GG à Dwag. Bah, pareil, un merci général à mes équipes qui ont bossé là-dessus. Mais voilà, on vous l'a dit, on reviendra très très fort en 2020 avec encore plus de contenu et de projets. Mais déjà très content qu'on soit arrivé au bout et qu'on a fait le travail et qu'en plus ça a été autant accepté par la communauté. Voilà, ça m'envoie très heureux et ça me va droit au cœur. Donc merci à tous. On espère que vous avez kiffé cette session de la Dwag Cup. MVP Nikov. En plus de ça, les vainqueurs c'est Skyte, Vato, Airwax, Nikov qui remportent cette deuxième édition en squad. Il y aura une prochaine édition, je vous le dis. Je vous en dirai un peu plus quand ça sera un peu plus acté. Et là, on attend tous la nouvelle saison, le nouveau format, tout ça, tout ça. Ouais. Donc on se met pour l'instant en mode repos, mais on vous proposera plein d'autres contenus. Et dès que la Dwag Cup peut se réactiver, tout ça qu'on avait laissé même pas un mois de battement entre les deux. Donc mais je pense que ça va être pareil dans un mois quasiment. J'espère lancer la prochaine édition. Vous serez là, je pense, pour la suivre. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir. Encore merci à tous ceux qui m'ont accompagné au cast. Merci aux joueurs. Merci à mes équipes une fois de plus. Merci à vous, le public, qui avait à chaque fois mis le hashtag en tendance. Là, vous étiez plus de 50 000 sur les streams cumulés. Donc c'était fou. Et nous, on se fait des gros bisous. On se dit à très, très, très bientôt. On finit sur ce magnifique trailer qui m'a coûté la peau du cul, mais qui serait diffusé pour la dernière fois. Parce que oui, chaque événement, il y en a un nouveau. Donc profitez-en. Et regardez comme il est beau, bordel. Regardez. Ciao. Ciao. Ready for the best.